J'ai vu des dieux voler. J'ai vu des hommes fabriquer des armes qui défiaient mon imagination. J'ai vu des aliens tomber du ciel. Mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre? C'est ainsi que je vois si. Waouh, super pangolin. Monsieur Boulard, Luc Boulard, vous m'avez opéré il y a une semaine d'une greffe. Le fameux pangolin. Allô? Quoi? Oh non, c'est pas vrai! Je te rappelle, au revoir. Monsieur Barcin, j'encourage également tous les efforts visant à mettre au point un traitement endogène du Covid-19. Consacrons toutes nos énergies à la lutte contre cet ennemi commun. Ah! À mon cœur! Oh! Il peut mordre? Avec du corps. On me donne ce grade de chevalier, docteur naturopathe, d'officier. Je suis bien, Ludo! Tu dois en avoir des médailles, toi, hein? Et le 20 mai dernier, le grade de commandeur. Que voici. Tu en veux d'autres? Je peux t'en donner. Hein. Tu l'as, celle avec la tête de Mickey? Ah! Ah! Ah, mon bras! Ah, mon bras, il devient fou! Ah, il veut écrire! Ah! Je suis Satan et je baise les chiens malades! Ah. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà le système de vacciner. Seigneur Jésus. Les solutions indigènes. Nous avons nos solutions. Impossible. Je suis un robot. Titane, aluminium et haute cologne. Voilà, je ne suis pas docteur. Je viens de la planète Vulvor. Je suis Godefroy de Montmirail, comte d'Apremont et de Pavincourt, et j'ai droit de vie ou de mort sur mes terres. Je dois retourner dans mon temps. 1000 ans nous séparent. Je suis du temps de Louis VI le Gros. Il faut que tu m'aides. Je ne suis point malade ni folle d'un gros. Silence, Maro, je parle le menthe. Je veux bondir sur cette génération. Oh ah 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 Born to be king. Je trépasse si je faiblis. C'est quand même une lourde décision, le retrait des troupes. Non, vous avez raison, on va arrêter de passer là. Avec la vodka, ça fait des machins. Non, ta gueule, c'est bon, on domine. Thaïs d'Escuffon avec un AR-15, il n'y a que sur Ben Chantigard que vous pouvez voir ça.
Pocket Rule Station. A Pocket Rule Station. A Pocket Rule Station. A Pocket Rule Station. A Pocket Rule Station. Ah, petite merdouille au début. OBS, j'ai dû relancer. Voilà, gros stress comme d'hab. Alors, le son sur... Le son sur 5. On est avec Viso, François et Monsieur Gilou. Bonsoir à tous. Comment vous allez, mes amis ? La grande forme. La grande forme, hein. C'est fantastique. On vit un kairos. Alors, je vais commencer par un petit peu d'actu. Bon, déjà, je commence par du rigolo. Hein. Je commence par du rigolo. Je sais pas si vous avez entendu parler des détecteurs de langage politiquement incorrect. Vous avez entendu parler de ça ? Ah ouais, 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 on en est là. Alors, ils vont essayer design, salon du design qui est derrière et tout ça. Ils sont francs fous, hein. Ils adorent le concept, hein. Alors, l'article, c'est le suivant. Alors, des appareils mettant une alarme en cas de propos offensants étaient pensés à la semaine du design à Dubaï, prévu pour les salles des cours. Ils pourraient servir dans les dîners. Alors, c'est pas un wax, c'est vraiment vrai. Bon, moi, ça me fait toujours penser tout ce qui vient de Dubaï, justement, quand ils parlent d'écologie, quand ils parlent de... Enfin, je dis, les... Dubaï, Qatar, les pays, faire des villes climatisées dans le désert, ils sont un peu mal placés pour parler écologie, quoi. Moi, j'avais eu un mandat, un énorme mandat, pour le Water Tank Project. Donc, les Water Tank, c'est ces gros machins qu'on voit dans Gotham City, on en a aussi. C'est un hommage à New York, c'est ces gros réservoirs d'eau qu'il y a sur tous les buildings de Manhattan, quoi, la plupart. Le vieux héritage 20e siècle, début 20e. Ben, ces water tanks, ils voulaient les décorer, que les artistes les décorent tout autour et faire des trucs bobos et tout. Puis à une semaine du vernissage où toute chaque grosse boîte devait mettre des grosses affiches tout autour de ces water tanks, moi j'avais une affiche. Enfin, un water tank en plein milieu de Manhattan. Au dernier moment, le maire de New York a dit « Ouais, en fait, non, c'est de la pub parce que les boîtes, notamment des grosses boîtes horlogères, avaient pris beaucoup de parts d'action et c'est cassé la gueule. » Mais moi, j'étais là, mais New York, capitale écologique. Je veux dire, New York, c'est une ville, ça chier. Il y a des pompes H24 qui tournent, qui recyclent l'eau pour pas que tout le métro et tout le réseau, entre guillemets, souterrain, disparaissent sous les eaux. Donc, New York, c'est une des premières villes, d'ailleurs, en collapsologie, où si tout pète, électriquement, les pompes s'arrêtent. En même pas, je pense, 2 ans, il y a des effondrements, toutes les bases architectoniques de Manhattan s'effondrent parce que ces pompes ne marchent plus. Les Tortues Ninja quittent le navire, c'est le cas de le dire. Bon, alors l'article est rigolo, je le mettrai dans le Discord, comprendre pourquoi l'alarme s'est déclenchée. Enfin bref, c'est... En fait, les amis, je vais couper ma petite musique médiévale là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est marrant parce que Pierre-Yves Lenoble en parle tout le temps dans ses... Il en parle tout le temps dans ses lives. Demolition Man. Alors, je remets un petit passage d'une minute. Vous entendez pas, vous, dans le Discord, mais... Vous recevez l'expression de mes salutations formelles. Oh. Salut, ça va ? Ça n'a pas changé. Ce film n'a pas vieilli. Quand nous saluons. Oh, brutal. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plus de... La fameuse scène des trois coquillages. Papier toilette. Vous avez dit papier toilette ? Oh. Au XXe siècle, ils utilisaient des poignées de feuilles de papier pour ce que vous savez. Chaud, Max. Je suis bien content que ça vous amuse, mais là où devait y avoir du papier toilette, il y a une sorte d'étagère avec trois coquillages dessus. Souvenez-vous cette scène. Les trois coquillages. Donc c'est la novlangue, c'est toute la métaphore de la novlangue, de tout ce que... Ah, si c'était pas dans le... Si c'était pas dans le coup, t'es qu'une merde. Je conçois que ça puisse être déroutant. C'est bien toi, Spartan ? Non. Zach ? Zach Lamb. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pote? Ah, j'ai quelques années de plus. C'est dingue. Et je me souviens encore du petit jeune qui faisait ses débuts de pilote. Ah, ils ont fini par m'interdire de vol. Les cons. T'es un sacré bon pilote. On y est. Vous avez une amende de 2 crédits pour infraction au code de moralité du langage. Bouge pas, je reviens. Ils ont l'air amis. Mais il lui parle de façon tellement grossière. Si vous aviez lu ma thèse, vous sauriez que c'est ainsi que les mâles hétérosexuels anxieux se comportaient entre eux. Les mâles hétérosexuels anxieux. Merci beaucoup, tronche de merde, casse-couille, putain de saloperie d'enculé de machine à la main moelleuse. Plus besoin de coquillages. J'en ai pas pour longtemps. Bon, cette scène est culte.
cette scène est culte. Franchement, Demolition Man, Pierre-Yves Lenoble a raison. Ça a vraiment pas vieilli. C'est énorme. C'est énorme, comme dirait ce trou du cul de Castaldi. Alors, une autre petite news. J'ai trouvé assez piquante. Je fais 5 minutes à les news. Hein. Je fais du plus débilos au plus piquant et au plus géopolitiquement intéressant. Là, ça reste du truc geek, mais j'ai trouvé très malsain. Et je vous fais l'écoute parce que j'ai plein de gens qui m'écrivent ces temps. C'est un plaisir d'avoir des gens sur Instagram et Discord qui me font des audios. Alors, j'ai un peu modifié pour pas qu'on le reconnaisse. Cet article est extraordinaire d'ignominie, de dissonance cognitive et de bêtises. Et écoutez ce commentaire, je ne vais pas dire qui c'est, mais je le trouve très puissant. Alors, attention, c'est parti. Le gros scandale du jour, c'est la mission GTA qui serait homophobe. Et alors, le truc que je trouve assez amusant, c'est que... quand tu réfléchis bien, tu te rends compte qu'il y a un problème quand même avec les gens qui jouent à ceux-là, en tout cas ceux qui aiment bien ce genre de jeu-là, c'est que les gens sont choqués qu'un personnage que tu incarnes, qui est quand même un criminel, un délinquant, un trafiquant, un meurtrier, tue un homo. Mais je crois que vous avez compris ce qu'est le personnage que vous jouez. S'interroger sur le refus qu'on a quand on leur soumet des personnages, parce que ce qu'ils incarnent, tu vois. C'est que là maintenant on assiste à une espèce de c'est la nouvelle flore d'un moment, c'est-à-dire que finalement, dans un jeu, tu peux rouler sur les doigts et mitrailler dans la rue, le plus grave quand même c'est de tuer un homo. Ça c'est quand même un crevé de rire. Voilà, ça, j'adore ce genre de message. Je vois que je ne suis pas seul. Ouais, c'est extraordinaire. Je veux dire, ils en font des polémiques, alors que, je veux dire, GTA, c'est quand même du what the fuck au carré. Je veux dire, même le premier GTA sur PlayStation 1 était un gros scandale avec les joggers qu'on écrasait. Le but, c'était d'écraser les joggers. Et là, ils en font tout un foin. Bref, on en est là. Ça, c'était, on va dire, de la petite rigolade. Alors, je ne sais pas, déjà, par rapport à Demolition Man, et cet article de GTA, cette espèce de pudibonderie. Moi, j'ai croisé mon prof d'anthropologie. Vous savez, j'en parle tout le temps. C'est ce fameux prof d'anthropologie religieuse qui n'est pas foutu de faire un état de trans modifié. J'ai mon siège qui tombe, là. Voilà. Et en fait, le mec... Que le chat n'a pas bien entendu l'enregistrement. Non ! Ah, bien marqué, ils entendent. Apparemment, ça, c'était saccadé. Le son est saccadé, et casserole. Ils veulent juste un petit résumé. Bon, vas-y, fais-moi un petit résumé, François, de ce qui a été dit. Mais j'ai rien entendu, moi non plus. Ah, sérieux ? Ah, merde ! Alors, j'ai fait un tunnel pour rien. Ah non ! Ah, je suis tout déçu. Alors, bon. Ben, en gros, ce qui a été dit, c'est... bon, ça fait vraiment chier, parce que j'étais sûr qu'avec le faune, ben, je saurais qu'on je peut pas écouter. Je t'ai fait monter Pierre-Yves, ceci dit. Ouais, à fond. Ah, ça fait chier, j'ai oublié de le poser. En fait, j'ai une intermède. À chaque fois que je vais faire un tunnel, maintenant, je vais mettre Pogno qui fait... Tu vois, Pogno, ceci est un tunnel. Et ah, ça fait chier, j'ai oublié de le foutre en... j'ai oublié de le foutre en... Ce sera pour le prochain live. À chaque fois, je vais faire le bouton. Tu vois, Pogno, ceci est un tunnel. Et ça va être drôle. Mais bon, alors, ce qui a été dit dans mon audio, je suis juste désolé. Alors, en gros, si je dois vous résumer, c'est quand même assez hallucinant de voir des gens qui ont joué à GTA, qui incarne un personnage qui est un meurtrier, un dealer, un saltimbanque, ce que vous voulez, un trublion, mais c'est pas un enfant de cœur, qui tire et mitraille sur des gens. Il n'y a pas de problème. Mais les gens s'offusquent parce que dans une des missions, il y a un gay qui est tué. On en arrive à cette espèce de paradoxe lamentable de dissonance cognitive et de pudibonderie et de signalement de vertu, c'est toujours ma grosse théorie, où on en arrive à justifier en fait un jeu qui est... Bon, moi, j'ai la licence GTA, je me suis arrêté à San Andreas, j'étais jeune, vous imaginez, c'était encore sur PlayStation 2, à faire des backflips en Uzi avec une petite motocross. Bon, ok, voilà, c'était bon, c'est une chronophage, je regrette tout ce que j'aurais pu dessiner à la place, plutôt que... Bon, j'ai passé des bons moments avec des potes, il n'y a rien à dire, parce qu'on jouait en groupe et tout, mais bon, voilà. GTA, c'est un jeu débile. Et là, ils en font un foin parce qu'il y a un mec qui est tué, quoi. Qui est à un gay. Donc, mon pote, bon, heureusement que vous n'avez pas tout entendu, mais en gros, il parle de... Ouais, je vais mettre tout ça dans le Discord. Il y a des gens qui me posent les questions. Tu pourrais mettre les titres des musiques en fond médiéval mandrill. J'ai toujours dit, je vous le redis,
si vous me tipez, même une petite somme, je vous file des liens. Il y a 11 gigas de zik que je vous mets, de toutes les zik que j'utilise, de tous les ravaillets qui me fait, toutes les nappes spéciales que vous ne pouvez pas trouver sur son SoundCloud. Il y a tout. Puis si vous me mettez, à partir de 50 euros, il y a des aquarelles. Vous allez voir dans le prochain Apocadrill, on voit 2-3 aquarelles, on voit un peu comment je bosse. C'est-à-dire que c'est le plus gros don à partir de 50 euros qui l'emporte. C'est les deux premiers, c'est les deux plus gros dons. Donc le premier et le deuxième. Donc si tout d'un coup tu as envie puis tu t'es fait dépasser, bah si t'es le deuxième ça va. Après c'est toi à choisir à faire un peu plus ou un peu moins, tu vois. C'est toujours la même chose. C'est un petit moyen que j'ai pour survivre parce qu'il faut bien que. Et les aquarelles, il y en a certains qui vont. J'ai pas tout envoyé hein, déjà de ceux qui j'en dois. Ils sont tous là à m'écrire. Mec c'est incroyable, je m'attendais pas. Oui parce qu'il y a pas que des aquarelles. Moi je suis un gentil, je rentabilise pas du tout le truc. Vous recevez plein d'autres choses en même temps quoi. Ça me fait plaisir. Je vais pas faire ça tout le temps, donc c'est au début de cette saison 2, là je suis très magnanime. Vous savez pas qu'une aquarelle. Donc voilà, puis à la fin, même si t'as reçu 50 euros, puis que, enfin t'as mis 50 euros, puis t'as pas eu l'aquarelle, il y a un tirage au sort fin d'année à Noël avec tous ceux qui m'ont mis des dons, et puis il y a un poster géant à gagner, si jamais. Puis tu fous un bal sur Tipeee, je t'envoie 11 gigas de musique, de plein de trucs de débiles, de clips, de tout ce que j'ai pompé. Tout est trouvable sur SoundCloud et YouTube, hein, j'envoie. Ah ouais, il y a 2-3 peut-être CD que j'ai acheté, que j'ai copié. Je sais pas, peut-être j'ai peut-être des couilles avec ça, je sais pas si j'ai le droit. Mais la plupart des trucs, c'est sur du YouTube. Mais voilà, comme disait mon prof de sémiologie, c'est bien beau de qu'Internet. C'est pas beau, c'est bien beau d'avoir accès à tout. Vous avez accès à tout, les amis. On a accès à tout. Faut-il savoir encore ce que l'on veut chercher ou ce que l'on cherche? Et là, ça résume toute la problématique que John O disait. C'est pas l'acquisition des connaissances, enfin c'est pas l'accessibilité des connaissances, c'est l'acquisition des connaissances maintenant qui est le plus important. Parce que l'accessibilité, vous l'avez. Par contre, acquérir ce médium d'Internet, moi je fais des recherches en ce moment sur Henri Corbin. Vous allez voir mon prochain Apocadrill. Vous allez péter les plombs. Le monde imaginal, le mundus imaginalis, c'est juste structurellement fondamental. Ben, y a des trucs en PDF sur Internet. Mais je pète un câble, j'ai même pas besoin d'aller en faculté de théol. Parce que les thèses, elles sont là. Elles sont en PDF. Petite parenthèse. Est-ce que vous voulez qu'on aille dans le chat? Qu'est-ce qu'il dit? Si jamais Gilou et François, vous me dites s'il y a des petits commentaires intéressants, je peux aussi maintenant, avec un bouton, les mettre pendant un petit moment, comme Pierre-Yves y fait, les mettre en... Il y a des gens qui veulent tiper avec des cryptos. Est-ce que c'est possible? Ouais. Alors, sur mon Twitter, j'ai mis ma wallet. Ah. Sur mon Twitter, j'ai mis ma wallet, j'ai fait mon MetaMask parce que là, je suis en ce moment, j'essaye d'entrer chez Foundation. Donc Foundation, c'est une des meilleures plateformes d'NFT. En gros, comme j'ai dit, hein, alors je fais juste une petite parenthèse, j'ai déjà expliqué ça chez Pierre-Yves Lenoble. Les NFT, c'est encore pire que le monde réel. C'est qu'on recrée, on récapitule le monde réel. Mais je vous explique ce qui se passe, c'est très simple. Je vous explique ce qui est en train de se passer avec les NFT. Il y a tellement de personnes qui produisent des images depuis les années 2000 que moi, j'ai reçu pendant pas mal de temps des espèces d'arnaqueurs qui te proposent des expos. Généralement, ils adorent faire ça dans des gares. Donc, je vous explique l'idée. Ils te contactent. Tu dois payer 400 balles ou 500 balles. Eux se chargent de tout. Tu dois envoyer le visuel. Ils ont un format prédéfini. Tu dois envoyer ton visuel en 4K, enfin le maximum. Eux l'impriment, l'installent et tout. Puis toi, t'as une exposition, puis tu sais, ça fait ouais, plus de 3000 personnes par jour, passage, mais ouais, forcément dans une gare. Bon. Puis tu te retrouves, en réalité, c'est quoi? C'est des panneaux cheap faits, je sais pas où, en Pologne et tout, imprimés, mis n'importe comment, avec un accrochage dégueulasse, où tu te retrouves avec des gars qui font l'aérographe de flamant rose, et puis des trucs de galaxie, du graphe mal foutu, et puis des photos, parce qu'ils mélangent aussi les photos avec des trucs de paysages, de coucher de soleil tout irradié, dégueulasse. Et puis, t'as payé 500 balles. En fait, il y a tellement de personnes qui produisent maintenant, il y a une démocratisation du médium visuel, que il y a un business à se faire. C'est-à-dire que si t'as un petit peu de fonds, bah forcément, tu le demandes, tu l'as, parce que les gens donnent 500 balles. Bah, si t'arrives avec 50 000 balles, tu rigoles. Tu vas après te marrer à aller faire un petit truc de merde pour leur ego. Tout le monde est content, mais sauf que toi, tu te fais une marge de malade. Ben ça, ce monde-là, ça fait 20 ans que ça existe. Ou disons, depuis la révolution du numérique vraiment accessible à tout le monde, je dirais 10 ans. Depuis que les Canon 5D sont devenus accessibles pour le public, en photo, depuis que Photoshop est vraiment accessible. Bon. Alors, on critique ou pas,
c'est assez intéressant pour un petit gars de 18 ans de faire sa petite expo puis de mettre ça sur Instagram. Bon, ok, c'est niveau zéro. Il y a un objet physique. La crypto, c'est pire. La crypto, c'est tu mets tes trucs toi, eux, ils mettent aucune thune. Il faut payer pour mettre sur leur marketplace tes œuvres, parce qu'en fait, c'est une question de marketplace. Tu peux avoir des petits trucs. Le prince Nobongo, lui, il s'amuse, il fout plein de trucs sur Internet avec des autres noms, des machins. Il fait des trucs hyper drôles avec vraiment l'humour. Parce que les NFT, c'est vraiment l'humour geek Internet. Hein. C'est pas des œuvres d'art. Il y a des trucs 3D un peu bizarres. Vous voyez, j'en balance souvent sur mes stories Instagram. C'est une espèce d'illusion d'optique bizarre où il y a un truc qui se passe, puis c'est une espèce de truc impossible, puis c'est en boucle. Bon, ça, c'est typique esthétique NFT. D'ailleurs, on pourra dire dans 10 ans, ah ouais, ça, c'est l'esthétique 2020 NFT, 2021, esthétique Covid 3D pourri bizarre. Ou tous ces trucs d'animation bizarre avec des trucs weird, tu sais, vraiment, des corps tout mous. Le mec, il veut shooter un ballon, puis en fait, le ballon, il est dur, puis le gars, il se dégonfle. Tous ces trucs de corps humains qui sont protéiformes, tout ça, cette esthétique-là, c'est typique NFT. Mais imagine, les mecs, c'est comme les galeries. C'est, si tu viens chez moi, t'es vendu. Parce que c'est moi qui te fais que tu es vendu, en fait. C'est moi qui te permet d'être vendable. C'est exactement le même monde que la réalité. Ouais. Et le truc, c'est que c'est immonde parce que eux, non seulement tu dois payer pour mettre tes trucs et que tu vendes ou que tu vendes pas, bah tu les payes. Puis en plus, eux, ils prennent la moitié, si ce n'est plus, quand t'as vendu. Et alors après, c'est pire parce que eux, ils peuvent avoir la traçabilité à chaque fois que l'œuvre se fait revendre. Eux, ils reçoivent encore de la thune et pas toi. Ou certaines marketplaces font que quand tu vends, même si l'œuvre, elle continue de se vendre, toi, tu continues de toucher. Toi, c'est pas comme si tu vends un tableau. Je vends t'as ton grand-père qui est un peu coté, un peintre régional qui était connu à l'époque. Et tu vends une fois un tableau à 8000 ou 10 000 balles, t'es déjà content. Si c'est un petit peintre des beaux-arts de l'époque, fin 20e, qui était connu. Ben, après, si elle se fait revendre, toi, tu touches rien. Avec les NFT, il y a ce truc malsain où tu peux retoucher de la thune avec la vente d'un autre truc. C'est en fait. C'est Babylone au carré, c'est les marchands du temple. Je sais pas ce que le Christ, ce que le Nazaréen aurait fait derrière un clavier face au NFT. Ok ? Bon. En fait, vous êtes en train de vivre la même arnaque que ce qu'on a dans l'auto-édition chez nous. Où t'as des boîtes qui te disent qui pour une fortune t'impriment des bouquins. Et sauf que là, en plus, tu dois les vendre toi-même et faire ta pub toi-même. Mais et comme tout le monde sait tenir un stylo, tout le monde pense savoir écrire, bah tout le monde a un Kodak ou un téléphone, tout le monde pense savoir photographier. Est-ce que les amis, dans le live, vous entendez un effet de robot? Parce que moi, de nouveau, OBS a twisté, j'entends tout le monde en robot. C'est insupportable. Mais je vais faire le live, je vais continuer le live comme ça. Ça m'a déjà fait... Qui sont les auteurs de cette situation épouvantable? Mais qui? Qui sont les galeristes? Qui sont les meilleurs galeristes à Art Basel, à Miami Basel? Il y a peut-être heureusement la foire de Hong Kong qui change un petit peu démographiquement la donne. J'en dis pas plus. On continue dans le lourd là, les amis? Dans le très très lourd. Juste interrompre pour dire que d'après le chat, tout va bien. Ok, alors c'est juste moi qui vais péter les plombs à la fin, mais c'est pas grave. On t'entend bien aussi. Ok, ben Vizo, ça me fait le même problème que hier. Et on entend Vizo. Et on entend Vizo, ouais. Ça, alors, c'est un miracle. Vous êtes prêts? Parce que je vais maintenant vous balancer du très très lourd. Je vais vous balancer du très très lourd. Alors, c'est juste une petite parenthèse à mes amis français. Ce qui se passe en Suisse, c'est alarmant. Au niveau civilisationnel. J'en ai fait une story pour ceux qui me matent sur Instagram, c'est pas piquer des hannetons. Alors, tenez-vous bien. En Suisse, à partir du 28, enfin jusqu'au 28 de ce mois, il va y avoir une votation pour l'extension du pass Covid. Et tout un tas de lois complètement liberticides qui n'ont rien à voir avec la gestion d'une crise sanitaire, genre permettre de l'État de faire de l'expropriation, enfin des machins. C'est Demolition Man au carré. T'es là, non mais attends. L'histoire d'avoir un putain de Covid à gérer. Bon. Cette loi, en Suisse, en ce moment, est un principe de division, de clivage, totalement opératif, à un niveau sans précédent. C'est-à-dire que des potes dans des boîtes, des amis, sont en train de se foutre sur la gueule en ce moment sur cette question
Parce que bon, que tu sois vacciné ou que tu sois anti-vax, bon, les gens, ouais, moi j'ai plein de potes qui étaient anti-vax à la base, ça leur faisait chier. D'ailleurs, regardez comment ça a évolué. On était tous anti-masque au début. Regardez maintenant, en 2 ans, le brainwash qui fait que quand tu rentres dans un bus, que ce soit le boomer complètement con ou même un petit jeune qui dit ouais, un masque comme ça qui te fait un signe. Bon, moi ça m'est pas arrivé parce que comme un con, je mets un masque en tissu, je vais pas respirer du graphène, donc ça sert à rien. Hein. Mais voilà, je me couvre le visage comme signe. Vous savez, c'est la théorie, on passe un cap hein, dans les loges, les personnes masquées pour couper leur identité. Pour grader, mais aussi des fois pour avoir des espèces de trucs d'humiliation. Hein. C'est pas forcément un grade honorifique, mais pour changement d'état, on doit masquer le visage. Hein. Je ne veux pas vous parler des cérémonies de la liturgie africaine masquées chez les Dogons. On en est là, mais sauf que c'est en mode international. C'est la première fois qu'on met des masques à tous les êtres humains. De l'Amazonien, réfléchissez à la puissance symbolique de cacher la bouche, le logos de tout le monde. Bon, qu'est-ce que ça crée en 2 ans? Ça crée que tout le monde était là. Putain, c'est quoi ce masque de merde? Les Chinois, moi, quand j'étais à Shanghai il y a 10 ans, ils avaient l'esthétique du masque, même fashion, avec des trucs kawaii, des petites têtes de... tu prends juste l'emoji chat, tu vois. Ben, ça, ils avaient. À Shanghai, en 2010, ils étaient tous avec des masques. Mais parce qu'à Shanghai, la pollution, les particules, c'est... Mais il y a aussi une politique avec le SRAS qu'ils avaient eu de la protection des postillons. En Occident, on n'avait pas du tout ça. On était des barbares. Ben maintenant... un pays au monde qui n'a pas ce concept de critique du masque. Ça, c'est la première chose. Donc, regardez comment, 2 ans, tout le monde a pris le masque comme quelque chose de normal. Mais écoutez bien ce qui se passe en Suisse. Parce qu'en France, je ne sais pas si ça va se passer, mais Zemmour, qui aime tellement le système politique suisse, ben regardez ce qui se passe. On va voter cette extension du pass. Moi, j'ai des amis. Mais des amis avec qui je m'entends vraiment bien. Notamment aussi des collègues de travail à ma copine... Des gens qui, ça leur a fait chier comme tout le monde, la plupart, les gens un peu sensés, ne vont pas se faire vacciner comme ça de manière automatique, tu vois. Je suis pas anti-vax, hein, je vous dis juste, parce que j'ai pas envie de faire striker ma chaîne. Moi, j'ai voyagé partout dans le monde, donc des vax pour aller en Chine, pour aller en Afrique, j'en ai fait plein. Et d'ailleurs, chaque année que j'ai fait des vaccins, même le rappel anti-tique que j'ai dû faire, vu que je suis tout le temps en forêt, vu que pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous voyez que je fais des installations des fois dans les forêts, j'ai dû faire ça, j'ai pas envie de choper une borréliose et une merde, donc voilà, je me suis vacciné contre les tiques. Toutes les années où je me suis... Moi, je chope jamais la grippe. Hein. Toutes les années où je me suis fait vacciner, c'est là où je me suis chopé des grippes carabinées. Hein, parce que mon système immunitaire détruit. Bon, petite parenthèse. Donc, je suis pas anti-vax, mais il faut savoir ce qu'on y perd et ce qu'on y gagne. Hein. Des espèces d'enculés. Parce que là, c'est de la sociologie en barre. Hein. Parce qu'ils ont voulu partir en vacances cette année. Et par pur narcissisme, et tant mieux. Moi, j'ai une copine, elle m'a fait « Ouais, mais je voulais aller au bled. » Alors, une copine albanaise, elle a voulu aller au bled. « Ouais, bah voilà, tu vas au bled, t'es obligé de te faire vacciner. » Ah, mais moi, je me suis fait vacciner. J'étais pourtant anti-vax, mais je vais quand même voter oui. Putain, mais attends, pourquoi? Ah, mais parce que je vois pas pourquoi moi, je me suis fait vacciner. Et puis vous, les non-vax, vous pourrez retourner au monde normal. J'étais là. Oh, putain, j'ai jamais vu ça. Au niveau de la civilisation, je veux dire, dernièrement, au siècle passé, même dénoncer à son pote juif, et je pèse mes mots, c'était moins grave. Parce que dénoncer son pote juif, c'est parce que si tu te faisais choper, t'étais mal, tu vois. Donc le connard qui faisait ça, qui dénonçait ses voisins, il était, voilà, il sauvait sa peau. Là, ça leur change rien. C'est encore pire. Alors bien sûr que c'est pas une histoire d'aller foutre des gars dans des trains, fameux train. Non, c'est juste par plaisir de merde de se dire, ah non, mais merde. Moi, je me suis niqué la gueule parce qu'il y a quand même sous-entendu, ouais, je me suis quand même niqué la santé. C'est affolant. Et ça se passe en Suisse, c'est jusqu'au 28. Et on arrive à des situations. Vous savez, mon pote salafiste, dont je vous en parle tout le temps, là, mon pote salafiste avec qui je fais de la fonte, qui est super sympa au demeurant. Hein. Là, je lui ai parlé d'Henri Corbin, il connaissait un petit peu. Ouais, mais ça, c'est les trucs bizarres, ça, ésotérique. Bon. Il est chef de chantier, ce mec, avec sa grosse beubarde. Il est allé lundi passé dans un chantier et il a tout vu, ses petits portugues, ses ritals, ses kosovars, dans des petites cahutes, là, à bouffer, parce qu'il commence à faire froid, là, à bouffer dans leur container. Ils étaient 20, 15. 15 vaccinés, pardon, et un pas vacciné, qui tient bon. Un petit musulman, d'ailleurs, qui tient bon. Parce qu'il est persuadé qu'il y a du porc dans le vaccin. Pour vous dire le niveau. Bon. Écoutez bien ce qui se passe en Suisse. Il y en a un, vendredi passé, qui a chopé le Covid, et c'est un double vaccin. Un double vacciné. Il a chopé le Covid. Personne en quarantaine. Tous ceux qui sont avec lui toute la journée, pas de problème. Le seul qu'ils ont mis en quarantaine, c'est le pauvre gars, justement, qui, lui, est comme avec eux à bouffer, à faire les mêmes trucs, mais qui n'est pas vacciné. Et qui, lui, est en parfaite santé. Alors que les autres, sur les 15,
Il y a la moitié, j'ai bien dit la moitié, donc à peu près il y en a 8 si j'avais compté, plus de la moitié, qui ont, depuis leur vaccin, mal à la gorge et puis ils sentent pas bien. Alors vous allez, c'est psychologique et tout, mais tu la fais pas un prolo. Le prolo qui bosse dehors, il le sent bien. Moi, je suis en contact, vous avez vu dans mes stories avec Mancini, bah, tous ces athlètes qui se sont fait vacciner, ils en chient, ils n'ont plus les résultats d'avant. Voilà, cette petite parenthèse. Vous savez ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que vous avez vu ? Moi, sur Facebook, là, j'en ai plus rien à foutre. Parce que si je pète mon Facebook, bon... Facebook, c'est un truc de boomer. Bon, ça me ferait chier parce qu'il y a plein d'archives, il y a plein de trucs cool que j'adore. Mais voilà. Mais là, j'aimerais après avoir les commentaires de mes amis intervenants, là. Regardez, ça, c'est ce que j'ai posté sur Facebook. Voilà. Alors, en Chine... Condamné à peine de, à la peine de mort ceux qui refusent le vaccin, une idée qui séduit Pékin. On en est là. Hein. Et le même jour, bon, déjà j'ai passé ça, j'ai trouvé rigolo. 1er janvier 2025, 16e vague, 14e dose, l'essence à 3,80 litres et le gasoil 2,50 la baguette, tout va bien, on lâche rien. J'ai trouvé très drôle. Et alors tenez-vous bien, je ne sais pas si vous savez, faut que je retrouve ça, j'ai mis ça où alors, vous savez ce qui se passe en Autriche, là ? C'est pas mal, hein ? D'ailleurs, tout ce qui vient d'Autriche, généralement, ça envoie du lourd, hein ? Sans rentrer dans les détails. Alors, en Autriche, maintenant, c'est les confinés, les non-vaccinés. On confine les non-vaccinés. Je sais pas si vous êtes au courant que l'armée autrichienne se met du côté du peuple pour défendre, enfin, pour s'opposer à cette débilité. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc là, c'est sans précédent. D'ailleurs, j'ai toujours dit, la police ne se met jamais du côté du peuple. Par contre, l'armée peut, pas tout le temps, mais souvent. Donc voilà, l'Autriche se soulève contre la dictature sanitaire. Les amis, c'est sans précédent ce qu'on est en train de vivre là. Parce que tant que ça reste des débats de gaucho, des débats machin, mais quand t'as un corps constitué comme l'armée qui va du côté du peuple et qui manifeste, là, je vous promets, ça va changer. Hein. Ça va changer. Et puis à tous mes amis suisses, votez absolument non à cette putain de loi. Puis même si vous êtes vaccinés, je vous en veux pas. Moi, je me suis bien fait vacciner contre la fièvre jaune ou tous les trucs que j'étais allé en Afrique. Il n'y a pas de problème. Bon. Mais là, les amis, si vous pensez que, ouais, moi, j'ai envie... Vous êtes tous autant dans la merde que n'importe qui, parce que peut-être que parce que vous avez deux doses, c'est bon, mais votre passe, il va sauter au bout de la troisième, hein. Quatrième, cinquième, donc vous êtes tout autant dans la merde. Vous croyez que vous êtes à jour. C'est pas pour rien que Raoul a dit, la succursale de l'OMS, c'est Bill Gates. Bill Gates, le modèle, c'est quoi ? C'est créer les virus informatiques qui lui-même vend les propres antivirus. Le virus informatique était la métaphore de ce qu'il allait faire 20 ans après ou 30 ans après avec les humains. Mais en fait, c'est tellement hallucinant que je ne comprends pas comment les gens arrivent encore à parler de complotisme alors que là, il y a des lobbies à 36 milliards pour Pfizer... Pour les Français, pour la troisième dose, qui sont en cours de négociation, enfin qui ont été négociés. Bref, je ne vais pas faire striker ma chaîne. Réfléchissez à ce que vous faites avec votre corps. Vous êtes fait vacciner, il n'y a pas de problème. Bon, ben, vous n'allez pas non plus mourir. Je ne suis pas à être tout le monde va crever. Non, je ne vais pas avoir ce discours-là. Mais c'est au niveau civilisationnel, de l'entraide. On parle de crise sanitaire, de pandémie, de machin. Puis au final, les gens interagissent. J'ai discuté avec le docteur Azevedo. Il m'a dit, tu vois l'exemple que tu donnes avec les feuges qu'on dénonçait dans les années 30. Les feuges, c'était les autres. C'était l'autre. Là, ils arrivent à mettre l'autre dans ta propre catégorie. Et on divise notre catégorie à nous. Les putains de prolos, comme les universitaires, comme les... Bon, il y a des universitaires prolos aussi, hein, ça existe. Mais comme tout le monde, dans le même panier. Bref. Normalement, là, je foutrais la petite vidéo. Tu vois, Pogno ? Ceci est un tunnel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vas-y, Gilou, je te laisse... commenter ce que je viens de dire comme bêtise. Oula, Sans prendre le sujet que tu veux, Demolition Man, là c'est sans risque. comme sujet, écoute. Ouais, le problème c'est que je l'ai pas vu Demolition Man, mais ça me donne très très envie, surtout la thèse sur l'hétérosexualité, je sais pas quoi. Aujourd'hui, en France, si tu veux, il y a certaines facultés où si tu veux faire une thèse, si tu veux avoir une bourse de thèse, effectivement, tu dois parler de l'hétéronormativité chez insère le nom de l'auteur que tu veux.
voilà. Et là, ça, tout va très bien, tout marche très bien. Alors, tu sais que je vais décortiquer tout ça tout à l'heure. Alors, attends, d'ailleurs. Je t'explique. Maintenant, ils appellent pour l'histoire, pour le monde, on va dire géologique. Michel Serre, plein d'auteurs ont parlé de l'âge anthropocène. L'anthropocène, oui. C'est-à-dire que depuis maintenant les révolutions agricoles du néolithique, on a vraiment, au niveau de l'érosion, complètement changé la donne. Au niveau de la sédimentation, vous savez, comment on fait, les géologues ? Ils voient de la sédimentation. Mais pour la sédimentation, il faut qu'il y ait de l'eau avant dessus, puis que ça se dépose. Puis quand l'eau sortir, nous, on peut aller checker. On peut aussi aller faire des carottes carrément dans l'océan, parce que là, ça n'a pas bougé. Ok ? Bon. L'humain, avec l'agriculture, fait perdre les terres. Quand il pleut, vu qu'on... On augmente la sédimentation. Au lieu de 1 mm ou 2 mm par année, là, on sait... parce que t'as déjà vu de l'eau dans une fontaine quand tu mets de la boue. Bon. Ça s'appelle l'anthropocène. Maintenant, dans les sciences sociales, tenez-vous bien, mon fameux prof d'anthropologie religieuse, là, que j'adore, là, qui est un peu... c'est pas un PNJ, mais un peu mou, comme ça. Il me dit qu'il vient fou. Et pour que lui vienne fou, c'est violent, hein. Parce que lui, c'est un bon planqué, il a son salaire à 5 chiffres, il est bien. Voilà. L'air androcène. Il parle maintenant en sens social de l'air androcène. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont complètement cinglés. Et c'est quelle faculté aux États-Unis où, ça part n'importe comment, il y a eu un reportage où ils se mettent tous autour d'un prof pour le virer. Ah, l'université d'Evergreen. Evergreen, ah la vache, Evergreen, alors que le type est juif, tu vois. Ah ouais, puis justement il s'est plaint, comment ça se fait que je me suis fait virer, je suis juif, ils ont pas le droit, ah là ça... Brett Weinstein, voilà Brett, mais c'est terrible. Vous savez ce qui est encore de plus affolant ? C'est que ce prof que j'aime beaucoup, je lui fais « Hey, mais de toute façon, licence sociale, mais comment vous faites après The Grievance Studies ?» Donc G-R-I-E-V-A-N-C-E. Grievance Studies. Vous savez, c'est ces hoax qu'ils ont fait. Je vais toutes les mettre dans le Discord. Dans Deccan Caliugesque, là. Vous savez, c'est ces mecs... D'ailleurs, il faut chercher James Lindsay. Lindsay, pardon. L-I-N-D-S-A-Y. Et Peter Bogosian. C'est tous ces mecs qui ont envoyé dans des journaux, dans des grandes revues. Parce qu'il faut produire, il faut faire des revues. Hein, tu vois, il faut avoir son article. C'est comme en science. Si t'as un article dans Science, ton institut, ton université, elle reçoit des subventions, t'as tous les tertiaires, tous les gars, les RH, tous les couillons de ton état, de ta ville, qui disent « Ah ouais, c'est bien, il est dans Science. » C'est la consécration. Ben, du coup, il y a la même chose dans les sciences sociales, au State. Les mecs, ils ont envoyé des dossiers. Vous connaissez Stoax de 2017, où ils ont envoyé des trucs chiens. Avec des chartes pour le droit aux chiens dans les parcs, des trucs complètement hallucinants. Ils ont même pris Mein Kampf, puis ils ont remplacé tous les trucs de juifs pour, avec les trucs de patriarcat, justement, et puis de femmes et tout. Et ça a passé. Les gars, ils avaient « Ah ouais, envoyez-nous la suite, c'est génial !» Bref, depuis 2017, la sociologie, l'anthropologie est dead, c'est fini, c'est mort. Ils ne peuvent pas se relever de ce chaos. Je lui balance ça. Le gars, il me regarde avec des grands yeux. Le mec ne connaissait pas cette histoire. Je suis là, mais ça n'a même pas fuité. En 2021, le mec ne connaît pas ce buzz, tu vois. On dit qu'il le connaisse un peu plus tard. J'étais abasourdi. Les mecs, ils sont dans un entre-soi tellement hallucinant que les algorithmes entre eux, j'aimerais pas avoir son ordi dans les mains parce que je pèterais les plombs de voir dans quel cercle, non pas vertueux, mais... infernal, il tourne en croyant voir que ses potes gauchos que... Et ma théorie, parce qu'à la base lui, c'est un putain de New Ages, hein. C'est un prof d'anthropologie religieuse mais qui est à fond dans le New Age. Il me fait, comment s'appelle cet auteur converti à l'islam que tu cites souvent déjà, René Guénon, ouais, on va pas appeler ça comme, c'est un peu plus complexe. Donc le mec, il est prof d'anthropologie religieuse, il sait tout juste qui c'est Guénon. Ça vous montre le niveau de l'université à l'heure actuelle, hein.
Bah ce mec, au final, il m'a fait plaisir, malgré tout ce que je peux lui chier dessus avec plaisir, parce que c'est un pote, il est, moi j'ai ses cours, il y avait deux, trois trucs intéressants, c'est grâce à lui que j'ai rencontré Jérémy Narby, hein, l'auteur du Serpent Cosmique. C'est qu'en fait, les New Ages, ils sont tellement individualistes, ils sont tellement dans une perspective de développement personnel, qu'ils en deviennent anti-vax parce qu'ils ont bien compris, vu qu'ils sont un peu anthroposophes, un petit peu naturopathes, machin, tous ces trucs ridicules, quoi, qui sont du libéralisme, je veux dire, comme j'ai dit chez Pierre-Yves, quand t'as un rayon chez la FNAC qui grandit, c'est que c'est mauvais signe, tu vois. Quand t'as un rayon lithothérapie, quand t'as un rayon naturopathique qui grandit, ça veut dire que c'est foutu, le système est mort. D'ailleurs, et c'est le seul truc que je donne aux musulmans, aux barbus, et à mon pote avec qui je fais de la fonte salafiste, c'est qu'il n'y a toujours pas de rayon à la FNAC, le salafisme d'emploi, le salafisme pour les nuls. Ce qui est le seul truc que je leur laisse, ok. Mais d'ailleurs, il n'y a pas aussi le pérennialisme, il n'y a rien. Je veux dire, où il y a les auteurs qu'on aime, mais et ces tout petits trucs, il faut demander, ils n'ont même pas en stock. Donc c'est un bon signe, réfléchissez à ça. Quand c'est en plein... S'il y a, là, si vous avez un bouquin à nature et découverte de ce que vous recherchez, c'est que c'est très mauvais signe. Hein, nature et découverte, t'as tous les boomers qui vont aller acheter leurs conneries, leurs babioles. Voilà. Putain, je devrais remettre la vidéo, ceci est un tunnel. Oui. Mais tu sais, à ce niveau-là, t'as même... Tu connais Christopher Dumit? Ça s'écrit D-U-2-M-I-2-T. C'est un universitaire canadien qui a avoué, alors qui était dans tous les gender studies, là, les trucs comme ça, et il a avoué qu'il falsifiait ses conclusions et que la majorité des gens dans le milieu le faisaient. Et de temps en temps, outre-Atlantique, t'as un gars comme ça, tous les 1 ou 2 ans, t'as un gars qui avoue. Donc lui, il s'appelle Christopher Dumit, mais on n'en entend jamais parler en France. Donc t'as même plus besoin de faire des hoax avec des faux trucs avec les chiens. Alors l'article sur les chiens, c'était la domination patriarcale chez les chiens dans les parcs. Et le truc sur Mein Kampf, c'était ouais, ils avaient pris des pages, ils avaient remplacé juif par mâle blanc, ça a été applaudi. T'as même pas besoin de faire ça, les types avouent eux-mêmes que ouais, non mais... Osef... c'est bon... Non mais c'est affolant, d'un point de vue heuristique... D'un point de vue heuristique, H-E-U, ouais. C'est catastrophique. Eureka. Eureka, ouais. Bon. Alors. Je vais mettre une petite pause, 2 secondes, parce que j'ai envie de mettre une toute petite pause. Voilà. Parce que vous parliez que ça peut conduire à l'ensauvagement. Il y a une obscénité latente. On pense à la haine. Bon. Et moi, la haine est un sentiment que j'ignore. Voilà les amis. Voilà les amis. C'est affolant ce qu'on vit. Vous m'entendez tous ? Oui. Oui. Oh, bien. Alors, nous allons parler maintenant avec notre invité. Cette fois, on l'a. On est heureux. On est en grande sympathie avec ce personnage incroyable qui est Vezo. Vezo, c'est bonsoir. Un mec... Bonsoir, Vezo. Mais Vezo, c'est assez hallucinant parce que t'as un mec... On va directement commencer par le profane, comme toujours. Hein. On va remonter par les principes. Allons-y. T'as un mec à 25 000 abonnés sur YouTube. Pourtant, tes vidéos font 50 vues. Du coup, ouais. Putain, il a acheté ses abonnés. Explique-nous pourquoi tu as 25 000 abonnés et comment ça se fait qu'il y a cette histoire incroyable qui va nous faire partir en Inde, qui va nous faire partir dans le monde des casquettes, qui va nous faire voyager et rigoler. Parce que c'est aussi typique, une analyse assez pertinente de ce qu'on peut en tirer d'Internet et des moteurs clés et des recherches clés. Voilà, vas-y, je te laisse, c'est à toi. Bon, ben, en tout cas, merci de livrer ça directement en public, hein, Mandrine. Non, mais c'est tellement hallucinant, cette histoire, qu'il faut en parler. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, tout simplement, j'ai vraiment 23 000 abonnés. Et sur YouTube, mais simplement parce que j'ai fait des vidéos tutoriels de danse avec des casquettes. Une petite vidéo totalement débile en 2011 à Neuchâtel. Et il s'avère qu'en fait, un acteur hyper célèbre d'Inde
est tombé sur ma vidéo. Donc un gars de Bollywood, de l'équivalent du Jean Dujardin indien, quoi. Oui, je crois, je ne sais plus s'il a 40, 50, 60 millions d'abonnés. Bref, un big boss du Bollywood. Et puis il a pris ses mouvements dans l'un de ses films ou l'un de ses clips, je ne sais plus exactement. Puis tout à coup, je me suis rendu compte en fait que ma vidéo, elle prenait des vues, elle prenait 50 000, 100 000 vues en fait, par semaine. Parce qu'elle était en recommandation sur sa vidéo. Puis le type, en fait, dans un entretien, il a dit qu'il avait inventé ses mouvements, mais malheureusement pour lui, ma vidéo, elle est venue en recommandation. Alors tous les Indiens sont venus s'abonner à ma chaîne. Il a difficilement fait son mea culpa. Mais je crois que le plus drôle dans l'histoire, c'est ce qui est survenu après, en fait, avec la marque de casquette, avec New Era, en fait. Alors vas-y, attends, tu sais quoi, je sais pas pourquoi maintenant, je suis en train de galérer. J'essaie de trouver ta vidéo, j'aurais pu la préparer avant. Je sais pas si ça lag. J'ai l'impression que mon ordi il lag un peu là. Ah oui, ça lag un peu. C'est que le son est légèrement métallique, mais. Mais chez qui? Chez tout le monde? Non, chez Vezo. Ah oui, ça c'est. On a eu le problème déjà hier. Il a. C'est, je sais pas. Mais on entend. On entend bien sinon. Ok. Pour vous, c'est un peu métallique? Ouais. Ah là, ouais, ça va. Franchement, c'est. Ok, bon, je me recule un petit peu alors. Dramatique. Donc tu es une superstar en Inde, Vezo? Mais c'est ça en fait, j'ai 23 000 abonnés, et puis malheureusement, ben, enfin 23 700, puis je pense qu'il y a 23 600 Indiens. Donc j'ai rien contre les Indiens, mais en fait, les vidéos que j'aimerais voir un petit peu aller en avant, c'est pas celle-là. Mais c'est drôle parce que j'ai été contacté par le big boss de l'America, des casquettes, qui m'a proposé de tourner dans une publicité pour New Era, tu vois. Puis tu sais ce qu'il m'offrait? Je te le donne en mille, Mandrill. Casquette? Juste une casquette. Bah justement pas. Eh bien même pas. Voilà, tu m'as teasé. Même pas une casquette. Même pas une casquette, ils ont dit que c'était pas possible dans leurs conditions, justement. C'était pas possible. Donc, New Era voulait que je passe gratuitement dans leur clip sans m'offrir une seule casquette. Donc, en gros, c'est comme si Nike vient vers toi, ils veulent faire que tu fasses le boulot. Totalement. Et puis à la fin, ouais, mais bon, alors les gars, vous me donnez quoi? Ben rien. Sois content que tu viennes chez nous, connard. Ben, c'était exactement ça. Bon, pour le coup, c'est moi qui leur ai retourné le connard. C'est laquelle, voilà, ta vidéo c'est laquelle ta vidéo casquette là? Mais tu tapes CAPS, C-A-P-S, puis tu verras, il y a environ 4 millions de vues, quelque chose comme ça. Bref, c'est une vidéo totalement stupide, hein. Je ne sais pas s'il y a nécessité de le montrer, mais en tout cas, elle continue de marcher, quoi. C'est hallucinant, ouais, parce que les Indiens jouent avec ça, quoi. Oui, beaucoup. Ben, je reçois des messages d'Indiens, des abonnés d'Indiens qui m'écrivent en anglais encore maintenant. Hein. CAPS Tricks Tutorial. C'était ça. Ouais, mais là, sur ta chaîne, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas les millions. Oui, mais je mettrai dans les commentaires, c'est, si tu veux. C'est pas important, mais pour dire à quel point c'est cocasse tout ça, quoi. Mais j'ai, en fait, voilà, tout ça pour dire, j'ai pas acheté mes abonnés. C'est des Indiens totalement volontaires, j'exploite personne. Bon, Mandrill, tu sais ce qu'il nous reste à faire. Là, t'as un béret casquette, tu t'y mets maintenant, et puis. Alors, tu sais quoi, je te dis, je fais des stories assez piquantes. Je fais des trucs. Je me partage des artistes, des trucs de 3D, des trucs de philo. Je fais souvent des petits... Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai fait des vlogs. Je suis allé... La dernière pub Gucci, donc c'est hallucinant, c'est une blanche avec un black hipster à la Stromae, mais un peu plus épais que Stromae quand même. Donc dominant, justement. Et que t'as mis sur Insta. Ouais. Et juste à côté, le seul blanc que tu vois, c'est un espèce d'androgyne complètement gaze, assumé. Donc voilà, en gros... C'est... Puis moi, je fais toujours... Je mets ça, je trouve ça ignoble. Cette espèce de d'arnaque à la bien-pensance visuelle. Et j'ai des anciennes élèves qui sont dans le mannequinat, qui font ce genre de conneries, qui vont se faire trop... Alors elles, c'est des blanches, mais elles vont tourner avec des blacks et tout. Je trouve ça, mais c'est pathétique. Voilà, bon, c'est le nouveau moyen. Après, la prochaine étape, c'est qu'il y ait... Ouais, bon. C'est quand je fais des stories fitness, où je montre comment je m'entraîne, que là, j'ai vraiment des gens qui viennent commenter. C'est affolant. Oh putain, trop bien, machin. Je suis sûr que si j'ouvrais une chaîne de fit, de calisthénique, de tout ce que j'ai appris entre le break, la gym artistique, les arts martiaux et toute la connaissance que j'ai dans le milieu de la fonte, avec des poids de corps, comment s'entraîner à la maison avec une chaise, comment des trucs, méthode, je prends le meilleur de la fée, désolé de la vieille, il y a quand même des trucs pas mal, c'est la fée. Je prends le meilleur de la vieille pour les powerlifters. Ça fait 20 ans que je fais de la fonte, quoi. Eh ben, au final, je pense que j'exploserais. C'est vrai que parler d'Heidegger et puis parler de. Ça, c'est sûr. Ouais, n'oubliez pas de mettre les pouces, les amis. Il faut que ça monte, là.
Il y a 5 connards qui n'aiment pas. J'ai remarqué que quand, à peine je mets déjà l'avatar, donc j'ai remarqué qu'il y a des gens, je fais un petit tunnel, il y a des gens qui se mettent, qui sont abonnés à moi, parce qu'à peine je mets la notif, ils dislikent. Donc en fait, c'est des gens qui prennent du plaisir à disliker tout ce que je fais, en sachant que ça va quand même leur trouer le cul, qui me suivent, tu vois. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Ouais, mais il y en a 4 bientôt, pour le moment. Pouce rouge sera supprimé. Mais d'ailleurs, on les voit plus, en fait. Mais on les voit plus, je pense, les dislikes sur YouTube maintenant. Oui, non, on les voit plus. On sait pas combien il y a de dislikes là, on regarde en mandril. Si, moi, je vois les vois. Ah ben moi pas. Alors, je sais pas si c'est la Suisse, mais moi, je ne vois plus les dislikes sur les vidéos YouTube. Tu vois, Pogno, ça, c'est un tunnel. Voilà, j'ai juste mis, tu vois, Pogno, ceci est un tunnel. Ah oui. Ah oui, mais en fait, je vais faire mieux parce que j'ai fait ça juste vraiment ce matin à l'arrache. Et je pense qu'avec Katsugen, on va faire un truc un peu mieux. Il rentre dans le tunnel après. Et puis, bref, c'est une connerie. On va faire un truc beaucoup mieux. Je suis déjà venu par ici, t'inquiète pas. Voilà, là, j'ai vraiment foutu sur VLC et puis j'ai mis une partage d'écran. Et normalement, je vais la mettre sur OBS et j'aurai une touche, paf, puis je... Ceci, Clapogno, ceci est un tunnel. Voilà, on va remettre de la musique. Donc ça, c'était juste pour introduire notre ami Vezo, donc, qui d'ailleurs était sur le live privé de Ralph et de Pierre-Yves Lenoble, qui m'ont un petit peu taclé, mais en franche camaraderie, moi je les adore, je les adorerai toujours, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi sur cette notion. J'ai remis une vidéo sur le hip-hop un peu piquante, là, sur le rap plutôt, la culture hip-hop que je distingue. Et j'ai juste mis d'ailleurs sur... j'ai re-uploadé juste la partie où je suis un peu taquin, là. Et puis, ça a fait jaser. C'est la première fois que j'ai eu autant de dislikes, mais j'ai aussi beaucoup de likes. Parce que normalement, voilà, le ratio, il est toujours hyper bon. J'ai des vidéos où j'ai 800 likes pour moins de 10 dislikes. Tout le monde m'a dit, mais personne ne fait ça, ce résultat-là. Oui, parce que c'est la petite niche des mysticosphères, donc on est là, on est cool, quoi. Mais sur le rap, tout d'un coup, j'ai un peu énervé certains. Et toi, non, même, Vezo, tu es aussi un rappeur, hein. J'en ai fait pas mal, surtout pour mes deux enfants, je fais de la musique. C'était plus à titre d'héritage, je dirais. Et d'utilisation de la langue, parce que vu que je ne sais pas chanter, c'était un support simple. Ce que d'ailleurs j'ai aimé dans ta vidéo, ce que tu as bien relevé. Ce que Ralph avait relevé, ce que la cartouche avait relevé et ce que Greg Toussaint avait plus ou moins fait comprendre. Alors, avec toi, on va parler de plein de choses. Parce que t'es aussi quelqu'un, on avait notre cher ami qui est dans le chat que je salue, dans l'œil du cyclone. Et c'est vrai que toi, la langue des oiseaux, tu la pratiques aussi, tu la décortiques sur ta chaîne, c'est super intéressant. Et vas-y, c'est parti. Libre à toi. Oh. Alors puisque j'ai une ouverture aussi grande, j'y vais. Alors je vais parler en fait un petit peu de la vision, de l'œil, du soleil, puisque après il me semble que tu veux parler d'Égypte. Mais avant de rentrer dans le sujet, en fait, j'aimerais faire quelques petites considérations, puisque j'ai pas pu intervenir la semaine passée sur la notion d'image en lien avec la langue des oiseaux, etc. Donc en préambule, j'aimerais en fait rapidement aborder l'ignorance. Parce qu'il fut un temps, et ça tu l'as bien dit avant, où la science s'acquérait, alors que maintenant l'instruction elle se reçoit plutôt. Et pour prendre conscience de notre ignorance, ben, il faut en fait un certain recul par rapport à nos préjugés, les opinions, et c'est proprement l'allégorie de la caverne, hein. Où Platon il va imager l'état de notre nature relativement à l'instruction et à l'ignorance. Donc l'ignorance comme possibilité de découverte. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, hein, je conseille vivement la lecture, je peux le mettre dans le chat là, du livre d'Abel Bonnard qui s'appelle Éloge de l'ignorance. Exactement, où il dit que le fait d'être ignorant, eh bien cela laisse la place au doute, doute qui fait naître la curiosité qui elle-même permet de mesurer l'évolution de notre connaissance. Et Bonnard il dit à cet effet, qu'il y a deux temps dans la recherche. Un premier temps où ton esprit il amasse, et un second temps où il revient héroïquement sur son butin pour en contester la valeur. J'aime beaucoup cette phrase. Et philosophiquement, c'est cette posture qui m'a poussé à m'intéresser à la langue des oiseaux. Et ici, tu l'auras compris, je me fais un peu le défenseur de Burensteinas par rapport au live précédent, parce que je trouve qu'on manque un peu de bienveillance. Au sens où Burensteinas, quoi qu'on puisse en penser, mais il a permis à beaucoup de personnes, dont moi, de s'intéresser aux mots qu'on emploie et chercher un sens et surtout une élévation. Tu vois, entendre et voir les mots différemment. On en a parlé en privé, c'est exactement la même remarque qu'on m'a fait quand Greg Tabibio était passé, qu'on a taclé... Avec Soral. On a taclé Soral
Et c'est vrai que moi, c'est la même période, hein. 2010, 2011, j'étais à Shanghai, je vivais à Shanghai. Je découvre, on m'envoie, à l'époque c'était les méga uploads, je découvre le voyage alchimique qui part de Bruxelles, de Burenstenas. C'était la grande période. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a eu 2012, vous voyez, il y a 2012, le calendrier Maya, il a eu lieu. La droite, le milieu de la dissidence, la dichias danse, ce que vous voulez, elle s'est vraiment pétée en 2012, exactement, plus ou moins en décembre. C'est Dieudo avec son ananas assurance de merde, qui était du courtage à la con, qui nous avait vendu, qui nous avait teasé pendant 2 ans au moins, voilà, j'ai tout changé le système. C'est Soral qui fait ses vidéos payantes. C'est tout un tas de trucs qui fait que tout le monde s'est, on va dire, tiré dans les pattes et que ça a été un gros bordel. La naissance de Conversano, enfin tous ces trucs. Et ouais. Burenstenas, effectivement, moi je le tacle souvent parce que ces jeux de mots, ils sont sympas et voilà. Mais je vois ce que tu veux dire. En même temps, s'il n'était pas venu à cette période de ma vie, moi je connaissais déjà la langue des oiseaux, hein, y a pas de problème. Moi j'écoutais Baglis à l'époque. Donc, d'ailleurs, je salue, je fais un gros clin d'œil à Baglis TV dans ma prochaine vidéo. Donc, la langue des oiseaux, c'est connu. C'est vrai qu'il a démocratisé le truc de manière assez sympathique. Parce que son reportage, les gars avec qui il a fait là, sa première vidéo, là, je trouvais assez bien foutu. Un peu arté comme pas. Surtout, en fait, ce qui l'a permis, moi, je trouve, Burenstenas, c'est en fait d'amuser. Tu vois, de découvrir. Et quand l'âme, elle s'amuse, ton âme, elle s'adoucit. Et puis lorsque ton âme s'adoucit, elle est disposée à apprendre. Tu vois, je vois ça avec mes deux enfants, puis je le vois avec mes élèves au quotidien. Donc cette âme-là, elle désire en fait savoir. Et Burenstenas, pour le coup, tu parles de jeu de mots, mais en disant que savoir, c'est voir ça, il a raison, parce que savoir, c'est accéder à la vision. Tu vois, Antoine de Saint-Exupéry, lui, il affirmait que connaître, c'est pas démontrer, ni expliquer, c'est accéder à la vision. Et d'ailleurs, une autre citation que toi, tu aimes bien, c'est celle de Proust, qui disait également que le seul voyage, c'est de changer de regard. Et je pense que pour faire ça, en fait, il faut redevenir un petit peu humble, tu vois, bienveillant et curieux comme un enfant. Un enfant, si je rebondis de nouveau sur Saint-Exupéry, à l'image du petit prince, qui souhaite voir son âme s'envoler pour retourner vers le Créateur. Et d'ailleurs, le petit prince, quand il part pour son périple, il profite d'un vol d'oiseaux sauvages. Je trouve que c'est un beau symbole. Alors parfois, je pense que peut-être qu'il vaut mieux ne rien savoir plutôt que de trop avoir appris. Tu vois, c'est un peu le constat de Socrate, la seule chose que je sais est que je ne sais rien. Alors pourquoi se placer dans cette posture d'ignorant, je reviens à ça, au sens de vierge de connaissance, eh bien pour être comme un vaste terrain. Conscient que quand le terrain il est trop bien cultivé, trop bien ordré, eh bien une forêt pleine de mystères et de vie, elle est absente, elle n'est pas là. Et ces mystères, justement, peuvent s'éclaircir en partie grâce à la langue des oiseaux. Donc, pas se fier à l'orthographe, à l'écrit, mais d'entendre les cris, c'est-à-dire ceux des oiseaux, des mots. Ça, tu le comprends très bien si tu es un fervent lecteur de Louis-Ferdinand Céline. Et ça, c'est important, l'oralité, parce qu'elle amène l'écoute pour décrypter. Parce que la langue des oiseaux, bien entendu, elle a trait au symbole. En grec, c'est ombolom, ça signifie quand même découvrir. Enfin, Gilou, tu me reprends si je me trompe pas. Mais découvrir par cette langue des oiseaux. Appelée aussi, en fait, langue des anges, langage originel. On a retrouvé ça chez Platon, Grasset d'Orsay, Fulcanelli, Jung, et même chez Saint Paul. Toi, quand il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. » Donc, tu as toujours cette analogie, chaque allusion à la langue secrète. Mmh. Exactement. Et si on reprend les mots de Jésus eux-mêmes, tu vois, qui sont liés au psaume de David, là, je trouve que c'est intéressant, en fait, ce qu'on peut en découvrir, je pense, en cherchant un peu plus. Tu vois, il dit « Eli, Eli, lama sabachthani, père, père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ben avec sabachthani, tu peux très bien raisonner de la manière suivante, « sabachthani, abadané, donc abadané, condamné au bas-lieu, dont on a fini par faire « abandonné ». L'idée de placer en tombeau, donc tomber de haut, donc sur terre. Donc tu vois, après, il faut aussi prendre conscience que parfois, il y a une incertitude des sons. Mais des fois, tu dois rajouter des lettres, même par exemple le « e » muet. Si on prend le nombril, puisqu'on est en train de parler de vision, nombril, c'est ne, ombre, il. Donc l'œil sans ombre, dans l'idée l'œil sans paupières. Je suis parrain d'une petite, mon meilleur ami DJ, là d'ailleurs, de Funk, ça va plaire au Mosinor, Verduras. Et j'avais déjà une fois mis les prédictions de Colline. Je vous avais déjà fait une fois écouter la petite Colline qui faisait des prédictions. Et puis elle, au tout début, je pense qu'elle avait 3-4 ans, elle disait c'est monsieur nombril.
Puis vu que tout le monde croit que j'ai une dimension égotique gigantesque en tant qu'illustrateur, alors que bon, ben voilà, quel illustrateur ne doit pas foutre son ego dans ses encres pour essayer de faire parler sa voix. Mais un bon illustrateur, c'est ses dessins qui restent, et ce qu'il dit, à la limite, on s'en fout. Regardez les mauvais dessinateurs comme Gueluc, enfin, c'est pas un mauvais dessinateur, mais tous ceux qui font passer le discours avant, ça se casse la gueule. Après, si t'arrives à faire le bon dosage discours et dessin, comme le fait Druillet, ça marche. Mais tous ceux qui ont un discours, je veux dire, Gueluc, c'est quand même celui qui a défendu les musulmans contre, avec l'attentat de Charlie Hebdo. Hein. Enfin, bref, on est là. Hein. Petite parenthèse. Ouais. N'est pas Choron qui veut. Hein. Même si Choron est un immense profane dégénéré. Tout à fait, Thierry. Alors, vas-y, je te laisse continuer. Le retour, je sais. Message dans le chat, sympa. Mandrill, man who drill, homme qui creuse des tunnels. C'est juste. Oh putain, il est bien. Et qui est marqué, Docteur puisque c'est marqué. Docteur Binimax. Putain, Docteur Binimax, viens dans le Discord, je te fais monter, c'est trop bon. Elle est trop belle. Donc je reprends où j'en étais, je parlais du nombril, c'était ça. Oui. Ouais, donc je disais aussi que parfois, en fait, il suffit de voir l'élément en question. Ça peut paraître tout bête, mais le mot hiver, tu vois, puisque le contraire, ça se marque souvent par i ou un, ben hiver, c'est i, donc non, vert. En fait, l'hiver, c'est la saison sans verdure. Tu vois, puis la langue des oiseaux, elle peut aussi se mélanger avec d'autres éléments, comme l'archéographie. Ça, je vais en parler après. L'archéographie, elle nous permet, elle, d'apprendre certaines choses sur les lettres, la graphie et les sons. Tu vois, on apprend que les sons « ge » et « que », par exemple, sont similaires. On retrouve ça dans les noms romains, comme « gneus », par exemple, qui s'écrivait « kneus ». Et puis ça, en fait, ça permet d'aller chercher encore différemment. Par exemple, « Égypte », « Égypte », le « e », « ai », c'est comme dans « pays », « gypte ». Puis puisqu'on peut interchanger « ge » et « que », « gypte », « kypte », « copte ». Tu as « copte » et « icopte », le pays des coptes. Puis ça donne bien l'alphabet copte, tu vois, qui est bien l'héritier moderne de l'Égypte hiéroglyphique. Moi, je pense qu'il faut voir un peu les choses sous cet angle-là pour retrouver l'origine des mots. Puis ainsi, vu qu'on parle de la vision, on peut toujours aborder le premier élément, celui dont tu veux parler après, le soleil. Et ces coptes dont on vient de parler, ils voyaient le soleil comme le seul œil. Donc le soleil comme l'œil du monde. Et le soleil, on en a eu des représentations avec cet œil justement. Cet œil dans un triangle. Où il a aussi été représenté par ce qu'on appelle une fleur de lys. Mais fleur de lys, ça, on peut retrouver la même chose. Fleur de lys, fleur d'Eli, tu retrouves Hélios en grec, c'est le soleil. Donc Eli, soleil. Ou par exemple la fleur de lys étant le symbole de la royauté, le roi soleil, etc. etc. Et le soleil, le 25 décembre, il se prépare à repartir, puis il était fêté chez les Romains comme le Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu, qui a été remplacé par Jésus, le Sol Justicier, le soleil de justice. Donc à nouveau cette idée d'absolu, comme Dieu qui voit tout, le soleil, pardon, il est symbolisé par l'œil au centre de l'univers qui perçoit en fait tout ce qui se passe. Souvenez-vous, même chez les astrologues. Hein. En parlant d'astrologues, de mages, de Zaipus, souvenez-vous le Zaipus dans Les Visiteurs. Per Horus, et per Ra, et per Solem Invictus, par le soleil a vaincu. C'est le petit mashup qui nous a fait Katsug des visiteurs, incroyable. D'ailleurs, très drôle de voir la et vidéo qu'a fait. Bravo Katsug. D'ailleurs, c'est très drôle de voir la vidéo de. Je me suis maté un petit bout parce que j'ai un peu de peine, mais de Rojdi là sur la chevalerie, et puis il prend l'exemple des visiteurs. Avec justement le monde moderne, quand il passe la théorie est pas mal, c'est que passer le tunnel du temps, les couloirs du temps, et ben Montmirail, enfin le chevalier, lui, il se transforme en espèce d'être cristallin. Parce qu'il a sa foi, il a sa foi ardente, et puis ce désir d'amour, ce nincendium amoris de retrouver sa fénégonde, là. Et puis Jacouille, lui, il traverse la modernité comme le chevalier, mais lui, il se corrompt. Et c'est pas pour rien quand il se transforme à la fin avec ce morphing tout pourri qu'ils avaient fait analogiquement, ils ont dû se casser le cul pour l'époque, sans fond vert, sans rien, ben, lui, il se transforme en bouse. C'est-à-dire que je trouvais bien cette analogie de dire que les deux esprits du Moyen-Âge propulsés dans le
temps moderne, récapitule la dégénérescence humaine, c'est-à-dire que le chevalier, lui, restera toujours une valeur de transparence et de dureté et de cristallisation de l'Esprit Saint, on va dire, voilà, de la personnification de l'Esprit Saint, tandis que le fourbe, du jacouille devenant jacquard, noble, et puis c'est justement le chevalier qui, lui, ben, disparaît, il n'y a plus de descendance, il n'est plus présent, il n'y a pas d'équivalent de... Elle croit d'ailleurs dans les visiteurs, ça y est, je vais plus loin que Roche dit, mais elle croit que c'est son ancien oncle qui est mort en rallye, qui serait un artiste en fait, ou un comédien, un cascadeur. Puis lui, il est mort, puis elle croit que c'est lui. Donc il est certainement mort, puis vu qu'elle voit Montmirail, elle croit que c'est lui. Et ben, Jacouille, lui, il est vivant. C'est Jacquard. C'est la noblesse dévoyée, enfin c'est le gredin qui est devenu un faux noble, donc un espèce de bourgeois rentier, quoi. C'est énorme. C'est vrai que dans les visiteurs, il y a toute une analyse assez rigolote qu'on pourrait faire symbolique. C'est certain, il y a beaucoup d'éléments. Mais justement, par rapport à... Attends, vas-y, Gilou. Pardon, vas-y, Gilou. Ouais. Symbolon, tu lui donnais quel sens ? Le sens de soulever, découvrir. Ah, soulever, découvrir. Oui, d'accord, oui, oui. Comment dire ? Oui, ça a le sens de... rapprocher les choses par la pensée, en fait, vraiment faire des supputations interprétées. Enfin, ça, le verbe symballo. Bon, alors Esteban secondaire, là, je vois juste dans le chat, retourne dans la chaîne, je vois tout à fait quelle vidéo tu as dû regarder qu'il a posté aujourd'hui, je vais même pas le citer. Bref, si vous voulez le salafisme du christianisme, allez sur sa chaîne, mais faites-moi pas chier. Donc Esteban, soit dans tes prochains commentaires, je vois que t'as un bon gap et que t'es sur la déconne, c'est bien pour ça qu'on est aussi sur cette chaîne. Je veux dire, le monde, il est assez astringent et assez acide comme ça pour nous permettre aussi de nous lier puis d'échanger aussi de la déconne et du cinéma, de la littérature. Et Dieu sait comment après, je vais vous citer des trucs de malade de toutes mes recherches que je fais en ce moment. Mais si c'est une bouffère, ton ayatollah puis ton salafisme de... Hein, foutez le camp. Je vous dis tout de suite et je vais avoir le doigt facile hein, dans les bannissements. On est là pour apprendre et puis parler de trucs. Voilà. Très bien. Ça, c'est fait. C'est fait. Qu'est-ce que je disais ? Oui, un symbolon, c'était un objet au départ qui était brisé en deux. Et chaque personne, t'as deux personnes qui avaient une moitié et qui en fait étaient liées l'un à l'autre, soit par un fait d'hospitalité, soit par quelque chose que Mandril expliquera beaucoup mieux que moi, le don contre don. Et en fait, ça pouvait se transmettre même à la descendance. Et c'est comme deux bagues magiques là dans des paquets de céréales. Tu les assembles et les deux personnes voient qu'elles sont liées. Au départ, le symbolon, c'était ça. C'est tout. Merci pour la précision. Voilà. Et dans l'esprit, c'est vraiment l'assemblage des choses. C'est un mode de pensée qui est lié à la supputation, à l'hypothèse, à percevoir des mécanismes et surtout à les assembler. Sinon, c'était très intéressant. François, je viens de te titiller. Donc ça se rejoint aussi, c'est très bien. Je viens de te titiller sur le résumé de des bandes de la radio. Qu'est-ce que tu as à dire ? Est-ce que tu as des petites remarques à faire par rapport à tout ce qui a été dit ? Parce que je sais que tu es toujours discrète, tu es toujours dans le saint silence. Mais est-ce que tu as une petite intervention à faire que tu aurais envie de dire ou est-ce que tu as vu quelque chose dans le chat d'intéressant ? En train de lire justement le chat, pour le moment j'ai aucune remarque à faire, j'écoute attentivement, c'est très intéressant, toutes les remarques qui ont été faites, je me nourris actuellement. Ok, alors on boit tes paroles Vézo, continue. De toute façon oui, après Vézo, j'aimerais justement, on va pas rester dans la thématique solaire, et oui. Mais seulement après qu'il aura terminé de parler, qu'il aura eu à dire ce qu'il a à dire. J'aimerais du coup, comme je te l'avais dit, parler un peu à mon tour du roi de France, justement. La nature du double corps du roi. C'est ça. La double nature du roi. Double corps du roi, mais qui est aussi une double nature. Bisous, vas-y, continue. Ça fait aussi le lien avec le roi soleil. Ok, je reprends en fait par rapport aux astrologues, puisqu'on s'en était arrêté là. Et puis en fait, le soleil, même chez les astrologues, il est représenté par un grand cercle avec un point central, élément qu'on va retrouver d'ailleurs juste après. Donc le soleil, l'intellect, la conscience, et même dans le tarot de Marseille, hein, que connaît bien mon filleul Nawel, pour ceux qui sont d'ailleurs dans le chat et qui écoutent, hein, je tiens quand même à le dire,
Nawel, c'est celui qui a cassé la gueule deux fois à Mandrill hein, dans les Apocalypse. Donc tu me coupes plus mon micro, Mandrill. Champion, multi-champion suisse de karaté, excellent compétiteur, santé hallucinant. Un super pote. Donc voilà. Le soleil, c'est l'intellect. En fait, quand la lune, elle est le mental, d'accord, elle change suivant les cycles, d'où l'idée d'être lunatique. Hein. Et la langue des oiseaux, elle permet de voir ça. Sachant que l'animal qui a la meilleure vision, c'est l'aigle, un oiseau, dont la vision est unique parce que c'est le seul oiseau qui puisse regarder le soleil directement. Et là, on pourrait penser aussi que c'est un hasard, mais pourtant le soleil, qui est lié à l'élément le plus pur, hein, le feu, on pense au feu de la Saint-Jean, quand le soleil est à son maxima, et Saint-Jean l'évangéliste, il est symbolisé dans le tétramorphe par l'aigle. Et Jean, donc le tétramorphe, vous avez, Janus, amis, vous avez vu dans les églises, dans les tétramorphes, il y a les quatre évangélistes qui sont symbolisés par les quatre animaux. Si jamais vous repérez le buffle, après il y a l'ange aussi. Et tu n'as pas l'image numéro 7, Mandrill ? Mais bien sûr que j'ai l'image numéro 7, fieu. Hein. Pour que les gens comprennent ce que c'est un tétramorphe. Ouais, peut-être mettre le tétramorphe. Ouais. Ouais, moi je vais mettre le tétramorphe. Hein. Il est magnifique ce tétramorphe que tu m'as mis en bois. Là, ça doit être une chair. Épiscopal ou un truc à mon avis que t'as pompé là, que t'as trouvé, qui est magnifique. Mmh. J'en ai vu un en Italie en allant à Bergame qui était totalement magnifique, mais je l'ai pas retrouvé. Voilà, chaque évangéliste est associé à un animal. Donc voilà, je faisais le lien avec Saint Jean et l'aigle, et je rebondis sur Jean. On peut faire aussi ici une écoute Janus, d'accord, Janus qui a un rapport concret avec la porte. C'est Janua en latin, ma prononciation est approximative, hein. Mais ça a donné janvier, hein, qui ouvre l'année. Et le soleil, ben, c'était considéré comme la porte unique vers le ciel. Et le soleil, Hélios en grec, pour le dieu du soleil, avait le pouvoir de création. Hélios, Eli, encore un rapport avec l'absolu puis le créateur. Et Eli que l'on retrouve aussi dans la pierre d'Abydos. Ça, je ne sais pas si je t'ai envoyé, Mandrill, mais où tu as les apostrophes au soleil. Elle. Tu vois, on entend tout ça. Et puis j'ai pensé aussi à faire un petit clin d'œil à Tiki, parce que même chez les Incas, hein, Inti, le fils de Viracocha, il est représenté par un soleil à face humaine. Chez les Égyptiens, t'as Fré, et puis c'est un mot qu'on entend et qu'on retrouve dans Phrène, le cerveau, en grec. Donc à nouveau ici, soleil, intellect, on voit les rapports. Et puis là, on pourrait penser en fait que c'est des élucubrations un peu d'un prof de culture générale, mais il y a des ouvrages du 19e siècle qui traitent de ça bien mieux que je saurais jamais le faire. S'il y a certaines personnes qui sont intéressées, je le mets volontiers dans le chat, le titre de l'ouvrage. Mais voilà, j'en reviens au soleil. Le soleil qui est l'astre, astre, ça vient aussi de ast, c'est un mot synonyme chez les Gaulois de et, le feu. Et on va retrouver ça dans castel, dans chaste, dans châtier, donc dans rendre pur. Donc maintenant, je voudrais juste revenir parce que tu vas en parler, enfin, je vais pas revenir, rebondir parce que tu vas en parler juste après de l'alphabet proto-sinaïtique. Est-ce que tu as une image par rapport à ça, Mandrill, s'il te plaît ? Alors toi, tu m'en avais mis une, non ? Oui, je pense que je t'ai envoyé l'alphabet proto-sinaïtique. Oui. Semble-t-il que c'est fait. Alors, bah, j'explique rapidement, de toute façon, elle va venir. Ouais, donc, non, la lettre O, dans cet alphabet, le cercle complet, donc le cercle O, ça représente toujours la totalité. Hein, donc, et c'est une forme observable du soleil, et bien c'est symbolisé par un seul œil, de nouveau, soleil, seul œil. Et l'œil, il énonce ce qui peut se voir et ce qui peut se regarder. Et là, voir, pour moi, tu vois, c'est simplement voir ce qui est là devant mes yeux, qui peut être vu ou qui se montre. Mais regarder, ça implique une initiative. Il y a une différence entre voir et regarder. Parce que regarder, ça implique une orientation du regard vers tel objet ou tel point. Il y a quelque chose de plus intime, plus caché, puis ça nécessite un travail. Donc voilà, bref, il y a déjà pas mal d'éléments hein, par rapport à cette langue des oiseaux, mais en fait, elle permet à cette langue des oiseaux d'aborder la philosophie, la spiritualité, la religion, puisque comme tu le sais, je suis très pratiquant, avec un œil et une oreille différents. C'est un passage possible de l'invisible au visible, en somme de l'intérieur à l'extérieur. Et c'est toujours cette même idée de passage entre ce qui est caché, secret, à ce qui se dévoile. Tu vois, un passage de l'écrit, puisqu'écrit, ça vient de scrit, avec le E muet, secrit, secret, à l'oral. J'en prends pour preuve les prêtres égyptiens qui, pour asseoir leur autorité, ils ont mis leur connaissance dans une écriture secrète. Donc on peut entendre aussi simplement ça dans d'autres mots, comme le mot deuil, avec cette coupure, la moitié, le dé de l'œil, puisque le chagrin nous coupe d'une vision d'un défunt qui ne verra plus le soleil. Et c'est pour ça que chacun en fait part en voyage en terre inconnue. C'est ce que je fais, afin de découvrir, c'est-à-dire enlever ce qui couvre quelque chose, donc tu ne vois pas qui est caché. Et je répète ce que disait Proust, hein, mais le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard.
puis je terminerai par une citation de Céline. Avec les mots, on ne se méfie jamais suffisamment. Voilà, François, je te laisse. Mal nommer les mots, c'est rajouter du désastre au monde. Je sais plus qui. Mal nommer les choses. Mal nommer les choses. C'est rajouter du. Du malheur. Du malheur. Et c'était Camus, ça. Camus. Albert Camus. C'est bon, ça. Ça, c'est bon, hein. Ça, c'est de la punchline, hein. C'est pas du rap, ça, hein. ça, c'est de la punchline, hein. C'est pas du vieux rap. Bon, alors. L'alphabet, on a entendu le mot alphabet proto-sinaïque. Ou prono-sinaïque. Sinaïtique. Pardon. Sinaïtique. Sinaïtique, ouais, oui. Non, pas du Sinaï. Non, sinaïtique. Mais ça vient du Sinaï. Oui, ça vient du Sinaï. Parce qu'en fait, il était découvert là-bas. Ouais. Alors, c'est, on le connaît. Alors, c'est plus facile de prononcer proto-cananéen. C'est un des plus, pas le plus, mais un des plus vieux alphabets connus. On peut aussi dire l'alphabet linéaire. Qui serait né plus ou moins moins 2000, moins 1300. Et ouais, moins 1400, moins 2000, ouais, c'est plutôt proto-araméen. Qui existait, ouais, en tout cas utilisé jusqu'à 1050. Les dernières traces, c'est 1050. Donc c'est 23 signes distincts. Donc tiens, 23 signes, vous voyez bien le lien, c'est vraiment c'est l'alphabet qui va donner, on va dire, l'influence pour tous les autres. C'est un peu l'ADN commun. Surtout avec l'hébreu. Surtout avec nos amis hébreux. Oui. Nous avons des amis juifs, bien sûr. Alors, c'est issu des hiéroglyphes. En fait, je me permets de te couper juste avant que tu recommences, parce qu'en fait, c'est le fait de connaître l'hébreu qui a permis sa découverte. Parce que je crois que c'est Gardinier, qui est un archéologue, qui avait réussi à déchiffrer cet albanais. Albanais, qu'est-ce que t'as, toi? Déchiffrer. Pourquoi j'ai fait ça? Tu veux déchiffrer un albanais? Je vais te montrer, c'est vrai, essayer de déchiffrer un albanais. Tu t'es fait vacciner, ah, pardon. Pardon. Désolé, on a permis de déchiffrer cet alphabet grâce en fait à l'hébreu. Voilà, mais t'as réussi. Bon, alors c'est bon, on le voit bien, hein, vous le voyez. Là, j'ai une carte météo là. Hein, c'est issu de l'alphabet, de hiéroglyphes anciens. Et il y a une des formes où, alors je sais pas si moi j'ai fait des recherches, j'avais vu ça avec mon prof d'archéologie, Martin Rosé, enfin, prof de théol et archéologue. Il était génial, ce prof. C'est le site, j'aime bien, le Serabit Al-Kabim. Al-Kabim. Comment tu traduis ça, mon cher ami Gilou? Je vais faire une très mauvaise blague, donc... On va arrêter. On va éviter. Serabit Al-Kabim. Et c'était une petite statue de sphinx sur laquelle avait écrit des inscriptions dédicacées sur cette statue de sphinx. On avait des écritures donc proto-cananéennes, si vous voulez, sur une figure égyptienne avec une dédicace à la déesse phénicienne Attar. Puis on arrive à dire que c'est du moins 1800 à moins 1400, plus ou moins. On a 400 ans de battement, on ne sait pas trop. Alors les amis, la déesse Attar, parce qu'il n'y a pas que Sacha Grey comme déesse. Non, je rigole. Et si vous voulez délirer et puis vraiment vous faire du bien, et puis voyager, vraiment voyager, comme disait Céline, voyager c'est de voir l'œil autrement, enfin de regarder autrement, vous tapez, Attar. J'ai fait une petite erreur. Alors vous allez... Attire en grec. Alors voilà, regardez-moi cette bombasse. La déesse Attar. La déesse de l'amour, de la beauté. Ça, c'est Wikipédia que je sors, j'invente rien. De la musique, de la maternité et de la joie. Ah, putain, ça envoie du lourd. Hein. La déesse de l'amour, de la beauté, de la musique. Donc, elle a la dimension apollonienne et aphrodienne. Désolé, j'ai merdé. Et en fait, elle est confondue souvent avec Nout. Regardez-moi l'image de Nout. Ça vous fait penser à quoi? En fait, Attar et Nout, enfin, en tout cas, pour Attar, elle est souvent associée, cette déesse était souvent associée aux étoiles. Et bah comme oui. Nout, oui, parce qu'elle est céleste. C'est le déesse céleste. Je suis désolé, je fais que de loser là. Oui, elle consomme les étoiles et elle leur redonne naissance. Mmh. Elle les accouche. Oui, bah, c'est celle qui a eu plus d'enfants à son nom. C'est ça. Regardez-moi cette bombasse. Voilà, bien sûr. Regardez-moi ce dessin, comme il est hallucinant. La déesse Nout. Plutôt que vous paluchez sur du porno dégueulasse californien sponsorisé par qui, regardez-moi Nout.
Geb et Nout. Moi, je vous dis, Wikipédia, les gars, même, vous n'êtes pas obligé d'aller en faculté de théol. Vous pouvez déjà faire des recherches pour après aller grailler. Moi, je me souviens, à 20 piges, j'ai tout un rayon de bibliothèque sur la mythologie égyptienne. C'est juste génial. Après, bien sûr, il y a les déesses aussi mésopotamiennes et tout ce que vous voulez, tout le soin de soin. Là, j'ai fait une petite sélection de trucs rigolos de YouTube. Alors, Astarté, qui est magnifique aussi. Regardez-moi ces trucs 3D tout pourris que j'ai chopé des trucs 3D de notre cher Hathor. Elle envoie du lourd, hein. Ça, c'est le hiéroglyphe. Et puis, ouais, ça, c'est magnifique. Hathor, regardez-moi, c'est de bombasse. Et puis là, j'ai trouvé ça ridicule. Egyptian Goddess of Love. Alors, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Alors, elle est plutôt asiatique. Puis, c'est pas une affiche, on dirait un truc du Cirque du Soleil. J'ai vu ça, j'étais là, oh, c'est Kali-Yugesque. C'est du Brazzers pharaonique, nous dit King. Mais tu sais que il y a eu assez de peplum un peu graveleux qui ont été faits avec des décors tout carton-pâte et puis des sceptres de pharaon très 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 serpentesques. Alors je suis d'accord avec Agonie du Christ qui nous dit que Nefertiti est le canon ultime. Il faut que tu montres Nefertiti. Là, je vais montrer Nefertiti. Alors. Ça c'était la petite intro pour parler un petit peu d'iconographie et de scripturaire entre guillemets. Petite intro. Faites des recherches sur alphabet proto-sinaïtique, pardon. J'arrive jamais à le prononcer, j'ai toujours eu de la peine. Plutôt vous tatouez des kanji japonais ou des idéogrammes chinois. Vous savez même pas ce que vous foutez. Faites des recherches, trouvez-vous un pote geek, demandez-nous. Faites-vous tatouer au moins un truc qui fracasse puis qui renvoie à quelque chose d'un petit peu plus pertinent et mystique que de la chinoiserie ou du l'otaku de deuxième zone, quoi. Donc voilà, magnifique Nefertiti, matez-moi cette bombasse. Ah ouais, elle est pas mal. Il y a une version 3D, là, je trouve assez rigolo. Ils ont essayé de... Ah non, à mon avis, c'est une restauration qu'ils ont essayé de tenter du modèle, ouais. Avec colorisation. Non, c'est un modèle 3D. Modèle 3D, avec les yeux. Sachant qu'à la base, toutes les statues avaient en plus des recherches de pierres transparentes et lumineuses. Donc, quand tu rentrais dans ces temples, tu vois les yeux qui brillaient, ça devait être incroyable. Marcassin dit Pépita de pyramide était pas mal non plus. Pardon, je suis désolé. Ils sont en forme. Pépita. Ah ouais, non, celle-là, oui, cette photo. Non, mais Marcassin, je te salue. Marcassin, il va passer dans le live une fois. J'en dis pas trop. Il va me faire. En fait, ça va être un appui avec le génialissime Katsugun. Il m'a déjà fait des trucs en 3D. Ce mec est génial. Il a plein d'idées. Oh, c'est superbe. Et c'est un super bon gars qui est d'ailleurs très présent dans les chats de toute la mysticosphère, chez Pierre-Yves Lenoble et tout. On a enfin pu communiquer ensemble. Et je me réjouis de collaborer avec lui. La mysticosphère, on n'est pas comme dans Furia, là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, d'ailleurs, leur magazine, Furia. Parce qu'il y a des tels égos dans le truc qu'à mon avis, entre du Stéphane Edouard, Papacito, Rojdi, Marceau, ouais, ça risque d'être... Bah, ça peut être super intéressant, hein, on verra, mais ça peut être violent, quoi. Il y aura des étincelles, ouais. Ça va péter, là. Ça va péter. Bon, les amis. Est-ce que ça a pété, d'ailleurs ? Vas-y, Viso, t'as toujours le tunnel est à toi. Creuse la pioche. On mange tes gravillons. Tout. On avale. Écoute, non, mais puisque t'as parlé d'Hathor, hein, d'Hathor qui était la paraît d'Horus, hein, donc celle qui est assise à ses côtés, ça veut dire, en fait, c'est un culte inférieur, mais qui est associé à celui d'Horus. En fait, ça me fait penser à nouveau à quelque chose. C'est Hathor, c'est Attir en grec. Et puis, j'ai un élément de réflexion là-dessus. Vas-y, parce que les Tyriens, il me semble que c'était les inventeurs de la pourpre, tu vois, qui venaient des bords de la mer Rouge. On a aussi ça dans mer Tyrrhénienne. Mer Tyrrhénienne et mer Rouge, c'est certainement, en fait, lié au nom de leurs vêtements, en fait, des couleurs des vêtements que ces peuples ils avaient. Donc, Tyr, on a rouge, et A, privatif. Tu vois, Attir. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire que c'est celle qui est privée du rouge ou privée par le rouge aussi. Et ça prend tout son sens quand on sait qu'Hathor,
À un moment, elle s'est transformée en Sekhmet pour punir les humains qui ont voulu défier Ra, et puis qu'elle a perdu sa transformation en buvant de la bière rouge qu'elle a pris pour du sang. Enfin, ça n'a peut-être pas d'utilité, mais c'est ce que ce nom m'évoque. Il me semblait que c'était Bastet qui s'était changé en Sekhmet. Me semble-t-il que c'est à tort. Après, ce serait encore à vérifier. Mais... Cela dit, la mythologie égyptienne, c'est très 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 bordélique. D'une ville à une autre, ça change. C'est horrible. Dans mon bouquin, en fait, c'est selon ce machin, en fait, il n'y a pas plus... Selon le mien, c'est à tort, mais après, voilà. Ouais, il y a plusieurs... C'est possible. Il y a plusieurs cas de figure, à mon avis, d'une ville à l'autre. Bon, ayant vécu au Caire, je peux vous dire que les Cairotes, hein, je veux dire, ils ont hérité de ce bordel. Je veux dire, moi, j'ai jamais vécu, j'ai failli mourir. J'ai fait 6 mois au Caire. Hein. J'aurais pu mourir 25 fois en voiture. J'ai failli crever dans le désert. J'ai pas fait du tourisme, moi, j'ai vécu là-bas. Donc, c'était tout du truc underground et tout. Le Caire, je pense que j'ai jamais vu un bordel pareil. J'ai jamais vu un bordel pareil. D'ailleurs, il y a un album sur mon Facebook qui est libre. Mon Facebook, il est libre. Hein, qui s'appelle Sur le Nil. N-I-H-I-L. Sur le Nil. Parce que j'avais un atelier sur une des îles au Caire. Bref, il faut le voir pour le croire. Alors, petite mélopée cette fois mésopotamienne. On est dans les jardins de Babylone. C'est toujours à toi, mon cher ami. Pardon, ok. Je pensais que t'allais faire un petit tunnel. Non, non. Désolé. Des fois, il s'arrête. Ouais. Des fois, je m'arrête. Ouais. Ma copine, ouais, mais voilà, ma copine confirme. Ça m'arrive. c'est pour prendre un autre angle. Bon, bref. Ouais, bah voilà, je voulais juste simplement rebondir sur Hathor. Après, peut-être une précision qui peut être intéressante pour ceux qui écoutent par rapport en fait, à cet alphabet proto-sinaïtique. Il y a un livre qui est assez bien là-dessus, c'est celui de Marc-Alain Wachnin, ou Wachnin peut-être, qui s'intitule « Les mystères de l'alphabet », où justement il décortique ça de manière assez intéressante. Et dedans, en fait, je trouve qu'il donne une petite subtilité qui a du sens. C'est qu'en fait, un alphabet, on est d'accord, c'est peu de signes, mais qu'on peut combiner selon certaines règles pour écrire des milliers de mots, tandis qu'une écriture, comme les dessins hiéroglyphes ou les idéogrammes chinois, ben, ça peut compter des milliers de signes qui ne sont pas un alphabet. En fait, ça va un peu passer. Ça va expliquer ce passage du pictogramme à l'idéogramme, tu vois, l'écriture de choses à l'écriture d'idées. Donc, en fait, après, t'as une diminution de l'image, puis une augmentation du sens, quoi. Puis c'est avec l'influence du monothéisme, hein, me semble-t-il, c'est Akhenaton, où l'hiéroglyphe il va se débarrasser de certaines images et on va aboutir à la tentative alphabétique du proto-sinaïtique. Et justement, pour terminer, l'alphabet proto-sinaïtique, il a commencé initié une nouvelle discipline. Qu'on appelle l'archéographie. Et dans cette discipline, il y a un autre Suisse qui s'appelle Naftali Lévy, je crois. Il a un site qui s'appelle Fondation Archéographie. Je crois que c'est fondationarchéographie.ch. Et c'est une nouvelle discipline qui va en fait désigner l'analyse et l'interprétation des mots en fonction de leur racine étymologique, mais aussi en fonction de la forme graphique originaire des lettres qui composent ces mots. Tu as parlé la dernière fois du A, par exemple. Puis ça va venir enrichir le sens étymologique par un dialogue qui va jouer entre l'œil et l'oreille, quoi. Puis on va pouvoir observer ça, tu vois, le A en proto-sinaïtique, bah, c'est une tête de taureau, comme le Aleph, le B c'est une maison, tu vois, c'est bête en hébreu, comme Elisabeth, la maison de l'église, le M c'est des vagues, comme la mer, il y a la mer qui perd les eaux, etc., etc. Donc on va pouvoir avoir des nouveaux éléments d'analyse. Le O c'est un œil, c'est un Aïn. C'est ça, Aïn, c'est juste. Le état, c'est le Het, c'est un hôtel. Je sais pas ce que j'ai juste les barres, donc je demande hein, si vous savez ce que c'est. C'est possible, enfin, moi j'ai pas sous les yeux les éléments là. Faudrait que je renvoie ou si tu peux mettre. Le état, d'ailleurs c'était aspiré au départ. C'était un. Ouais, le grec c'est encore autre chose. Ouais, la lettre het qui ressemble de. Enfin, comme ça, moi ça m'évoque un hôtel, mais je sais pas. C'est pour ça que je te prends. Ah oui. Alors, il y a le colossal et qui nous dit des choses intéressantes. Mais alors ça, c'est vrai. Alors, il faut lire Michel Pastoureau sur l'histoire des couleurs. Bon, il est spécialisé Moyen-Âge, hein, Pastoureau, mais c'est toujours le même problème sur toutes les couleurs qu'on utilise. C'est pas comme nous, on va maintenant, je sais pas moi,
dans une papeterie, puis tu la trouves tout est... Voilà, c'est les impressionnistes qui ont été les premiers à bénéficier de la grande invention des Anglais, qui prennent un cylindre en tôle, et puis de mettre les pigments déjà tout préparés, et de stigmatiser les gammes. Avant, ce qui stigmatisait les gammes, c'était les matériaux eux-mêmes. Hein. C'était le lapis-lazuli le plus cher pour faire le bleu magnifique qu'on a dans les très riches heures de Berry, par exemple. On tapait les très riches heures du duc de Berry, un des best-sellers du Moyen-Âge, un truc de malade. Bon, alors le conos-nain. Le pourpre était le pigment le plus rare car il venait du pourrissement d'une espèce de coquillage qu'on a laissé fermenter pendant des mois. Pour avoir ce pigment, il fallait 200 cas de coquillage. Oui, ça c'est très connu. Et pas les trois coquillages de Demolition ouais. Man. Le colosse-nain dit, le bleu était plus rare encore, fallait-il dire... Ouais, ils le disent ce que j'ai dit. Quoi. Lapis-lazuli, je ne me parle même pas du violet rarissime. D'ailleurs, presque aucun drapeau du monde n'a du violet, même encore aujourd'hui. J'adore le violet, c'est la plus belle des couleurs. C'est magnifique ouais. Le violet. Soit juste... Pour rebondir sur ce que tu as dit, le het, c'est un mur, c'est une clôture. Hein. C'est un enclos, une barrière, oui. D'accord. Mais le rouge, le pourpre, j'en parle à mes élèves chaque année en latin. Et je leur dis, je les fais rentrer dans la symbolique des couleurs, justement, par le pourpre, en leur disant que c'est le rouge, comme ce que tu as dit, Mandrille, hein, c'est parce que. C'est très cher et ça dure très longtemps aussi, ça dure extrêmement longtemps et ça caractérise les gens bah, qui sont au-dessus hein, socialement. C'était les chevaliers toscans qui portaient cette trabée avec ce vêtement rouge. Le rouge royal Allez, ça te fait un super pont mon petit François. Oh oui, j'ai pas calculé tout de suite mais oui. On se lance directement dedans parce que si on commence, on en aura pour un petit moment. Enfin, un petit moment, on peut durer autant qu'on veut, hein. C'est le principe. Mais j'ai pas mal de choses à raconter. On se réjouit. Ok, bah là, du coup, c'est un magnifique pont entre le roi symbole solaire, la pourpre. Là, du coup, on va entamer tout un morceau de l'édifice royal français. On va aborder de la philosophie, ouais, alors attends, de la théorie politique, du droit. Attends, parce qu'effectivement, je vous entends pas bien. Vous êtes pas assez fort. Mais j'ai mon Discord qui merde là. Vous savez même pas, je pète. Moi là, je tiens le coup, mais j'ai mon ordi, mais qui lag, qui me fait des trucs qu'il m'a jamais fait. Mon tout nouvel ordi à 3000 balles. J'ai envie de tout péter, mais je reste calme. J'ai jamais vu un truc pareil. Mon ordi, depuis que je l'ai acheté, m'a jamais fait chier. Et il m'emmerde, mais à un niveau. Mais même passer d'un. Passer de YouTube à Discord. Et je vois tout le temps le sablier qui tourne. Je pète un câble. François, faut que tu parles plus fort. Je t'ai déjà mis au maximum, quoi. Non, c'est mieux ou... Attends, je vais mettre moins fort la musique. Et je vais te mettre toi au maximum. Je vais aller dans mes... Ah, c'est mieux. Ah là, c'est mieux. Oui. Parfait. Vas-y. Voilà, donc il existe donc... On va en revenir. On existe parmi les éléments qui constituent la dignité royale française, franque et française, un concept assez peu connu en dehors des gens de métier, en dehors des historiens, des archivistes, c'est le double corps du roi. Bienvenue en théologie politique. Il y a une super, super émission de Demeil, d'Essai, là. Comment il s'appelle le petit vieux génial là ? Sur la monarchie. Michel Desailles, Demeil, je sais plus, je vais vous la trouver. Michel Desailles, ça me dit rien comme putain, ça. Mais oui, j'ai déjà au dernier live, je savais plus comment il s'appelait. J'ai jamais son Michel nom. Michel Desailles. Ouais. Il a fait sur la monarchie. Elle est hyper bien cette vidéo. Il est adorable ce mec. J'aimerais trop l'inviter une fois. Je peux en plus, j'ai un lien avec pour faire un. Ouais, bref. Via Baglis, oui. Je peux faire un lien avec lui. Lui, ce serait le. Tu vois, Teddy avait fait venir Jovanovic. Bon, on a vu ce que ça a donné. C'était la fin des lives de Teddy avec ça. Avec Cro-Blanc qui avait fait un scandale, machin. Enfin, c'était lamentable. Là, je vais faire venir. Si je peux le faire venir, lui. Non, saison 2, tu sais, John Woo. Notre cher ami spécialiste, un peu de tout d'ailleurs. Il est trop adorable. Voilà. Il y a plein de choses qui se préparent. YouTube m'a dit qu'il est conférencier ésotérique, Michel Desailles. Conférencier ésotérique, ouais. Voilà. Ça a l'air d'un bon gars. Tu vois, c'est pas comme certains guénolates qui sont froids puis qui te jugent comme une merde. Lui, il a un truc, il dégage une espèce d'humilité sereine du vrai maître. Du vrai maître. Ça, j'ai du papy qui joue aussi. Hein ?
C'est la moustache qui joue aussi. Le côté papy, ouais, ouais, c'est clair que, qu'un quarantenaire frustré qui te balance du venin, non, c'est pas, pour moi, il n'y a rien d'initiatique, quoi. Enfin, bref. Je pique ce soir. Hein. Ah, alors, allez-y, les amis, continuez. Quand on se rase pas. je vais d'abord définir donc les bandes chronologiques, grossièrement du double corps du roi, puisque c'est pas depuis le baptême de Clovis. Hein. Le temps fort du double corps du roi, c'est le bas Moyen-Âge et le XVIe siècle. Donc j'ai d'abord laissé Charles Dumoulin, un grand jurisconsulte français du XVIe siècle, définir ce que c'est que le double corps du roi. Je le cite, « Le roi a deux personnes, la personne intellectuelle, qui est la majesté et dignité comprenant la République, donc la République est à comprendre au sens d'État, c'est la res publica, la chose commune, la chose publique, et non pas la République, la forme qu'on a aujourd'hui en France. Donc, comprenant la République, la personne intellectuelle et la personne privée, qui n'est que l'organe et l'instrument de la dite personne intellectuelle. En gros, pour synthétiser, le roi est composé d'un corps immatériel et d'un corps mortel. Le premier corps, le corps immatériel, est souvent désigné comme étant le corps mystique et le corps mortel, l'individu qui ne peut incarner seul la majesté, le corps mystique. Et pour ça, donc, il a besoin des outils du gouvernement, que sont les conseils royaux ou les parlements. Le parlement, notamment en France, c'est en quelque sorte un conseil institutionnel. Donc c'est le parlement qui limite le roi dans ses décisions en termes de législation. C'est le ce que parlement. Dit Dessay, il dit tout le temps, le Macron a plus de pouvoir que Louis XVI. C'est ça. Au final, le roi, on voit comme... les encyclopédistes, ils nous ont quand même bien lavagé... Il y a un discours qui est tellement anti-royaliste. Oui, il confond. Républicain. Il confond de royauté française et puis autocratie sans borne fantasmée. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je suis allé à Reims, j'ai vu les sacrements. Ah. Enfin, j'ai vu les objets. Les régalias. Redis-le. Les régalias. On va en reparler après. On va parler. Je vais même donner. Pour ceux qui sont à Reims, allez ou près de Reims, allez à Reims. Faites-vous touiller le nez pour rentrer dedans si vous êtes non-vax. Ça vaut vraiment la peine. Parlement. Voilà, j'ai situé un peu l'institution et donc le parlement, il a la possibilité d'incarner la majesté royale en même temps que le roi. Mais il y a toujours une hiérarchie. Le corps mortel du roi, donc le deuxième corps, a toujours la préséance sur les organes de pouvoir que sont le parlement ou la chancellerie royale. Donc le double corps, cette idée de double corps, suggère que le pouvoir royal transcende le statut mortel de celui qui l'incarne. Le corps royal mystique ne meurt ni ne pêche, contrairement à la personne mortelle. Ça, c'est hyper important de comprendre ça, parce qu'on a cet aspect-là que qu'on voit ces Coréens débiles du Nord qui sont... L'équivalent au XXIe siècle de cette ferveur par rapport à un humain qui incarne le principe dirige, le principe architectonique civil, il n'y a pas d'équivalent. Y a même nos grands. Enfin, il faut bien revenir sur ce concept de le mec. Ça me fait penser à Apollos qui parlait tout le temps des sociétés de castes, mais là c'est au-delà des trois castes, c'est tout en haut, c'est le représentant. C'est pas pour rien, je pense que tu vas aussi parler du crime d'est majesté, mais le roi, le corps du roi, l'esprit, le mec qui est roi, c'est exactement l'inverse du boss à l'heure actuelle dans une boîte de trading. C'est-à-dire que plus t'es haut, plus t'as de responsabilités, plus en fait tu peux moins jouir de... on a le stéréotype du mec qui se fait laper les couilles par des courtisanes et puis qui fout rien, puis qui... Bah, un peu d'ailleurs comme dans Les Visiteurs où tu vois ce... Le... Non, le roi il est bien dans Les Visiteurs, mais le Louis VI. Voilà, il est incroyable d'ailleurs. L'acteur aussi est cool. Mais qui est ce vilain? À chaque coup il a fripouille. Tu vois, il est très bon. Mais le stéréotype qu'on a du roi, c'est plutôt le père de Frénégonde, qui est le gros porc qui bouffe le... Hein. Le roi, il peut... Plus t'as de responsabilités, plus t'as du boulot à faire. C'est exactement comme dans l'ordre monacal tibétain, pour prendre le film Samsara, où à la base, plus t'es haut, moins t'as accès au monde, en fait. Plus t'as un travail à faire pour représenter, pour équilibrer. C'est comme le moine... Il décide de se mettre... Une super vidéo, d'ailleurs, de toute proportion gardée, mais c'est la même notion de sacrifice entre le moine et le roi, à plus petite raison, à toute proportion gardée pour le moine. Mais il permet de faire tourner le monde.
spirituellement. C'est-à-dire que je me sacrifie, moi je me consacre à Dieu, parce que ce que je vais engager comme principe va permettre aux profanes de bosser et que le monde tourne. Le roi, c'est l'engrenage de base de tout. C'est une super vidéo de notre ami de ce monde dans le chat, de Ram, donc dans l'œil du cyclone, qui parle de qu'est-ce qu'un saint. Je vais d'ailleurs une fois mettre un de ses petits bouts dans mes zappings, là, parce que c'est génial ce qu'il a fait. C'est à toi. Je poursuis. On va évoquer beaucoup d'adages qui circulaient à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. On va commencer par un qui est un des plus connus. Le roi ne meurt jamais. Cette sentence, cet adage est la conséquence d'une maxime juridique latine issue du droit romain, dignitas non moritur, qui s'appliquait auparavant aux empereurs romains. Donc littéralement, la dignité, donc sous-entendu la dignité royale impériale, ne meurt pas. C'est génial. D'ailleurs, puisque le roi a un double corps, Charles de Grassailles, un autre notre juriste, dit que le roi de France a deux anges gardiens, un pour le corps mortel et un pour le corps mystique. On en arrive même à considérer que chez le prince, la majesté divine apparaît extérieurement, par les régalia, par le port de la pourpre, et qui apparaît extérieurement, pour l'utilité de ses sujets. Mais intérieurement, le roi demeure ce qui est humain, ce qui est corruptible. Cette notion de double corps du roi, c'est pas juste un concept fumeux imaginé par deux pélos à 160 de QI dans leur coin. Le double corps du roi a une réelle consistance dans la manière de gouverner et de transmettre la couronne. Et là, on va voir ça avec un cas particulier qui est l'exemple des funérailles de François Ier. François Ier meurt en mars 1547. Le 22 mai, un grand cortège funèbre est organisé. Le cercueil contenant la dépouille du roi est entouré par de nobles qui portent ses attributs de guerrier, son armure, son épée, son aume. Suivent les évêques de France, le palfroi du roi avec les régalia ou un signe du pouvoir royal. Donc on a par exemple les éperons dorés, joyeuse qui est l'épée qu'on attribue à Charlemagne, qui aurait appartenu à Charlemagne. La main de justice, la couronne, etc. Et ensuite, après donc tout ce monde, suit une effigie en cire du roi défunt. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a un peu oublié. Des effigies en cire étaient réalisées après la mort des souverains. Là, dans le cas présent, pour François Ier, c'est François Clouet, le célèbre peintre, qui a réalisé l'effigie de cire du roi à partir de sa dépouille. Quant au successeur... J'ai une question que je me pose. Les masques mortuaires. Parce que quand tu vois à Saint-Denis, il y a toute la représentation des rois. Elle est fantasmée par les artistes. D'après les descriptions, on savait qu'il avait un gros nez. Enfin, je sais pas, il y a plein de on sait certaines... par rapport aussi à certaines maladies qu'ils avaient. On sait que... je sais pas, t'as des anecdotes à nous dire. On sait que Louis XIV, machin... Mais est-ce qu'ils avaient beaucoup de... Est-ce qu'il y avait beaucoup de masques mortuaires des rois? Ou c'était un truc qui se faisait pas? Masques mortuaires? Non, c'est plus tardif, ça. Pour moi, vraiment, en tout cas, dans les descriptions de funérailles que j'ai eues, le cadavre du roi était simplement mis nu ou alors avec un simple linceul dans la tombe. Non, l'équivalent là, justement, de ces masques mortuaires, c'est l'effigie qui est réalisée à partir de la dépouille. Ces effigies étaient vraiment similaires au visage du roi. Puisque François Clouet, dans notre cas, a fait un moulage de la figure de François Ier. Ouais. C'était ça que je voulais que ce soit entendu. C'est ça. Toujours dans ces mêmes funérailles de François Ier, il se pose la question du successeur, Henri II, qui est absent lors des funérailles et reste caché pendant 40 jours. Symbolique des 40 jours, au désert du Christ. Et le peuple hébreu, les 40 ans, dans le désert. Pendant ces 40 jours, des repas sont servis à l'effigie de François Ier. L'effigie en cire, et cette effigie est dressée sous le dais royal avec ses attributs de pouvoir. Le sceptre, la couronne, la pourpre, enfin, le manteau, en tout cas fleur de lys, etc.
Cette tradition, qui durera jusqu'au début du XVIIIe siècle, sert à manifester physiquement le corps mystique du roi. C'est-à-dire qu'au funérail, on enterre le cadavre, qui est le corps mortel du roi, mais le deuxième corps, le corps mystique, demeure. Il est toujours en fonction. Il est là, ça, dans c'est les... Il est le... C'est un cloud qui se déconnecte jamais. C'est ça. Il sert à marquer le caractère impérissable de ce corps mystique, de ce double corps du roi. L'héritier, pendant ces 40 jours, doit rester caché en attendant de pouvoir être sacré et prendre définitivement ses fonctions. Toutefois, il est quand même à noter que le transfert du corps mystique du souverain décédé à son héritier survient immédiatement après que le roi a rendu son dernier soupir. Le corps mystique étant continu dans le temps, on dit que le mort saisit le vif. Le mort saisit le vif. C'est un deuxième adage très, très célèbre. C'est Pierre Dupuis qui commence son célèbre traité de la majorité de nos rois et des régents du royaume. Il dit ceci: on tient en France pour loi certaine et indubitable que jamais le royaume n'est vacant, qu'il y a continuation de roi à roi, que le mort saisit le vif, et que nous avons un roi sitôt que l'autre est mort, sans attendre couronnement, onction, ni sacre, et sans aucune solennité. Il est périlleux d'attacher à la royauté à une cérémonie qui est au pouvoir de ceux qui la doivent faire, de ne la vouloir pas faire, de l'attacher à quelque mystère et à quelque lieu précis. Le plus sûr est de tenir pour loi fondamentale que le mort saisit le vif. Voilà. Génial. Et de là vient un autre adage souvent mal utilisé, c'est « le roi est mort, vive le roi ». Qui serait apparu, c'est venu dans le chat plein de fois. C'est ça, qui serait apparu dans les funérailles de Louis XII en 1515. Le roi est mort, vive le roi, signifie vraiment ce transfert immédiat. Voilà, c'est pour autre symbole de ce corps mystique. Il est aussi à noter que le chancelier, en tant que premier officier du royaume, que le chancelier c'est le plus important office du royaume, c'est le chancelier, il a la tête de la justice royale, et c'est lui qui possède les sceaux royaux. Donc les sceaux royaux, c'est les matrices sigillaires qui servent à créer les sceaux et à authentifier les actes royaux. C'est vraiment après le roi, c'est l'officier le plus important. Ce chancelier donc ne porte pas les marques du deuil. Tout le monde s'habille en noir, le chancelier reste dans ses attributs. Il en va de même pour les membres du Parlement, donc encore des légistes ou des jurisconsultes. Ces membres du Parlement accompagnent le cortège en conservant leurs habits pourpres. Ça, c'est à noter. Là, je vais citer encore un autre auteur français, Charles de Paris, qui décrit les parlementaires aux funérailles de Charles VII, en vert, bien sûr. Aucun s'avouait leur manteau rouge, en exemple et signifiance que justice jamais ne bouge, pour trépas du rouet ne muance. Putain, entre toi, quand tu parles en vieux français, et Gilou, quand il parle en latin, il y a moyen de faire un zapping de malade. Bande de geeks, je vous adore. On est quand même 226, on est monté presque à 300 avant. Ça fait plaisir. Ah, je lis juste un peu le chat. Il y a marqué en quarantaine. 40 ans, quarantaine. Quarantaine. Il y a des trucs pas mal. Les 40 semaines de gestation. Bah oui, c'est tout lié. Hein. Je continue ? Bah, continue, Fieu. Il y a d'autres choses qui... Non, je regarde. Encore des remarques dans le chat. Je regarde d'un œil. Très bien. D'ailleurs, pour tirer cette marque, donc le fait que les officiers royaux ne portent pas, les officiers royaux liés à la justice ne portent pas le deuil, ça vient en fait du livre de la sagesse, un extrait qui dit « Justitia enim perpetua est et immortalis ». Donc la justice, en effet, est perpétuelle et immortelle. C'est pour ça que les parlementaires ne portent pas la marque du deuil. On trouve chez un juriste célèbre, Bald, que la justice est sicut habitus qui non moritur, qui est comme un habit qui ne meurt pas, une habitude qui ne meurt pas, à ce point que les parlementaires du Parlement de Paris n'observent techniquement pas les jours fériés. Les jours fériés, normalement, ils sont chômés. Les parlementaires ne chôment pas les jours fériés. Tu vois, les parlementaires, à l'heure actuelle,
Tu vois ce Rital de merde, Marco Zavoy, je sais plus comment, moi je connais pas, mon père connaît la politique italienne. Puis il est là, Marco Zavoy, puis t'as ce journaliste qui vient parce que les mecs ils viennent timbrer, puis ils se barrent, ils se, je sais plus combien, je crois que c'est 400 euros par jour quand tu vas juste timbrer alors que tu vas même pas siéger. Puis tac, puis après ils ont leur attaché caisse, tac, ils repartent direct, hop, Gare du Nord, machin, peut-être une petite passe, et après ça se barre. Un scandale. De toute façon, ça renvoie à la vidéo excellentissime de Pierre-Yves Lenoble que j'ai pris, j'ai extrait un bout qui est le paradis parodique où moi j'ai mis mes dessins juste sur un petit bout. Voilà, on inverse. Alors, il renvoie à l'âge d'or. Mais déjà, avant même la dégénérescence entre âge d'or et âge de fer, même rien qu'avant, parce que c'est de toute façon déjà de l'âge de fer le Moyen-Âge, hein, mais c'est à un degré moins corrompu que ce qu'on a maintenant au niveau politique et géopolitique, qui est un scandale, une incurie, une impéritie crasse. D'une vanité puis d'une fatuité parlementaire pathétique. Pas le même, non plus le même univers dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est vrai. Mais ceci est un tunnel. Non, mais il y a de quoi faire tout plein de tunnels là-dessus et tenir des heures et des heures, puisque là, bon, ma principale bibliographie pour ce soir, c'est Ernst Kantorowicz, qui a écrit un best-seller en histoire, le Double Corps du Roi. Et il a écrit 600 pages là-dessus. Et l'autre bouquin sur lequel je me suis appuyé, on va parler plus tard, c'est Marc Bloch, Les Rois Thaumaturges, qui lui a écrit 400 pages dessus. Voilà. Donc là, on avait vu la notion de continuité de la justice, malgré l'interrègne. Mais il n'y a pas que la justice qui est concernée par cette continuité, il y a aussi le rôle de guerrier du roi. On avait vu, mais le roi est nécessairement un bellator, il assure les fonctions de justice et de défenseur du royaume. Et un là, bellator et des bellatores. J'ai fait d'ailleurs... C'est ça. Parce que Sorail, je suis un bellatores, non? Ah, c'est bon. J'avais fait cette erreur aussi dans une vidéo sur Apocadrill 3, sur, quand je tourne autour du Locla. Oui, avec c'est une très bonne accord, quand j'étais encore à l'époque où je collaborais avec mon ami Apollos. Mais faut pas oublier aussi la belle à tort. Ah, Ram. Ah. Bonsoir. Dites rien, les amis. Bonsoir, Ram. Ram est là. Là, je fais monter une montée de chorale que vous n'entendez pas dans le Discord. Non, j'évite de mettre le Discord en même temps, sinon je suis décalé. Pas le Discord, le YouTube. Eric Vitacre. Il y a plus de 1000 personnes qui ont participé par ordi à faire cet opéra que vous entendez. Tu sais que le mot montée en hébreu, ça veut dire sacrifice. Ah, c'est une montée, quoi, c'est le cas de le dire. Je sacrifie 2-3 neurones, mais putain, ce que c'est bon. Il y a une référence, là, ou... Non, parce que moi, j'habite au centre-ville, à côté du débit de vin, ça s'appelle le débit de vin, qui est un bar, quand j'avais 16 ans, boire des blancs cassis, qui est devenu un dépotoir à toxicomanes. Et je les entends avec... Vraiment, cet accent, quoi, c'est vachement bien. Dégueulatores, dit Christian. Magnifique. C'est plutôt un dégueulatores. Ah, mais ils sont en forme. Et le chat ce soir, il est génial. Il est bon. Bon, dites rien, les amis, là, pendant 10 secondes. 10 secondes. Moi, je dessine sur ce genre de musique. C'est cosmique. Donc, bon, en parlant de cosmique, je remercie toutes les personnes qui me permettent de continuer cette aventure, de partager avec vous des aventures littéraires, des logories. Je remercie Simon, qui m'a envoyé il y a une heure 15 balles. Bonsoir à toute la mysticosphère et merci la Mandre pour tes émissions. Il y a Que tu dis épicurien, Que dis-tu épicurien, qui m'envoie 5 balles. Merci pour ton taf. Lâche rien.
Skinhead, bon, Skinhead m'a dit, enlève ton béret 10 secondes, écoute s'il te plaît, pardon. Bah tu me vois quand je me bats avec Nawel, j'ai mon crâne de krillin. Esteban, ne vois aucune charité réelle dans ce type, ce n'est que le fruit de mes entrailles, mon argent de poche que me donnent mes parents. je fais de la redistribution aux gens qui n'ont besoin, c'est tout. Et puis il y a Kogotsune. Oh putain, mais lui il est vraiment cool parce qu'il me fait chaque fois des tips. Puis je vais t'envoyer plein d'aquarelles déjà parce que tu m'avais déjà fait un gros don la dernière fois. Pour rembourser tes frais de banque, virement. Ok, ouais, parce qu'en fait, oui, t'es un chou. Alors pour l'instant, mis à part ça, merci mes amis de m'avoir fait ces dons. On va la remettre, hein, elle est vraiment trop bien cette track. Mais je n'ai pas. Je n'ai pas assez pour vous envoyer. Je payerai plus cher vous envoyer une aquarelle que ce que vous m'avez donné. Donc il faut quand même dépasser 50 euros pour que je puisse vous envoyer un. Pas un recommandé, mais au moins un courrier A dans un beau carton. Ça me coûte 20 balles. Que ce soit bien protégé. Parce que moi, je ne les plie pas, je ne les enroule pas, je les envoie A3 dans un carton. Voilà. Et avec plein de choses en plus pour la conservation. Donc du coup les gars, pour l'instant il n'y a personne qui a une aquarelle. C'est juste ça comme ça en passant. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Je remercie dans tous les cas ces personnes qui, par le fait que vous avez tippé, êtes dans le spécial tirage au sort. Parce qu'il y aura le tirage au sort pour les petites sommes, à peu près le tirage spécial pour tous ceux qui ont mis une fois 50 balles en espérant avoir une aquarelle. Oui, j'essaie de trouver un moyen de fidéliser le client. C'est totalement. Moi, je pense jamais à ce genre de questions. Moi, je suis plutôt dans la création. Puis j'étais très content que j'avais un galeriste ashkénaze qui faisait tout le boulot puis qui me vendait dans des foires d'art de malade mes trucs. Là, maintenant, je me trouve cul nu. Mais c'est pas pour autant que je vais faire du misérabilisme. Je suis nourri et enrichi par mon ami Viso ce soir et mon ami François. Et bientôt à l'école. Oui. Bon, aujourd'hui, j'ai donné 2h30 de cours dans une maison des jeunes. Les gamins, tu sais que l'éducateur, il a dit, j'ai jamais vu ça. Il m'a dit, ils étaient. J'ai donné 2h30 de cours d'initiation au dessin. Ils comprennent le volume. Ben, vous allez voir, le prochain apocalypse, je vais vous faire un truc de taré. Et les gamins, ils avaient. Je te jure, mon pote qui m'a trouvé le plan, il m'a dit, j'ai jamais vu les gosses comme ça. Ils étaient. Il me tarde de t'avoir ici pour l'architecture, hein, non, avec mes élèves. Ah, mais si on va parler d'architecture, là, mais ça va être cosmique. Là, la phrase que j'avais faite pour faire que des gamins viennent, ils étaient je sais pas combien, putain. C'était du manga au dragon. Tu vois, je les ai un peu teasés comme ça, mais en fait, on n'a pas du tout fait du manga et des dragons. On a fait tout. Parce que maintenant, en sortant, il y a des gamins de 11 ans, avec la technique de ski, c'est enfin d'utiliser la gomme mi-de-pain intelligemment. Ils savent dessiner ce qu'ils veulent. Je disais, vas-y, je faisais des combinaisons, tu sais, avec des cadavres ski. Un renard qui fait du vélo, qui descend une vallée. Ok, bam, 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 bam. Et ils arrivaient à dessiner ça. Alors qu'avant, ils étaient dans leur zone de confort, à savoir dessiner toujours de face ou de profil l'image pourrie qu'ils ont chopée sur leur téléphone de Naruto ou de One Piece. Quoi. Je dis, ah ouais, les gars, ça c'est fini ça. Et c'était extraordinaire. Ouais, ça fait chier. Moi, j'aime vraiment enseigner. Quoi. Là, quand j'étais à la CAS, c'était incroyable. Bon, qui crèvent tous la gueule ouverte là. J'ai encore mes élèves qui viennent, hein, ceux que j'avais eu encore l'année passée, qui sont en deuxième année maintenant, qui viennent toujours en cours privé cette fois dans mon atelier. Mais l'année prochaine, officiellement, je ne connaîtrai plus personne. Donc l'académie, elle sera, voilà, il y aura plus d'élèves où je sais que t'es encore à la CAD. Donc j'aurai plus aussi de retour parce que j'ai plein de petits ragots de machin de cette école où j'ai bossé quand même 15 ans dedans. Donc ça me fait marrer. Tu verras une fois si Viso, tu t'es plus dans ton école, ça te fera bizarre. Il y a un moment où t'as plus aucun contact, si ce n'est avec tes collègues. Puis ça, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est grâce à un de mes collègues génial. Ah merci. C'est grâce à un de mes collègues génial que j'ai pu faire la vidéo hyper drôle sur le cheval. Oh putain, mais ça lag, hein, le Tipeee. Alors, vas-y, François, qu'est-ce que tu nous as à nous raconter encore? Donc, on avait vu la continuité de la justice, et là, on allait voir la continuité du rôle guerrier du roi, malgré l'interrègne. Là, je vais vous lire un extrait de la vraie ordonnance faite par Messire Pierre Durfay, chevalier grand écuyer de France, ainsi que audit grand écuyer appartient de faire pour l'enterrement du corps du bon roi Charles VIII, que Dieu absolue. Là, ça, c'est bon, une modernisation à faire la va-vite. Donc, c'est un extrait qui donne quelques éléments du rite d'enterrement du roi.
Et tu vas m'arrêter dans la lecture s'il y a des mots que tu comprends pas, comme ça je développerai. Bah, juste avant que tu développes, docteur Pini, juste avant que tu développes, docteur Pinimax, tu m'envoies ton adresse par email. Tu m'écris mandril@mandril.ch et tu m'envoies ton adresse. Il y a une aquarelle qui va partir ce soir. Parce que c'est les deux premiers, hein. C'est les deux plus gros dons qui ont une aquarelle. Donc de sur toi, à moins qu'il y ait deux personnes qui balancent plus de thunes que 50 balles ce soir. Mais pour l'instant, tu as de sur une aquarelle, donc je te fais ça avec grand plaisir, docteur Pinimax. Ouais, vas-y. J'y vais, très bien. Je situe l'action. Charles VIII est mort. Son corps est transporté jusqu'à l'abbaye de Saint-Denis. Les hommes d'armes sont tenus de transporter l'oriflamme de Saint-Denis, donc l'oriflamme qui est l'étendard des rois de France depuis Louis VI. On pourrait faire toute une intervention rien que sur l'oriflamme, mais pour faire simple, l'oriflamme de Saint-Denis fait partie des régalia, des objets sur lesquels se fonde le pouvoir royal franc puis français. L'oriflamme reposait en temps de paix dans l'abbaye de Saint-Denis, et il était levé en temps de guerre, c'est la levée de l'oriflamme à laquelle devaient répondre tous les seigneurs, les barons et les chevaliers qui étaient vassaux du roi de France. Il a une fonction similaire à ce temple à Rome dont les portes étaient ouvertes ou fermées selon qu'on était en guerre ou non. Gilou, je me souviens plus à qui était dédié le temple. C'était pas le temple. Attends, le temple de la Concorde Peut-être. Je m'en rappelle plus, moi non plus. Parle plus fort, Gilou. Faut que tu parles un petit peu plus fort. Pardon. C'était, je disais, c'est pas le temple de la Concorde par hasard. Je me rappelle plus exactement lequel. J'ai peur de dire une bêtise. Et moi aussi, Janus, du coup, donc, oui, il y a Janus qui le rapace, mais c'est pas le temple de Janus. Je me rappelle plus. Désolé, vas-y, continue à chercher. Là, je vais vous lire le texte. Donc, les dix seigneurs porteront en personne sur leurs chevaux la dite bannière jusqu'à l'entrée de la ville de Saint-Denis. Là où ils descendront près le corps, et reprendront leurs ordres devant Dieu. Et quand se viendra au Libera à la fin de la messe, donc le Libera est un chant liturgique, donc quand on en viendra au Libera à la fin de la messe, que l'on portera le corps du cœur jusqu'à la fosse pour le mettre en terre, donc le corps du roi Charles VIII. Ainsi que l'on le portera, tiendront leurs ordres. Et lorsque le corps mettra les pieds dedans la tombe, les maîtres d'autel seront appelés par les héros d'armes, lesquels maîtres d'autel viendront l'un après l'autre mettre leur bâton dedans la fosse. Le bâton, là, dans le texte, c'est un espèce de bâton qui est aussi gros qu'une clave, mais deux fois plus long pour les instrumentistes, qui était en fait le symbole du pouvoir militaire. Quand vous teniez le bâton, ça signifie que vous êtes apte à donner les ordres sur un champ de bataille. Donc ils mettent leur bâton dans la fosse destinée à accueillir le corps. Et ceci fait, les héros et sergents d'armes mettront leurs cotes d'armes et masses sur la dite tombe. Et un continent après, le dit portant, le guidon couchera sa lance sur la tombe en la plus grande révérence que faire se pourra. Et aussi, le corps sera demi-dedans la fosse, semblablement, fera mon dit seigneur d'Allègre qui porte l'enseigne. Enseigne, donc Saint-Denis, l'oriflamme de Saint-Denis. Et après, quand le corps sera dedans, semblablement, fera celui qui porte le panneau, qui est un autre drapeau, mais qui n'est pas l'oriflamme de Saint-Denis. Et le dernier sera le premier chambellan, qui semblablement abattra la bannière, et la mettra sur toutes les autres choses au droit de la tête du corps. Et lorsque le grand écuyer qui aura couché son épée sur le corps à l'entrée de la dite tombe la reliévera de la pointe contre mon, c'est compliqué, c'est en ancien français, je suis désolé, écrira vive le roi. Donc pour faire simple, on a tous les grands officiers de la couronne qui déposent sur la tombe leurs insignes, donc on avait vu leurs bâtons, leurs cotes d'armes, donc leur armure, une partie de leur armure, leur masse, la masse d'armes, et l'oriflamme de Saint-Denis. Ça devait avoir de la gueule, hein, quand ils faisaient ça. Ah, c'est sûr. C'est donc pas Macron au costard, aux Invalides, qui fout les meilleures musiques de Bébel, quoi. Paix à son âme, hein, c'est un gentil Bébel. Un des derniers, hein, un fucking white male, il nous reste plus grand chose, hein, maintenant.
Oui, c'est bien le temple de Janus. Je sais pas où j'avais la tête. Janus aux deux têtes, qui est fermé en temps de paix. Et le temple de la Concorde, c'est là au contraire où on allait demander aux dieux si oui ou non on pouvait partir en guerre. C'est tout à fait le contraire. Voilà. J'ai eu un moment de fatigue, désolé. Merci, Gilou. Donc voilà, les grands officiers ont déposé leurs armes sur la tombe. Et donc, lorsque le grand écuyer qui aura couché son épée sur le corps à l'entrée de la dite tombe, lorsqu'il la relève, la pointe en l'air, lorsqu'il crie « Vive le roi !», après avoir crié « Vive le roi !», tous les héros relèvent leur cotte d'armes et la remettent et la revêtissent en fait, ensemble. Et à de même, une fois qu'ils ont revêtu leurs armures, le premier chambellan relève la bannière, l'oriflamme de Saint-Denis. Et là, c'est le texte qui le dit, car la bannière ne meurt jamais. Ah ouais. De même que la justice ne meurt jamais. Donc le l'artefact ne meurt jamais. Ça, le pouvoir militaire du roi ne meurt jamais. Mais par l'objet lui-même. Ah, puis l'objet aussi lui-même, techniquement, même si l'oriflamme, en fait, on l'a paumé. Elle a disparu à la Révolution française. Quel mon enculé. C'est aussi frustrant pour moi de ne pas savoir. Bah, on a des descriptions un peu vagues, mais c'est jamais. Alors, très comment précis. S'appelle l'invité? Ben, Jama, tu le fais exprès. Il y a tout au-dessus de moi. Hein. J'ai tous les avatars de tout le monde. Si je veux faire ça, à défaut de vous mettre vos gueules puis de faire des visioconférences, je mets des avatars des chaînes YouTube ou des mails qu'on m'écrit. Parce que François, tu n'as pas de chaîne, mais j'ai mis ton petit avatar. Oui, j'ai mis, pas de chaîne. C'est excellent, là, les amis. Vas-y, continue. Ah oui, si ça vous plaît, moi je continue, pas de souci. Bah alors le chat, il y a des questions. Alors moi je vais te poser une question avant qu'on continue, puis le chat, allez-y. Alors, tu n'as pas fait de lien la royauté française digne héritière de la tribu de Juda. Mais je comptais en parler un peu plus loin en fait. Mais c'est assez marginal puisque j'ai pas trouvé d'informations concrètes dessus, si ce n'est finalement un lien entre la royauté française capétienne, la dynastie capétienne, et l'Ancien Testament vraiment. Alors moi j'avais mon ami à l'époque, Laurent James, qui nous faisait des logorées là-dessus. Mais il y a des livres qui parlent de l'ascendance davidique des rois de France. L'ascendance davidique, souvenez-vous, David, dans la prophétie, c'est parce qu'il joue bien de la harpe. C'est un berger qui joue de la harpe magnifiquement, puis c'était un gars qui devait nous surprendre par la musique, qui devait prendre le trône. C'est quand même assez hallucinant. Oui, tout à fait. Et ça, on... Oui, vas-y. Et elle est vraiment bien, la petite vidéo de notre ami d'essai, là, parce que... Moi, j'avais tout le côté, justement, parce que Laurent James était passionné de la Sainte Baume et toute l'affiliation avec Joseph d'Arimathie et de la Sainte Vierge qui aurait fini. Donc, en gros, si vous voulez, quand le Christ meurt, il y a toute la bande qui ont fui et qui serait venue en France. Donc, il y a la fille aînée de l'Église, la France qui reçoit cet héritage du christianisme. C'est assez intéressant. C'est marrant parce que j'ai maté cette conférence et j'ai maté. Il a fait venir Delesquin. Alors, je ne regarde pas Delesquin, mais chaque fois que je dois aller à la fonte, à la salle d'Altero, j'ai pour une demi-heure de marche. Puis je me fais tout ça. J'ai une grande montée, j'ai une colline, je passe à côté du château, le chemin médiéval, et génial. Puis je me fais tous les jours cette montée que je refais après en même pas 5 minutes en skate. Puis j'écoutais Delesquin. En fait, il a fait venir un des gars des chrétiens d'Orient, là. C'était intéressant parce que les premiers récipiendaires du christianisme, c'est l'Orient. Et il y a ces deux écoles, en fait, la France qui prétend, machin, puis en fait, il y a les chrétiens d'Orient. Et c'est marrant de Delesquin de parler des rois mages qui, en fait, lui, il dit bah, avant, il y avait le zoroastrisme, le judaïsme et le christianisme. Et cette filiation, cet héritage où on saute comme un jeu de cheval où on passe par-dessus, on évite la case judaïsme, et puis on passe du zoroastrisme au christianisme, c'est les mages. Les mages ne sont pas en fait des rois venus d'Orient, en fait c'est des prêtres et des personnages entre guillemets liturgiques du monde perse, zoroastre.
Et la filiation, c'est le symbole de ça. Bon, bref, ça, c'est tardif, il y a tout un truc. J'ai trouvé intéressant parce que tu m'avais pas dit que tu allais bosser sur les rois, ou sur le roi, hein, lapsus, le roi, mais qui s'identifie, qui se matérialise, qui se concrétise par des humains, des rois, mais en fait, c'est toujours un roi, au final. Il y a eu un roi. Oui, c'est vraiment le roi avec un R majuscule. Si tu as compris ça, c'est toute la donne est faite, quoi. C'est la notion de roi, en fait, le corps mystique vraiment qui régit le territoire de France. Ouais, alors Zatara, il est génial, moi j'aime beaucoup Zatara, qui dit « Oui, la royauté anglaise se définit comme la 13e tribu, marrant comme il s'accole tout au comme il s'accole tout sous mâche. Ouais, c'est plus compliqué. J'avais un prof d'histoire de l'art qui adorait trouver les incohérences, que ce soit de calculer en surface... qui dépasse l'entendement tous les saints prépuces du Christ qu'on a dans les tabernacles et dans les reliques des églises, rien qu'en France. Donc si tu calcules tous les nombres de dents, de machins, au final le mec c'est un hécatonchir de la gigantomachie grecque, tu vois, tellement qu'il y a de dents. Si tu prends tous les morceaux de la vraie croix, tu refais l'arche de Noé, hein, ça c'est clair et net. Mais attention, l'arche de Noé est faite du même bois de la croix. Pas faux. La prophétie m'amène. La prophétie. La prophétie m'amène. L'art et la bannière. Putain, vous êtes. Hey, l'art et la bannière, ça c'est bon. Putain, Marcassin, très fort. Il y a des bons hein, ce soir. Hein. Je lis pas tout, les gars, parce que je dois tout gérer, mais vous faites vraiment plaisir, quoi. Cette petite mysticosphère à 200 personnes geeks là, le soir à nous écouter, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes adorables. Je vous aime. Continue. Alors, continue, vas-y, Coco. Puis les questions dans le chat, les questions dans le chat à notre ami Gilou, à notre ami Viso, à notre ami François. On peut justement, par rapport à la langue des oiseaux, bah c'est un peu la continuité du bug qu'il y avait eu avec Viso la dernière fois, essayer aussi de poser des questions sur ces questions de royauté, du principe royal, du double corps, machin. Il y a Ram qui est là, on profite qu'il soit là, c'est génial. Il y a aussi Mimila en sourdine, mais il y a Pierre-Yves Lenoble qui est là, mais en mode ninja. Donc, profitez seulement. C'est un shinobi ce soir, Pierre-Yves. Mais il est dans le Discord, il est dans le salon du live. C'est parti, vas-y, continue. T'avais parlé, Mandry, tout à l'heure, de la basilique de Saint-Denis avec les tombes royales. Oui, je vais montrer. Et la manifestation de ce double corps se poursuit dans la tombe, parce que vous trouverez souvent sur les gisants royaux deux étages. Un étage comportant un transit, c'est-à-dire une représentation concrète du cadavre, soit par un squelette, soit par la figure d'un homme âgé, comme c'est le cas pour François Ier. Avec un chien au-dessus du gisant, tu trouves le même personnage, mais dans une attitude béate et en action de prière, portant les attributs royaux, signifiant par là la personne mortelle, par le transit, et la personne mystique, par le roi en attitude de prière, portant les attributs de sa fonction. Effectivement, on va arriver maintenant sur la question des rois thaumaturges, puisque la théorie du double corps du roi ne sort pas de nulle part. Il s'agit bien sûr de la continuation d'une conception d'une royauté double qui apparaît au Moyen-Âge central. Le toucher des écouelles. C'est ça. En parlant du roi, les juristes et les théologiens emploient souvent le qualificatif de persona mixta, c'est-à-dire une personne mixte en ce que le roi, à l'instar du Christ, dispose d'un corps mortel et d'un corps mystique. Et c'est un constat qui touche de nombreux degrés du pouvoir royal à partir du XIe siècle, puisque la royauté franque, à partir des Capétiens, est de plus en plus christomorphe, c'est-à-dire qu'elle tend à imiter le Christ. Le roi est vu comme le vicaire du Christ sur terre, sa première mission est d'appliquer la justice et de maintenir l'ordre divin sur terre. Et même de toute façon, depuis Pépin le Bref, donc là c'est milieu du 8e siècle, les rois des Francs sont oints lors d'un sacre, ils sont des Christoi, des rois oints à la star des rois de l'Ancien Testament, comme David. De même, là, tu as prononcé le mot magique, les écrouelles. Au moins, à partir de Philippe Ier, ça s'est attesté, des pouvoirs thaumaturgiques sont attribués aux rois sacrés. De là vient la tradition de la guérison des écrouelles. Ou scrofule, qui désigne en fait une adénite tuberculeuse, c'est ça. Puisque lors du sacre, le roi s'approche des scrofuleux et les touche ou leur fait un signe de croix en prononçant la formule suivante: le roi te touche, Dieu te sauve.
Donc tout ça, ça apparaît après un long cheminement politique et mystique auquel on doit faire face, nous, maintenant, en tant que successeurs et historiens. Ce qui est hallucinant, c'est que les mecs, ils ont fait ces trucs, et... Putain, à chaque fois, je me chope des pages de merde. Parce que je suis en même temps sur le net, j'essaie de montrer des images. Bon, je suis désolé, je suis au hasard, hein, sur Google. J'ai des super images, moi, que j'ai fait avec... En plus, Furnarius, on était allés... Alors, c'était une sacrée expérience d'aller à Saint-Denis. Hein. Putain de merde. Et puis, c'était en journée, hein. Bon, j'en dis pas plus. Merde, je me suis perdu dans mon tunnel. Les mecs, ils touchaient des lépreux, des gars. En fait, il n'y a jamais un roi qui a touché pendant son sacrement des lépreux, des gars malades, puis que lui-même, après, avait ramené une saloperie, ou une petite MST. Ou... Alors, en fait, on a un cas, c'est François II. François II ? Ah, ça, je ne savais pas, mais je me suis toujours posé la question. François II, non mais lui c'était pas pendant son sacre en fait, c'est après justement il a eu la mauvaise idée de traverser un bâtiment rempli de pestiférés. Il me semble que c'était des pestiférés et puis il a chopé la maladie. C'est pour ça que François II, je crois qu'il a régné même pas un an de 1559 à 1560. Attends, je vais revérifier ça. Et ils ont expliqué ça comment du coup? Parce que c'était un peu mal le symbolique du roi qui chope de la merde. Alors qu'il est censé les guérir. Ben en fait justement c'est la période qui veut ça puisque c'est à partir du 16e siècle que disparaît la capacité thaumaturgique des rois. Enfin on en parle de moins en moins et puis ça disparaît. Donc la question là se posait pas, c'est ça 1559-1560. Donc après là les gars on comprend que ça marche plus quoi. C'est ça. C'est super beau, ça. Moi, je me souviens avec Furnarius, on était rentré, il y avait les vitraux, exactement, je me suis retrouvé dans cette situation là. Je vous montre, voilà, j'arrive pas à zoomer sur l'image malheureusement, mais c'était cosmique quoi. Puis elle est belle, ah, hein, là. Après quand tu sors, c'est un autre monde, hein. Ça rappelle à l'ordre, mais... Justement. C'était encore la période avant le Covid, sans les masques et tout, c'était en février, ouais, fin janvier que j'étais allé à Saint-Denis, l'année passée. Quand j'étais à la Cité des Arts. J'ai des super photos que j'ai fait au Canon. Je poursuis ? Vas-y, fonce. Ah oui, tu montres des photos. Non, mais c'est important, les photos. Les gens font des recherches. De toute façon, allez, si vous êtes sur Paris, allez une fois à Saint-Denis. Vous... Allez-y, non, si vous habitez à Paris, c'est presque une nécessité. J'exagère, mais c'est à voir. C'est à voir, c'est la nécropole des rois de France. C'est un des lieux essentiels, un des lieux clés pour comprendre l'histoire de France. Alors, dans une perspective de la tripartition fonctionnelle, le roi est théoriquement un bellator, ça on l'avait vu. Mais ce qu'on observe au moins à partir du XIe siècle, sinon il y a toujours des prémices sous Charlemagne, mais là c'est plutôt relié à la fonction impériale, non, c'est qu'à partir du Moyen-Âge central, la royauté est... Enfin, c'est la quasi-assimilation du principe de royauté sacerdotale, l'alliance du trône et de l'autel. Puisque, on dit quasi, puisque le roi est un laïc, mais c'est un laïc ouin, comme les clercs, c'est-à-dire qu'il a reçu l'onction avec du crème, qui est normalement réservée pour ordonner les prêtres. C'est un laïc parce que le roi a un pouvoir temporel, tout comme, cependant, les clercs séculiers. C'est un laïc, mais il y a une mission divine, comme les clercs. Voilà, c'est un fait de dire à certains historiens que le roi avait une fonction un peu ambivalente entre l'orator et le bellator, mais ça reste fondamentalement un laïc, donc un bellator. Cela dit, dans une charte, c'est-à-dire un document qui a une valeur juridique, une charte de 1143, dans le préambule, qui est une des parties du discours d'une charte, hein, la charte est organisée d'une manière spécifique dans le discours juridique. Donc l'abbé de Saint-Denis, sujet qui est à l'origine de cette charte, souvenez-vous, sujet c'est sous son abbatiat cap par et l'argotique, à l'abbaye de Saint-Denis. On a assez donc... parlé le sujet. Comment ? On a assez parlé, c'était d'ailleurs mes premières entrées chez Teddy Boy de parler de sujet. Quoi. Oui, ça je m'en souviens. C'est ça que tu m'as fait tilter tout de suite. Sujet dans une de ses chartes écrit ceci. Nous savons que, conformément aux prescriptions de l'Ancien Testament, et de nos jours à la loi de l'Église, conformément et à la loi de l'Église, seuls les rois et les prêtres sont consacrés par l'onction du Saint-Crème. Il convient que ceux qui, seuls entre tous, unis entre eux par le Crème sacro-saint, sont placés à la tête du peuple de Dieu,
procurent à leur sujet les biens temporels comme les biens spirituels, ce qu'on a perdu aujourd'hui, et se les procurent les uns aux autres. C'est vraiment cette, la fin qui est importante. Toujours en parlant de sujet, on peut aborder brièvement la place du motif pictural de l'arbre de Jessé qui se multiplie dans les manuscrits, sur les chapiteaux des églises et sur les vitraux à partir du Moyen-Âge central. L'arbre de Jessé illustre la généalogie de Jésus. C'est une généalogie simplifiée de Jésus depuis Jessé jusqu'à Jésus en passant par les personnages clés de l'Ancien Testament. Tous les comme prophètes, David. En fait, on essaie d'expliquer toute la filiation depuis Jessé avec cet arbre généalogique, mais avec tous les prophètes, et puis tu finis au Christ. Quoi. C'est exactement ça. Donc cet arbre de Jessé, il se développe au Moyen-Âge central. L'équivalent chez les musulmans avec les gars, certains, comme Saddam Hussein par exemple, tous ceux qui sont, je ne sais plus, il y a un terme, ceux qui se disent de descendance du prophète, paix soit sur lui. Puis du coup, il y a ceux qui ont vraiment de filiation. Alors, dites-moi le mot, je ne sais plus. D'ailleurs, il y en a un chez KB qui passe, qui est soi-disant issu de cette lignée, puis qui est complètement anti-islam. C'est assez pathétique. Je connais pas, j'ai pas okay. Le terme exact. Finalement, je vois de quoi tu veux parler, mais j'ai plus le terme exact en tête. Peut-être que Monsieur Gilou a la réponse. Non, là, je saurais pas vous dire. Désolé. Dommage. L'arbre de Jessé. Donc oui, se développe au 11e, enfin à partir du 11e, surtout au 12e, 13e, des historiens ont fait le lien entre cet arbre de Jessé et le fait que la royauté franque, à partir de ce moment-là, devient vraiment une royauté héréditaire. Parce que l'arbre de Jessé évoque la royauté capétienne qui se transmet par hérédité et se caractérise par le sacre. De même, le symbolisme de l'arbre joue énormément dans le choix de cette représentation. On a des racines, des fleurs et une ligne montante et continue. Et souvenez-vous, Sartre, qui détestait les arbres, cette notion justement de racine, qui parle de cette... Parce qu'ils ont tous fait dans le même... Ils étaient dans ce même collège, maintenant le collège m'échappe, Deleuze, Sartre et Derrida. Il y avait ce grand marronnier qu'il trouvait immonde. Hein, il voyait les arbres comme des insectes qu'on avait retournés, incapables de bouger. Hein, ça, c'est pour lui. Sartre définissait les arbres comme ça. Et puis Deleuze, justement, bon progressiste de merde qu'il va être. J'adorais Deleuze quand j'avais 20 ans. Hein, je dis ça, je pèse mes mots. Hein. Il va utiliser la pomme de terre. Hein, on passe de l'arbre incroyable au rhizome. Hein, ça, c'est toute la théorie que j'avais fait avec Greg Tabibion. J'ai tout bien développé ce point-là. Sur la naissance de la postmodernité, enfin de la modernité, avec le post-structuralisme et la métaphore de l'arbre, des gens qui considèrent les arbres comme des insectes retournés, on dit long, des arbres, certes, mais pourquoi faut-il qu'il n'y ait tant, hein, ça c'est... Alors que le médiéviste voit en l'arbre le mystique, que ce soit nous, vos amis sur ma chaîne aussi, qui sont plutôt païens, et même mes amis Shinto, l'arbre, voilà, ça c'est de notre patrimoine à nous. C'est universel. C'est universel. D'ailleurs, avec le docteur Azevedo, on va faire un truc sur l'Axis Mundi et l'arbre-monde. Parce que vous savez, j'avais fait cette bourse d'une semaine au Musée d'Histoire Naturelle et j'ai travaillé sur le lichen et les arbres-mondes et tout le monde fongique. Parce qu'il y a le végétal et puis il y a le monde fongique qui est encore plus hallucinant. Et bref, ça va être un super épisode, ça. Regardez-moi ce que c'est beau, cette gravure. Et puis il y a l'image de l'arbre, et puis il y a le nom qu'on donne à l'arbre aussi. Ça dépend si on désigne le tronc, ou la cime, ou les branches, ou les rejets. Parce que dans arbre, arboras, du coup, en latin au pluriel, dont on a fait arbre, c'est ourboros en fait. C'est quand on coupe la souche, on a les signes du temps, avec les cercles concentriques. Arboros, vas-y, redéveloppe, c'est hyper intéressant. Ouais, je disais arboras, c'est ouroboros en fait. Ouais, arboros. Le cercle dessine qui se mord la queue, c'est ça en fait, c'est la figure du temps. Il se sépare de son ancienne peau, et c'est ce que fait l'arbre avec l'écorce. Et quand on le coupe, la souche nous indique son âge. Parce qu'on peut voir le symbole du cercle qui se mange lui-même, ou alors d'un point de vue fractalien, ça va plaire à tous ceux qui suivent Nassim Haramein, là, c'est cercle dans un cercle à l'infini. Que ce soit représenter le serpent qui se bouffe la queue ou un cercle qui se met à l'infini en homothétie, là, c'est la même chose en fait. C'est soit ça ou soit ça, mais c'est une sphère au final. C'est le temps, l'espace-temps. Bref,
Il y a une super vidéo sur le Big Bang d'ailleurs de Science Étonnante, une toute dernière qu'il a sortie il y a 2 semaines. Astrophysique et relativité. Alors bon, il faut s'accrocher. Moi, c'est une chaîne que j'aime beaucoup, Science Étonnante. Mais la dernière qu'il a fait là sur l'espace-temps, franchement, si c'est pas mystique ce qu'il dit, je comprends pas pourquoi. Enfin bref. Petite parenthèse. Oui, Lars aussi, de toute façon, de manière générale, c'est un piège à symbole. Vraiment, tellement de choses à dire sur un arbre. Et on revient. Partout, et d'où part l'arbre chez GC? Le nombril. Il parle pas de la tête. Hein. Il parle pas du cœur, il parle du centre. Peut-être, mais il y a presque même un élément, suivant certaines iconographies de GC, c'est presque un peu phallique des fois, parce que tu sais pas trop si c'est peigné hein, comme ça. D'ailleurs, je sais pas si Ram t'arrivera à tirer quelque chose de ça, mais dans les manuscrits médiévaux, les arbres de GC sont très majoritairement employés dans des lettrines pour des i. En fait, les peintres ont décidé tout simplement de faire un grand rectangle pour le i et puis dessinent l'arbre de GC dedans, de manière verticale. Alors pour le tronc. Voilà, je donne la donnée si tu arrives à faire quelque chose à partir de ça. Non, pas en live, surtout que le thème de l'arbre de GC, c'est pas celui que j'ai le plus creusé. Mais si tu veux, je pourrais te faire un développé adapté. Quoi. Je peux rajouter un truc? Ah, oui, vas-y, Pierre-Yves Lenoble, vas-y. Ouais, pour le i, on le retrouve dans la Divine Comédie de Dante, qui est agenouillé et qui prie devant un i. Et ça symbolise tout simplement l'axe du monde, la verticalité avec le principe indépendant au-dessus de l'axe, en fait. Et donc, si le i est employé pour l'arbre de Gézé, c'est tout simplement dans l'aspect principiel que révèle la lettre i. Voilà. Et c'est pour ça, du coup, si je faisais une différence entre le nom et l'image, parce que l'image, elle, voilà. Elle n'a pas de nom par essence, on lui en donne un, mais quand on lui en donne un, en fait, on cible quelque chose qu'on a extrait de l'image. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que quand on dit arbre, je faisais la référence à l'arbre, parce que c'est vraiment ce que ça veut dire. Mais parce que quand on dit arbre, c'est ça qu'on dit. Mais on ne dit pas que arbre, on peut dire des tas d'autres mots quand on en montre un, en fait. C'est au moment où on le nomme, on dit quelque chose, mais ça ne représente pas toute l'image. C'est le rapport que celui qui a nommé la chose entretient avec cette image. Voilà. Alors, il y a Chaumont, mais ça ne peut pas être Neuchâtel. Il y a dans une abside, là, un arbre de GC en ronde bosse. Vous avez 20 secondes de décalage, mes amis, dans le Discord. Avec, à mon avis, Saint-Jean-Baptiste qui a été... décapité à gauche là. Voilà, là, là. Magnifique. Il est assis cette fois, il est pas couché, j'essaie. Il pense, il doit rêver. L'arbre part de son côté, de son flanc. Même du côté du Christ qui a repris. Ah, c'est pas mal. Là, ça part plutôt du flanc, comme l'engin qui a percé le corps du Christ. Puis ça part comme ça, c'est magnifique. Il semble me souvenir d'ailleurs qu'à Saint-Denis, il y a un vitrail qui oui. représente l'arbre de GC. Enfin, c'est peut-être que tu l'as déjà montré. Je ne l'ai pas montré, mais je l'ai pris en photo. J'ai fait en 6 mois à Paris 75 000 photos, rien qu'avec mon iPhone. Je ne parle même pas de vidéo. C'est là où j'ai lancé mes apocadrilles, hein. Il y a pile un an et demi. Il y en a de magnifiques des arbres de GC. Je vais mettre, on va dans ta catégorie Discord, François, sur François Medieval. Comment j'ai appelé ça? Françoiserie médiéviste. Françoiserie médiéviste, on va mettre tout un tas d'images de l'arbre de GC. Super symbole, magnifique. Petite quenelle aussi aux pharisiens. C'est pas leur couper l'herbe sur les pieds, c'est remettre le tronc où il faut. Et surtout les fleurs et les bourgeons, où il faut. Les fleurs, oui, c'est les fleurs qui nous intéressent. Comme dirait El Misemoun, je me comprends, je me comprends. Je me comprends.
D'ailleurs, ça me fait penser que, oui, c'est, au final, on arrive à une forme de sacralité pour le corps mystique du roi. D'où le fait d'ailleurs que, bon, ça c'est une chance pour ceux qui étudient l'histoire de France, et que la généalogie des rois, c'est très facile à prendre comparément par exemple à ce qu'on trouve dans le Saint-Empire, ou même encore, je pense pour les pauvres qui étudient le sultanat mamelouk. Mamelouk, c'est qu'en France, entre le début du 7e siècle et les guerres de religion, il n'y a pas un seul roi qui meurt assassiné. Ce qui fait qu'ils ont, pour la majorité, des règnes assez longs, et il y a une forme de continuité qui en facilite l'apprentissage. Et d'ailleurs, de toute façon, tant que la personne mystique du roi est sacrée, si on assassine le roi, de toute façon, c'est même impensable, puisque un tel forfait aurait presque valeur de déicide. Que je l'ai dit, le roi est vicaire du Christ sur Terre. Voilà. Je peux terminer vite fait l'intervention par une belle citation que j'ai trouvée chez Barthélemy de Chasseneux, un autre juriste, qui écrit « Le roi peut tout ce qu'il veut, mais ne peut vouloir tout ce qu'il peut. » Voilà. Ah, ça c'est fort ça. Celle-là, on va la mettre dans le Discord. Alors, on dit sauf Henri IV, de Colosse Nain. Oui, justement, c'est pour ça que jusqu'aux guerres de religion, donc le premier à être assassiné depuis les rois, ben, je sais plus quel roi mérovingien a été assassiné, c'était après la grande fête royale, c'est Henri III, puis ensuite, effectivement, Henri IV qui est assassiné, et le dernier, c'est Louis XVI. Qui fait, entre le 7e et la fin du 18e, on a au total 3 rois assassinés. Ce qui est rien du tout, hein, le sultanat mamelouk, c'est quasiment une année sur l'autre. J'exagère, mais c'est l'idée. Très intéressant, merci pour ton exposé. Est-ce que tu as encore des points à soulever? Moi, je conseille vraiment sur la monarchie la vidéo de notre du petit essai là. Je vais la mettre dans le Discord. Elle est vraiment chouette. Il l'a sortie il y a pas longtemps. Et moi, j'ai plein de choses à vous raconter. À part non seulement le... Oui, et puis s'il y a des questions aussi. Hein. Alors là maintenant, c'est la minute question. On peut changer un peu de sujet. J'ai plein de choses à parler. En fait, j'avais envie de vous lire des passages de bouquins, puis de un peu vous faire sortir ce que vous aviez dans les tripes par rapport à ce que je vous dis. Barthélemy de Chasseneuse, le roi peut tout ce qu'il veut, mais ne peut vouloir tout ce qu'il peut. Merci. Tu l'as écrit dans le chat. Jama, mais merci, je te renvoie aussi le compliment. Ah, Emeline. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans mon chat, mais il y a Emeline, magnifique. Égérie de la mysticosphère. Bonsoir, quel plaisir, avec un putain de ralouf, c'est bien. La messédite. Allait-il au front du combat, les rois, à l'époque? Allait-il au front du combat? Comme dans Les Visiteurs, d'ailleurs. Oui, vous pourrez... D'ailleurs, je vais vous mettre en lien directement le... Pour ceux qui s'amusent, là, vraiment... La vie de Louis VI le Gros, établie par sujet. Et avant de s'appeler le Gros, on l'a appelé aussi le Batailleur. Et on a plein de récits en fait des campagnes menées par Louis VI. De toute façon, tu peux prendre l'exemple de Louis IX ou de même Philippe Auguste qui partent en croisade. Tu vois, moi je suis suisse et je suis passionné par la royauté. Mais ça ne me concerne pas. Moi, je vous dis ça aux amis du chat. Ce que vous dit François, j'espère que ça ne sort pas de nulle part. Enfin, je pense que de toute façon, sur les 200 geeks qu'on est, on est tous à avoir un petit peu digué cette question du pouvoir temporel et de l'autorité spirituelle et de cette jonction avec la symbolique du roi. Mais voilà, mes amis français, ne laissez pas... avec tout le respect que je lui dois, hein, Papacito ou Rojdi, vous expliquer ce que c'est la virilisme par le fantasme de la royauté. Vivez-le par le principe mystique et pas le truc politico-viriliste, zemmouro-compatible, quoi. Je dis ça comme ça en passant. Hein. C'est vous qui devez normalement porter cet héritage. Moi, je suis qu'un Suisse très curieux. Mais Dieu sait comme j'aime la France, cette France-là. Voilà. J'avais envie de le dire. Mandrill, je sais juste pas, puisqu'on
On est un petit peu dans un cadre aussi humoristique. Si tu voulais parler de cette petite phrase qu'on avait découvert ensemble dans le live. Alors, je sais plus si tu sujet. Te souviens de Pierre-Yves Lenoble. Pierre-Yves. Oui, tu te souviens quand la personne s'est fâchée pour alors, la remarque. Je pense que tu m'as dit que tu voulais en faire part. Pierre-Yves Lenoble, mais je lui ai dit, je l'ai fait un audio, là, on a un peu causé ensemble par des monologues interposés, c'est ma grande spécialité, vous le savez, dans le groupe du mercredi sur WhatsApp, j'aime bien faire. Alors, il s'est passé un truc très très drôle dans un live de Pierre-Yves où j'ai participé d'ailleurs de manière très sporadique, parce que moi c'était un samedi, le samedi soir j'ai d'autres choses à faire que faire des lives, j'ai mon étahir à combler. D'ailleurs c'était très drôle, Pierre-Yves Lenoble revenait sur la tripartition de l'amour chez Platon, donc il y a toute une analyse du Banquet, mais c'est pas dans le Banquet qu'on trouve ça, c'est plutôt je crois dans la République, si je me souviens bien. Pierre-Yves, tu me remettras à l'ordre. Mais en gros, c'est il y a la filiation, le socle civilisationnel qui est la femme à qui tu fais des enfants, qui porteront ton nom. Il y a la courtisane, celle des fantasmes, et puis il y a l'étaïre. C'est la Alors elle, c'est carrément au niveau, on peut leur faire des statues, quoi. C'est les prêtresses des temples. Donc c'est trois niveaux de femmes. Donc en fait, c'est les trois niveaux, la théorie que Pierre-Yves reprend chez les pérennialistes. Donc, bon, il parle toujours d'âme basse, âme haute, mais en fait, les trois, cette fois, il y a niveau, il y a corps, âme, esprit. Et puis du coup, il y a le corps, pour transmettre le corps, ben, c'est la femme, c'est la maternité. Il y a l'âme, fusionnée avec l'âme, le truc pur éros, la courtisane. Et puis l'esprit, l'étaïr. Puis en gros, il y avait dans le chat, c'était drôle, c'était ouais. Mère, pute et pute de luxe. Mère, pute et ultra pute. Un mec hyper hardcore. Ça m'a fait rire. Il y a eu plein de choses qui se sont dites dans ce. C'était hyper cool d'ailleurs ce live. Et il y a eu un truc hyper drôle. Donc moi, j'avais fait le lien matriarche, courtisane et taïr, mère, pute, pute de luxe. Je trouvais que c'était lamentable. Ça donne du grain à moudre à Apollos qui dit regardez, c'est du divertissement. Mais non, au moins, voilà, on échange des trucs sur ces magnifiques femmes qui nous font tous vibrer. Donc, il y a la question, un moment, qui est venue avec notre ami. Comment il s'appelle, Viso? C'est le bouc émissaire, me semble-t-il. Ouais, le bouc émissaire que je connais pas, j'aimerais bien une fois l'inviter aussi, le bouc émissaire. Il y a eu cette histoire bien. De. Alors, moi, dans mon chat, c'est hyper cool, à part deux, trois. Ouais. Il y a eu cette histoire de. Ouais, vous êtes encore en train de parler d'islam, ça fait une demi-heure que j'ai quitté le chat, enfin le live, je reviens, vous parlez encore d'islam, bon, à tout à l'heure. Puis le bouc émissaire l'a hyper mal pris, mais c'était justifié. C'était putain, mais si t'es dans la tradition, si t'es dans une chaîne de pérennialistes, si tu réagis comme ça, merde. Puis il l'a vraiment senti, il s'est vraiment senti offensé. Alors il a fait un petit peu de la. Pas de la chialante, hein. Je respecte, je vois tout à fait. Ah non, c'était à juste titre. C'était à juste titre, c'était vraiment mal placé, c'était vraiment pour blesser, c'est tout ça. Puis Pierre-Yves Lenoble, parce que j'ai ce problème, parce que moi, en intervenant dans un autre live où j'ai parlé justement du concept que je connais bien. Sur le problématique de l'orthopraxie dans l'islam, avec l'islam africaine, avec des putains de maraboutages et tout, parce que moi je connais les bambara, je connais les peules, c'est n'importe quoi, je veux dire. Et puis j'ai l'exemple de, voilà, je connais bien via ma belle-sœur, via par les choses au Mali. Puis il parle de sa belle-sœur. Puis j'étais ah oui, mais j'aurais pu te citer des potes à Molenbeek comme à Scarbeck, comme des potes que j'ai vécu au Caire. Je veux dire que j'ai pris un exemple proche dans ma famille pour parler de cette espèce de syncrétisme entre magie, qui est pourtant interdite. Et l'islam pratique du prophète, que ce soit sur lui qui interdit tout ce genre de choses. Et puis j'étais là, ah ouais, je parle même pas de jouer au jeu et puis de boire de l'alcool. Non, c'est. Voilà. Et dans les commentaires, ouais, machin. Puis je suis venu à dire, ouais, c'est quand même marrant parce qu'on parle de christianisme, les païens qui cassent les couilles, mais c'est soft. On parle de paganisme, les chrétiens qui nous font chier, comme quand je me suis chopé du Jean Robin chez Teddy qui m'a cassé les couilles. Du protestantisme à deux balles. Mais putain, quand t'as nos amis musulmans qui font chier, ils sont les seuls à vraiment monter sur les tours. Et Pierre-Yves, qui défendait son ami le bouc émissaire, qui essaie un peu de calmer le jeu, il a dit une phrase, et j'ai trouvé génial, c'est passé comme ça, comme si de rien n'était, et toi, comme moi, on a réfléchi ça pendant une heure, ça a résonné, moi j'étais en train de faire de la fonte, j'étais là, et Pierre-Yves a dit, ouais, mais tu sais, moi, Internet, au début, moi je répondais à tout, puis au final, puis bon, on arrive aussi sur nos 40 ans, on commence à tout ça, enfin, chose à foutre. Il a fait il faut savoir mettre de l'eau dans ton vin. Et puis l'autre il a fait ouais non c'est interdit, c'est haram. Puis ils en ont rigolé, puis c'est passé comme ça, comme si rien n'était. Puis j'étais là, mais c'est clair que mes amis musulmans, avec tout ce que j'aime discuter d'Ibn Arabi, de Rumi, quand ils sont un peu open, hein,
Parce que je parle pas de sunnite complètement de soin de soin. D'ailleurs, mon pote salafiste avec qui je fais de la fonte, lui, tout ce qui est soravardi, tout ça, ouais, c'est des trucs bizarres. Là. J'arrive pas à trouver l'équivalent d'un chrétien avec qui tu parlerais d'un auteur qui serait pas dans le bon truc. Entre guillemets, d'hérétique à succès, entre guillemets. Et j'ai trouvé génial. C'est vrai que nos amis musulmans, avec tout le respect que j'ai pour eux, au sens propre comme au figuré, n'arrivent pas à mettre de l'eau dans leur vin. Et sur ces questions, quand ils font pas le ramadan, puis ils sont là, puis tu dis, ils s'énervent à un niveau. Et je pense que cette expression leur va bien. Tu ne peux pas mettre de... Alors, je parle même pas de mettre l'église au centre du village, parce que ça, c'était ta petite quenelle que tu avais rajoutée. Alors, dans le chat, il y avait eu la phrase qui m'avait fait rire, c'est que tu as relevé, vas-y, dis-la. Viso. Oui, il me semble en fait que l'autre a dit, bon, ben alors, tu as qu'à mettre de la menthe dans ton thé. Énorme, énorme, de la menthe dans ton thé. Donc, c'est vrai que... c'est vrai que... c'est assez ambigu. Je pense que le seul que je connais qui est hyper chill et vraiment humble, c'est Furnarius. Mais Furnarius, c'est un converti qui n'est pas, c'est pas un de mes potes maghrébins ou kabyle ou tunisien ou j'ai peut-être mon cordonnier que vous voyez des fois dans mes stories qui est tunisien mais qui en a strictement rien à foutre. Qui fait le ramadan, parce qu'il faut faire le ramadan, parce que communautairement, t'as aucun intérêt de pas le faire. Puis c'est le truc qu'il fait une fois dans l'année, quoi. Mais c'est vrai que nos amis musulmans n'arrivent pas à mettre de l'eau dans leur vin. Quand on parle un petit peu mystique, quoi. Parce qu'au meilleur des cas, je pense que un ami guénonien, je vais pas le citer, mais voilà, je tourne un peu toujours autour de lui des fois pendant ce live. Bah, je fais ça parce qu'il a fait une vidéo clairement contre moi récemment, donc voilà. Mais je l'aime tout plein. C'est vrai que quand il discutait avec ses amis guénoniens, ben à la fin, c'est bon, ben, tu te convertis quand? Et puis à un moment, quand ils comprennent que le mec ne va jamais se convertir puis qu'il est, il est issu du guénonisme chrétien, mystique, ésotérique, ben, à un moment, ça clash, quoi. Donc il y a un problème. Pas d'eau dans le vin avec nos amis musulmans. Ouais, c'est l'image qui nous a beaucoup fait rire. On en a parlé pendant un moment. Qu'est-ce que tu as à dire, Pierre-Yves? Parce que c'est toi qui c'est issu de ton live et puis on a trouvé ça génial, comme tu lui as balancé ça. Il est cool d'ailleurs ce bouc émissaire. Oui, très, il s'est énervé à juste titre, hein, mais c'était vraiment cette remarque. Bon, Pierre-Yves, il a rage-quitte, je sais pas. Mais il y a toute une tradition du vin et de la poésie du vin dans l'islam. Mm-hmm. C'est ça qui est énorme. C'est que ils s'en rappellent plus. Ils n'ont pas de culture. Les gens qui surréagissent comme ça. Mais il y a vraiment... une tradition est très ancienne. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de la poésie arabe parce que ce serait vraiment long, mais de la poésie du désert à nos jours, tu as vraiment de la poésie dionysiaque. Les mecs picolent comme si ce n'était pas permis. D'ailleurs, ils boivent beaucoup encore aujourd'hui en France. Hein. Il faut pas se cacher. Bench and Koufa. Le marcassin, il est vraiment fort. Et si je ne dis pas de conneries, le terme alambic est d'origine arabe. Oui, oui, oui. Tout à fait. Des raisins dans ton couscous. Il y a al devant, comme élixir. Mais c'est vrai que mes amis avec qui je peux parler d'islam, c'est en fait... Bah c'est le plus, c'est pour moi les pires, mais en même temps les meilleurs. C'est ça qui est c'est ambigu. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas de génétique, entre guillemets, arabe ou ottomane ou turc ou ce que vous voulez. C'est des anglais, c'est des baptous qui se sont convertis. Qui, eux, sont souvent beaucoup plus pratiquants que leurs homologues ou que leurs potes marocains, parce que c'est comme s'ils avaient quelque chose à compenser. Mais en même temps, eux, ils ont le bagage intellectuel, ils ont une ouverture, ils ont quand même connu le pied, ils ont mis le pied à l'aéropage, donc du coup, ils vont rester quand même hyper open, surtout s'ils ont rejoint une tarika soufi. Donc après, j'aimerais bien les voir si, face à des sunnites, hein. Là, ça va. Bon. Par contre, mes potes sunnites, marocains, kabyles et tout, on peut parler, mais s'il y a des petites frités, ça peut vite monter le ton. Hein. Après, vous savez, moi, j'ai d'autres choses à foutre que me foutre sur la gueule avec mes potes musulmans, comme avec mes potes à l'heure actuelle. Pour moi, le débat, il est sur d'autres trucs très concrets. J'en ai parlé au début du live. Moi, maintenant, c'est pas sunnite, chiite, ou chrétien, ou mystique, ou païen. Là, c'est... En tout cas, pour mes potes en Suisse, c'est à voter oui ou non. Hein. C'est vraiment le truc le plus clivant possible. T'es pour cette extension de passe de merde, parce que moi, j'aimerais vraiment faire des expos, quoi. Là, en ce moment, je suis... exsangue.
J'ai dit, j'ai jamais eu ça dans ma vie de faire autant peu d'expos. Tous ceux qui me suivent sur Instagram, je fais une expo minimum par semaine où je me déplace, où je fais plein de trucs. Je vais à Paris tout le temps normalement. Là, je vis, j'ai l'impression de. Voilà. Bon, de toute façon, les finances ne me permettent pas vraiment comme je faisais avant le Girovague, hein, le moine Girovague de monastère, de prendre le train, tu vois. Mais bon, moi, les questions, elles se placent plus sur le plan maintenant. Pierre-Yves Lenoble a un problème de son, si jamais. Ah merde, fais chier, parce que Pierre-Yves, il arrête mille trucs à dire. Alors, tu sais que c'est un live un peu, c'est lâche-coumoune, hein. Mais il reviendra en parler, si jamais, de... Voilà, c'était juste pour la petite boutade qu'on avait relevée. Bon, les amis, un jour, je vais vous parler... J'ai fait des recherches. Je vais parler d'un Suisse. Je vais vous parler d'un gars incroyable qui s'appelle Paracels. Vous connaissez tous, c'est la dose qui fait le poison. Paracels sur les médecins. Ah oui, j'ai oublié de dire au début du live. Vous savez combien un médecin en Suisse risque d'amende s'il met en doute dans les réseaux sociaux ou qu'on arrive à prouver qu'il est contre la vaccination? 20 000 balles d'amende. Tu comprends qu'ils ferment leur gueule, hein? Et il y a deux Bernois qui ont mis un petit peu des bémols avec cette vaccination massive. Et les mecs, ils se sont fait suspendre direct. Ah, ça n'a pas rigolé, hein? Les médecins, Paracels, hein? Les médecins ont perdu leur plus grand trésor, l'amour de la vérité. Ils se saoulent, bouffent, forniquent, et ainsi de suite. C'est vrai que ces connards de médecins qui sont payés par la Big Pharma pour aller à Dubaï ou dans des trucs tout frais payés, où ils vont voir quels sont les nouveaux médicaments quand les génériques arrivent, qui sont légaux pour remplacer les anciennes molécules, et puis qui vont devoir prendre ce médicament-là cette fois, qui est pourtant moins bon que le premier. Mais vu qu'il y a un générique maintenant qui est légalisé parce que le temps de brevet tombe, alors il faut un nouveau médecin, et il y a des trucs. Si on étudie la médecine, c'est comme si tu étudies le marché. Combien de traders disent « si vous saviez ce qu'on faisait, vous ce serait la révolution ben, ». Les médecins, s'ils savent comme ils bossent, bon. J'y reviens. L'amour de la vérité, il se saoule, bouffe, il fornique et ainsi de suite. Moi, j'ai un pote dentiste, d'ailleurs, qui est turc. C'est un espèce de fornicateur horrible qui fait des dents. Il gagne sa vie en foutant des dents, des blanchiments de dents. Donc, c'est pas un dentiste ou un orthodontiste. C'est vraiment c'est l'équivalent du médecin qui fait de la chirurgie esthétique. Et pas pour des grands brûlés, non, pour foutre des silicones, tu vois, le business qu'il y a dessus. Bon. Des fornicateurs. Ils ne savent rien, ils ne voient rien, leur ventre est leur dieu. C'est bon cette phrase, leur ventre est leur dieu. C'est de là qu'ils tirent leur intelligence, sans nul profit. Votre art doit être pratiqué avec virulence, avec foi astreignante, pour que l'on croie ce que vous dites. Alors vous confirmez votre foi avec des balivernes, des vantardises, des galopades, et en vous donnant des airs d'importance. Que vous galopiez, ce n'est que pour votre cher argent et non pour la santé des patients. Car si vous possédiez le véritable art médical, vous n'auriez pas besoin de galoper, de faire l'examen, des urines. À quoi bon ces bricolages? Opus Pagranum. Ça, j'ai trouvé très intéressant. Mais Paracels, il va plus loin. Le coquin et l'épée. Riche est celui qui donne tout. Pauvre, celui qui possède et garde tout. Ça, c'est... C'est un autre contexte, mais voilà. Je trouvais très intéressant. Alors, Alterius non sit qui sus est potest. Il n'appartient à personne, celui qui peut être son propre maître. Paracels a été comme un feu qui laissa des traces en Europe jusqu'en Asie mineure. Grande individualité dans le monde visible, dans tous les domaines, il a été novateur. Soumis à la lumière de l'esprit, lié aux lois de la création. Il s'exprime en images et paraboles pour que nous et ses élèves comprennent le rapport subtil. Sur la pierre tombale dans le narthex de l'église de Sébastien, on lit cette phrase connue « Vitam cum morte mutavit ». Avec la mort, il a transformé la vie. Cette phrase n'est pas toujours comprise par ses biographes. Dans les grandes civilisations séculaires, l'être humain a eu l'idée que le corps matériel recevait une forme qui lui donnait vie. C'est Paracels qui met cette force vitale et l'âme dans une relation cosmique. Il explique comment le corps matériel reçoit du cosmos vie et vivification grâce à une image réfléchie subtile.
le microcosme est, par une liaison complexe, imbriqué dans le macrocosme. Non, il témoigne de la lumière qui permet à chacun de reconnaître son chemin, chemin que chacun doit accomplir à la lumière de la nature. C'est cette lumière qui doit nous conduire si nous voulons découvrir la relation qu'il y a entre l'homme et la nature, entre le malade et sa guérison. Toujours dans la thématique un peu actuelle. Il m'a fait halluciner par Paracelse parce que je ne savais pas, entre lumière divine et lumière de la nature, il fait une distinction, je ne connaissais pas. Parce qu'on a toujours un peu nos amis illuministes là qui vont voir, oui on a parlé, d'ailleurs c'est la citation de ma prochaine vidéo, c'est la nature comme seule école, Dieu comme seul maître. C'est notre petite dédicace à Guillaume de la Voix du Phénix. Mais Paracelse, il va décortiquer ça. On peut comparer l'activité de l'intellect à celle d'une main tâtant l'espace dans l'obscurité. Ça, c'est l'intellect. Les connaissances scientifiques se limitent à la connaissance du côté externe des choses. C'est un micro. Mais impossible ainsi de découvrir les connexions internes. À la lumière de la nature, on peut voir et reconnaître l'essence des choses, les rapports entre différents phénomènes, même si vous ne connaissez pas les causalités. La connaissance à la lumière de la nature touche la tête et le cœur. C'est la sagesse provenant de l'intuition du cœur. D'abord, il faut être conscient de l'unité de toutes les choses dans le cosmos, c'est ainsi que se lève la lumière de la nature. Tout est relié à tout, rien n'existe par lui-même. Mais en réalité, tout ne fait qu'un. La conscience limitée par le corps engendre un sentiment de séparation. Nous éprouvons chaque fois péniblement les limites et la solitude de notre existence corporelle. On ne peut parler d'unité que s'il existe un principe de l'âme intermédiaire. Le cosmos avec ses lumières, ses rayonnements et ses énergies est celui qui relie les diverses parties pour en faire un tout supérieur, soumis à une seule loi. Les trajectoires et rythmes de ses lumières, ses rayonnements et énergies dirigent tout, mais tout en mouvement relie tout. Paracelse nomme le corps stellaire. Le corps stellaire. D'ailleurs, c'est une partie supérieure. Paracelse l'appelle ainsi le cinquième être, celui qui donc la réunion des éléments avec leur firmament. Donc tu vois, tu as le firmament des étoiles, puis tu te connectes. Ça fait le lien, on pourrait se connecter à Nout, pour nos amis égyptiens. C'est la quintessence de l'homme. La quintessence est donc le roi. Hein, on retourne un petit clin d'œil à l'exposé qui a été fait. La quintessence est donc le roi qui, comme cinquième partie, couronne les quatre autres et les dirige. Le firmament se retrouve après la mort dans la sphère stellaire et s'y dissout. Maintenant, je viens à cette fameuse histoire de lumière. Pour Paracelse, l'éternité... Je recommence. Pour Paracelse, l'éternité dans l'homme, c'est l'esprit de l'image. Thématique qui m'intéresse particulièrement. L'homme originel, éternel, créé à l'image de Dieu. Paracelse utilise ce terme pour désigner un principe caché. L'esprit de l'image est le principe latent de l'homme originel divin. Selon ses propres paroles, ouvrez les guillemets, « Si je qualifie l'homme d'animal, je sais pourtant quelle différence il y a entre lui et l'animal. C'est l'esprit de l'image. Il faut que j'insiste là-dessus. » Fermez les guillemets. « Bien que mortel, l'être humain a le pouvoir de développer une grande sagesse et un grand art. S'il est conscient que, tant que microcosme, il forme une unité avec le cosmos, il découvre les sources de la lumière de la nature. Et dans cette lumière afflue en lui l'abondante sagesse et pouvoir. » Toute la conversation que j'ai eue dans le live, le 20e live anniversaire là, de Bacchanal avec notre ami La Voix du Phénix. De même que le corps mange et digère, de même le monde extérieur donne l'homme intelligence, capacité, sagesse et talent, et ce ne sont pas des dons particuliers de Dieu, mais c'est de la lumière de la nature. Attention, là ça commence à devenir intéressant. Je reviens, capacité, sagesse, talent, ce ne sont pas des dons particuliers de Dieu, mais de ceux de la lumière de la nature. Une distinction qui va se faire. Paracelse veut montrer de façon évidente que tous les pouvoirs suprasensoriels ne sont que des capacités naturelles, élaboré par la lumière de la nature. Celle-ci est puissante et peut nous accorder une grande sagesse, mais périssable, mortelle, dit-il. Ça me renvoie à toute l'histoire des liens qu'on faisait avec la théurgie, au fait que tu te connectes à ces énergies-là. Seul Dieu est éternel. La lumière de la nature n'a rien de divin. La lumière éternelle divine est bien supérieure à elle. Pour Paracelse, il y a dans ce monde deux sagesses. Une éternelle et une mortelle. C'est intéressant, ça. Parce qu'on dit toujours, la vérité, il n'y a qu'une. Mais il est très pertinent dans ce qu'il va dire. L'éternel émane
directement de la lumière de l'Esprit-Saint et l'autre directement de la lumière de la nature. Celle de l'Esprit-Saint est un principe essentiel. C'est la juste sagesse, indivisible. Mais celle de la lumière de la nature en a deux aspects, le bon et le mauvais. Et là, c'est génial. C'est toute la dichotomie qu'on avait fait d'un dernier avec la lettre A. On a parlé avec Ram du principe du A qui part depuis le haut, puis qu'en s'incarnant, ça part déjà en deux barres. Donc, par définition, quand tu t'incarnes, il faut les deux principes. Ben oui, forcément, la lumière de la nature, c'est l'étape A fin. C'est la version, c'est le succès d'année qui est lui périssable et mortel de la lumière éternelle. Mais l'image est encore un peu plus subtile parce que la petite barre du A indique qu'on est d'abord parti de 3, en fait, et pas de 1. La barre, parce qu'elle n'a pas toujours été horizontale, hein, elle était aussi de biais dans certaines formes. Oui, mais elle faisait un triangle, en fait. Exactement, ouais. Alors, je continue, j'en ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Son message principal est sa révélation d'une véritable compréhension de Dieu, laquelle commence par détruire complètement nos illusions à ce sujet. Tout spécialement, il éclaire en détail le domaine des perceptions suprasensorielles pour que personne ne croie plus que ce soit des dons divins, aussi sublimes soient-elles. Fait penser aux dons des rois, là. Paracel déclare « Apprenez à faire la distinction entre sagesse éternelle et sagesse quelconque et à les reconnaître toutes deux, sinon vous faites grande erreur. Car le point important, c'est que beaucoup d'entre vous qui écrivez sur la sagesse éternelle, vous n'êtes pas encore nés à la sagesse éternelle. Il faut donc naître à la sagesse éternelle. » Et il continue « Faites attention, ainsi qu'il existe deux âmes en l'homme, celle de la nature et celle de l'éternité. Qu'il y a deux vies, celle condamnée à mort, tandis que l'autre résiste à la mort. Il en est même que le double esprit éternel et le naturel. Le naturel est dans le corps stellaire. » J'adore ce concept de corps stellaire. « Et celui qui n'est que corporel forme tous les deux un seul homme, donc un corps, forme tous deux un seul homme, donc un corps double. Car sur terre, il y a deux corps de chair, celui qui vient d'Adam et celui de l'homme rené par le Christ qui voit Dieu. » Bon, c'est la mystique chrétienne à l'état pur, là. Inlassablement, Paracels nous pousse à développer nos talents à la lumière de la nature et nous mener une vie active pour ainsi accroître nos connaissances et nos talents. Mais avec la même force, il nous démontre que nos dons sont imparfaits et nous mènent nullement à la vie véritable. Ça me fait penser à mes potes musulmans, parce que moi je dis, ah, moi, je suis passionné par le dessin, ils me disaient, ouais, il ne faut pas suivre ses passions. Le prophète a dit, il ne faut pas suivre ses passions. Puis je disais, mais mec, moi j'ai pas envie de sucer des cailloux puis juste prier toute ma vie. Je veux dire, j'ai pas cette incarnation-là. J'ai l'ego, l'outrecuidance de vouloir avoir une présence au monde qui passe par le dessin. C'est depuis que je sais parler que j'ai envie de dessiner. Ben avec ça, ça remet un peu les choses en place. Imparfait et nous mène nullement à la vie véritable. Son objectif principal est de nous indiquer l'essentiel qui est l'âme, le fond, ou découvrir le germe du cœur dans l'esprit de l'image. L'esprit de l'image, un corps stellaire, esprit de l'image. C'est bon ces concepts, hein, je ne sais pas si vous connaissiez. Son principal objectif est de nous indiquer l'essentiel qui est l'âme, le fond, et découvrir le germe de corps, l'esprit de l'image. Pardon. Là se trouve le point de départ de la renaissance de l'homme immortel. Cet homme nouveau a non seulement une âme immortelle, mais aussi un nouveau corps immortel. Nous informer de l'existence, et ça me renvoie à tout ce que les conversations que j'ai eues avec le docteur Azevedo sur les immortels en taoïsme. Hein. Nous informer de qui est bien sûr un symbole, comme chez les Égyptiens, l'immortalité du pharaon. Bon. Nous informer de l'existence de cet homme immortel, c'est là le véritable message de Paracels, non encore compris de nos jours. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ma petite exégèse, mon petit tunnel sur Paracels? Vous m'entendez? Oui, oui, oui. C'est vaste. C'est vaste, hein, cette dichotomie entre les dons qu'on a, c'est pas les vrais dons de Dieu. En fait, il n'y a que le corps stellaire et qui lui est issu de la Renaissance par l'Esprit du Christ en soi, et que les dons, aussi puissants soient-ils, ont toujours leur ombre bon et mauvais. Ce qui est intéressant, parce que moi, en lisant ça, ça m'a replacé sur les dons artistiques de mes amis musiciens, avec qui je partage plein de délires mystiques. J'ai une copine d'ailleurs qui fait de la guitare, qui est complètement hallucinante, qui chante, qui est une espèce de chaman moderne. Mais ça part toujours un peu en vrille, quoi. Puis je crois qu'il a donné pas mal de réponses. Moi, quand j'ai lu ce texte, vous le réécouterez, hein, parce que là, je l'ai lu. Je le mettrai en photo, je le mettrai dans le Discord.
Ouais, Moi, je me dis ça m'a travaillé. très intéressant. Il va au-delà, mais c'est quelque chose qu'on apprécie ici, d'aller au-delà des dichotomies finalement, d'aller dans la nuance. Ça, c'est formidable. Des paradoxes naissent la création. Alors, en parlant de création, je suis fasciné par l'art arabesque de mon pays, le type maroco-andalou, appelé en arabe zellige. Tu es intéressé, Marc Mandrill, de près? Alors, moi, l'Andalousie, j'y ai vécu, enfin, vécu pas longtemps, j'allais Mais tout. t'as vécu partout. Non, j'ai vécu, j'ai des potes, mon meilleur ami, d'ailleurs, où je suis parrain de sa fille, a vécu pendant 7 ans à Grenade. Et moi, tous les étés, pendant 10 ans, j'allais le voir. Et j'allais vivre chez lui, à Grenade. Malaga, La Feria, machin, bref. Les espingouins, je les ai connus. Et je me suis retrouvé à l'Alhambra. Et ça fait chier parce que c'était la seule période de ma vie où j'étais pas outillé comme je le suis maintenant au niveau téléphone. D'ailleurs, à l'époque, c'était des Nokia. Je crois que j'avais même pas de téléphone à l'époque. En plus. J'étais très longtemps et Dieu sait comme j'ai rattrapé. Hein. Mon ex m'appelait Mandry Phone. J'étais pas aussi longtemps. Enfin, j'étais pendant très longtemps exempt de toutes ces conneries. Et quand j'étais à l'Alhambra, j'avais un vieux numérique pourri là de merde, même pas un réflexe. Et c'est ma grande frustration et j'aimerais trop retourner en Andalousie à l'Alhambra parce que je vais faire un truc sur la géométrie sacrée et je vais bien sûr parler de ces abside musulmanes incroyables. Mais je me suis intéressé en surface et j'ai vraiment l'humilité de le dire. Donc si un jour, comment il s'appelle, celui qui a fait ce commentaire, Kingliman, t'as envie d'en parler, bah écris-moi sur Discord et puis si t'as envie de faire un petit exposé là-dessus ou montrer des photos que t'as fait et tout, je suis hyper open. La mysticosphère, c'est pas aussi que des universitaires qui parlent manière avec une faconde de sujets qu'ils ont grattés. Si toi, de ton vécu, t'as des trucs intéressants à dire sur... Moi j'avais dit, hein, première intervention chez Teddy, matez les gargouilles, les mascarons, découvrez les hommes verts. Est-ce que vous avez des hommes verts? Moi j'ai découvert dans la ville, là j'en ai fait une story, je pense que personne n'a vu des hommes verts sur un bâtiment du 18e. Incroyable. Pierre d'Autriche jaune, des hommes verts à 10 mètres de haut, là avec le téléobjectif j'ai chopé, personne ne les connaît. Je les ai mis en photo, j'ai tous mes élèves qui adorent mes genres de petits clins d'œil que je fais dans mes photos d'architecture. Ils me disent, mais c'est où, c'est où, c'est où? Parce qu'ils savent que je déménage, enfin que je voyage plus ces temps. Parce qu'avant, quand je faisais des photos de lune malade, on me disait, putain, c'est où? Alors maintenant, quand tu fais des photos, on sait que je suis à Neuch, parce que je peux plus me barrer. Puis j'étais là, mais c'est à Neuch, les gars. Mais ouais, mais c'est où, justement? Puis je leur ai montré, puis personne connaissait. Donc, si vous avez des découvertes et des machins comme ça, des mascarons, des modillons, puis qu'on a envie de décrypter ensemble, on y va, on fonce. La mysticosphère, c'est pas forcément des exposés un petit peu... Je dirais pas pompeux, mais très prolixe comme ça. Non, c'est aussi la mysticosphère, c'est du profane et de la franche camaraderie. La balle est lancée, hein. Le Discord est là pour ça. Ah bah voilà, il répond. Je pourrais faire un petit exposé, pourquoi pas? Bah oui, puis pas que toi. Drill, s'il te plaît, si tu peux mettre le titre du livre, quelqu'un demande dans le chat. Alors, c'est pas un livre. C'est... En Suisse, j'ai fait pas mal de séminaires. D'ailleurs, ils sont hyper sympas. Je suis allé au Lectorium. Alors, les Français, vous êtes tout le petit... Ouais. Les Rose-Croix, il y a plusieurs un peu obédiences comme ça. Et en Suisse, il y a le Lectorium Rosicrucianum. Lectorium, pardon. Rosicrucianum, qui est un bâtiment qu'ils ont acheté. C'est Moulinsart, c'est au-dessus des brumes. C'est magnifique, c'est à Montreux, donc Montreux, vous connaissez tous, enfin c'est à Caux, mais c'est au-dessus de Montreux, vous connaissez tous Montreux Jazz, le lac Léman, magnifique. Ils ont acheté un bâtiment hallucinant, néoclassique, où c'était l'hôtel privé de l'impératrice Sissi, pour vous dire le niveau. C'est un truc magnifique, gigantesque, et ils ont mis toute leur thune pour acheter ce bâtiment. 5 étages, magnifique, une vue sur le lac. Et puis, une ou deux fois par année, ils font open, libre de... Comment dire, libre d'accès, des conférences et des week-ends, théotaking. C'est un peu, des fois, c'est très New Ages. Mais il y a des intervenants de qualité, notamment des docteurs. J'ai rencontré un chimiste de Zurich, passionné de Paracels,
Donc c'est tous des vieux profs universitaires à la retraite, des vieux anthroposophes, ils ont des gilets comme moi, des bérets, ils sont habillés comme moi, sauf que moi j'ai pas les mêmes pompes, mais bon, ils sont adorables. Et ils invitent aussi des autres gens, ils ont invité des gars de Steiner, ils ont invité des gars en bioénergie, ils ont invité des paysans qui sont connectés. Enfin, ils sont assez open, ces Rose-Croix en Suisse. Et ça s'appelle le Pentagramme. Voilà, il y a une symétrie. C'est une revue qu'ils font, que je trouve de très très bonne qualité, je les ai tous. Et il y a tout un article très intéressant sur Paracels. Donc Paracels, il est à Bâle, hein, donc... C'était des Suisses allemands qui avaient traduit en français cet article. Et puis c'était ce docteur en chimie qui m'a filé parce qu'il avait fait un exposé incroyable sur Paracels avec les liens entre la forme. Il a fait un exposé. Putain, je l'ai filmé d'ailleurs. En plus, je pourrais le mettre sur le net, en tout cas des extraits dans mes zappings. Montrer les correspondances entre les formes des fleurs et les organes qui sont soignés par les élixirs de ces fleurs. Extraordinaire. Et il m'a affilé cet article. Mais vous pouvez le trouver, il y a... Je sais pas si vous pouvez le commander. Mais c'est une super petite revue. C'est l'équivalent de Baglitz TV en papier, quoi. Il y a plein de sujets, ça parle comme... ça parle de tout sauf des Rose-Croix, en fait. Parce que je sais qu'il peut avoir... Je pense que Pierre-Yves peut être très circonspect, à mon avis, sur les Rose-Croix. De toute façon, il faut être circonspect de tout et être open pour tout. C'est un peu le... Je parle de la photo que je lui ai envoyée. Non, je ne suis pas rose-crucien. Alors, je ne suis pas rose-crucien. J'ai énormément d'amis rose-croix. Et je vais chaque année... Alors, maintenant, depuis le Covid, je pense qu'ils sont dead, là. Mais j'ai pendant des années subi... Enfin, subi... Lapsus. Subi le voyage, parce que c'est un sacré... C'est un putain d'aventure d'aller là-haut. Mais surtout en hiver, parce qu'il ne déblaye pas. Mais je suis toujours reçu comme un pape. Et j'ai un de mes élèves, où sa mère est très haut placée chez les Rose-Croix, qui me reçoit toujours comme un pape. Et j'ai toujours une chambre avec vue sur le lac, machin, le réveil, le truc. Ils sont d'une gentillesse, ces gens, nourris, logés et tout. Ah, c'est assez cher ces week-ends, mais ça vaut la peine. Et il y a des ateliers art avec un vieux prof d'histoire de l'art complètement gnostique où, franchement, vous allez voir dans mon prochain apocadrille, je lui fais une petite dédicace. D'ailleurs, c'est avec eux que j'avais découvert le test de Rohr, là, non, de Bosch, là, non, le test de l'arbre. Mais il y a un autre nom du psychologue qui l'aurait mis au point. Le test de l'arbre, je l'avais découvert avec ce prof d'histoire de l'art qui est gnostique, mais qui est invité aussi chez ses Rose-Croix. Donc les Rose-Croix en Suisse, ça n'a rien à voir avec les Rose-Croix en France. En tout cas, le Lectorium Rosicrucianum, c'est un lieu, un haut lieu en Suisse romande de rencontres. Bonjour. De rencontres d'une mysticosphère plutôt. Sénescente et un peu boomer, quoi. C'est des vieux. Mais j'étais le plus jeune. Oui, bien sûr que la plupart des rosicrociens sont gnostiques. C'est des gnostiques. Et même, j'avais Lucien, que je salue, qui est génial. Je ne sais pas qu'il m'a tenu là, parce qu'il n'aime pas Internet. Un vieux libraire, trop chou. On aurait dit un hibou, comme ça. Sa gueule, puis sa barbe, un peu à la Lincoln. Poivre et sel, comme ça. Enfin, gris, pardon. Ils se disaient carrément descendants cathares. Eux, leur obédience, c'est du catharisme. Gnostique. En Suisse. Et ils ont cette excellente revue, le Pentagramme. Je ne sais pas si vous tapez Lectorium Rosicrucianum Pentagramme, vous allez peut-être trouver, vous pouvez peut-être les commander. Ça, c'était un article, bah oui, c'était ouais, 2009. Je l'avais reçu, 2009. Et l'article date de 93. Mais il était publié dans le Pentagramme en 2009. C'est une super revue, hein. À part ça, il y a vraiment des trucs intéressants. Mais c'est toujours leur notion de corps purifié, le truc du cœur. Enfin, le logiciel Rose-Croix, moi, je l'ai compris. Il est spécial. Il ne me correspond pas. J'aime beaucoup, mais il ne me correspond pas. Je ne vais pas épiloguer, mais voilà, j'en dis pas plus. «
qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que c'est 23h42, j'ai ma copine qui vient d'arriver. Je peux vous lire du Profondeur des sexes de Hadjadj. J'ai des passages incroyables, des tout petits passages cette fois. Je vais pas vous faire un tunnel comme avant. Si ça vous intéresse, ou sinon, on peut faire une petite pause, une petite entracte. Comme ça, il y a des questions. Moi, je fais un bisou à ma copine, je vais caresser le chien qui vient de débarquer. D'ailleurs, si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a Jean-Marie qui est là. Et on peut se revoir. Je ne toujours pas de ce nom. Hein? Je ne m'en remettrai jamais de ce nom. Mais il lui va tellement bien, Jean-Marie. Non, c'est, le vrai nom, c'est Spike, mais je l'appelle Jean-Marie sur Instagram. D'accord. En fait, si vous voulez, quand je suis passé dans le live de Pierre-Yves Lenoble, j'avais tout plein de passages sur la sexualité et la spiritualité que j'avais envie de développer et que j'ai pas pu parce qu'au final, j'ai préféré le mettre en pratique, vous voyez, vu que ma copine était là. Et j'ai fait une toute petite intervention chez Pierre-Yves, qui était très cool d'ailleurs. Mais si vous voulez, je peux vous lire deux, trois petits passages que j'ai sélectionnés qui sont hyper forts. Fabrice Hadjadj, un feuge converti au christianisme. Professeur d'université, philo, incroyable. Il y a des vidéos de lui sur Dailymotion qui sont extraordinaires. C'est lui d'ailleurs qui parle d'épiphanie esthétique. L'homme, s'il est créé, c'est pour parachever l'œuvre de Dieu. Pourquoi, quand on est dans les auras divines, une fois qu'on est l'héritage de nos amis grecs avec les Champs-Élysées, pourquoi le paradis chrétien, à la fin des temps, on doit se réincarner et retrouver le corps qu'on a. Alors, corps glorieux, tout ce que vous voulez, dans les épîtres aux Éphésiens, il y a plein de symboles de ça. Mais bordel, si on n'a plus besoin du corps, on a transfiguré cet état de matière. Et ça renvoie à ce que disait notre ami qui passe dans la chaîne de Pierre-Yves. Là. Ce qui est la table d'émeraude, ce qui est entier, est ancré en terre. Hein? Ce qui est complet est ancré en terre. Il y a l'unité. Si c'est juste connecté en haut, il manque un truc. Et ça, c'est ce que Fabrice Hadjadj reprend. L'épiphanie esthétique. L'épiphanie, hein? Esthétique. C'est-à-dire que c'est comme une œuvre d'art que Dieu a fait. On retourne dans la matière, on est là, mais merde! Connaissez la polémique, hein? On sera tous à poil. Ah merde, on les pères de l'église, non, vous inquiétez pas. C'est la seule fois où on pourra tous se retrouver cul nu sans que ça parte en couille, en gangbang et puis en dégénérescence, parce que face au Christ, on va regarder le Christ, on va pas regarder la mistouquette. Et d'ailleurs, je le dis toujours, hein, putain, on va se réincarner. Alors, t'es un vieux papy, tu te retrouves vieux papy pour l'éternité? Non, tu te réincarneras comment? Souvenez-vous, je le dis tout le temps, je l'avais dit chez Teddy, saint Thomas d'Aquin, quel corps on aura? On aura le corps de celui qu'on a été aimé. Le corps quand on a été aimé, pardon. C'est beau, hein? Alors, il parle d'épiphanie esthétique. On récapitule par le corps parfait, par l'amour porté à sa belle, dans l'union sacrée divine actée par Dieu, l'épiphanie esthétique, dans ce qu'on appelle l'apocatastase. Hein, donc, après l'apocalypse, on se réincarne tous. D'où le fait que les chrétiens, normalement, ne sont pas censés brûler les corps. Et les musulmans, souvenez-vous, dans certains hadiths, conservent les coccyx, parce que c'est comme les graines de l'humain qui ressortent. Ouais, parce que si c'est dans la main, imagine, il y a pas mal de... Tous les voleurs ne pourraient plus avoir de rédemption, par exemple. Alors, je parle... Ce livre est génial, avec une magnifique couverture de Canova, d'un érotisme total. Je suis sûr que si, par exemple, je mettais ça sur YouTube en avatar de vidéo, en miniature de mes vidéos, je me ferais striker. Je me suis fait striker toutes les miniatures que je fais. Vous savez, je mets souvent des petits clins d'œil à Sacha Gray, ou ce genre de trucs, mais quand je mets des... Alors, Sacha Gray, ça passe. Quand je mets des miniatures de photos... J'ai mis un satyre avec qui chasse des femmes là. Les satyres chassent quoi, Gilou? Quand on voit ces femmes dénudées qui courent, c'est généralement des nymphes. Des naïades. Alors, des naïades. Oui, les nymphes, soit ils dansent avec des ménades, soit oui, ils vont s'amuser avec des nymphes, ou alors tu as des représentations sur les vases. On sait pas trop, c'est un peu bizarre. En tout cas, le bot YouTube, il rigole pas. Hein. Le bot YouTube, il voit des culs, il reconnaît, il voit que c'est des tableaux du Louvre hein, que j'ai pris, hein, avec des magnifiques courses folles de satyres, machin. J'avais fait le lien pour mes zappings, là. Eh ben, je me fais strike. Et je reçois la notification YouTube, vous n'êtes pas dans les normes, machin. Donc imagine, je vais perdre ma chaîne, non pas parce que je parle deux fois de trucs un peu piquants, non, parce que je mets des images de tableaux du Louvre avec des chairs de femmes du 18e. On en est là, hein. Ça c'est YouTube, c'est magnifique. Et puis c'est on critique la Corée du Nord. Hein. Quand est-ce que des slips ont été mis à des statues?
Je te jure que c'est vraiment arrivé. Il y a des slips parce que des émissaires orientaux venaient. Et il y a des mecs qui ont mis en Occident qui ont mis des slips à des statues pour pas que pour pas que la bistouquette soit visible comme à la fin des temps. Je sais qu'au MoMA ils ont fait plein de trucs justement à cause de nos amis Bougnoul qui viennent visiter. Bon, je comprends pas. Alors, un don là. Martou, merci Martouf, Martouf. C'est presque... Ça sonne iranien, Martouf. Ça me fait penser au gag, comme on dit 69 en iranien. C'est un gag très graveleux. Tu connais ? Non. C'est un truc de gag de merde que mon prof boomer nous avait balancé. D'ailleurs, s'il l'avait fait maintenant, à l'heure actuelle, il serait en taule. Comme on dit 69 en iranien ? Ah, ça va me plaire, vas-y. Pas touf, mais touf. Ce serait étonnant, mais après tout plausible. Depuis longtemps, se colporte le ragot selon lequel le péché originel coïnciderait avec l'union sexuelle d'Adam et Ève. Alors que l'Église enseigna toujours qu'il releva d'un pur orgueil. Il n'y aurait pas eu cette faute, dit Thomas d'Aquin, que l'acte charnel eût été une insondable prière et le sperme adamique aussi pur que l'eau du baptême. Que craignons-nous pour mettre dans l'obstination à déformer le catéchisme, entre parenthèses, je parle aussi pour les bons catholiques. Il est génial ce Fabrice Hadjadj. Alors j'ai deux, trois petits passages, j'en ai pas beaucoup, j'en ai juste trois, je vais vous dire. Enfin j'en ai plein, parce que tous mes bouquins sont massacrés de notes, tous. D'ailleurs c'est l'héritage que je donnerai à ma femme, il pourra lire et capter tout ce que j'ai kiffé, parce que tous mes bouquins... Déjà, les sélections des bouquins me récapitulent pas mal, mais en plus, les passages que je souligne, c'est pas pour rien. Je sais pas si vous faites ça. Moi, je massacre mes bouquins, je mets des notes, je mets des marque-pages, je fais mon propre glossaire. Voilà, enfin, bref. Ah, il faut. Les livres doivent devenir des arcs-en-ciel. Les livres doivent devenir des arcs-en-ciel. C'est, ouais. L'arc-en-ciel, c'est la... Ce qui est magnifique, je me faisais la réflexion, c'est finalement... toute notre capacité de vision qui est contenue dans un arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs qu'on peut voir, tu vois. Et on voit pas plus loin après le rouge parce qu'on n'est pas capable de voir les infrarouges. Et du coup, ça doit devenir votre arc-en-ciel dans le bouquin. C'est très bien ce que Mandrill fait. Mettez vos notes, écrivez. Mais la mysticosphère, c'est aussi un peu un cercle de poètes disparus. Si vous avez des pépites comme ça, Fabrice Hadjadj, il est vraiment extraordinaire. Partagé dans le Discord, il y a plein de trucs. Et puis ben moi, je vous partage des petites notes que j'avais prises pour Pierre-Yves, mais voilà, j'ai pas fait ça pour rien. Je vous les dicte maintenant en fin de live. Allez, vas-y. L'âge de la puberté, puis surtout l'âge nubile. L'âge nubile nous propulse sur la scène entre le boulevard et la tragédie. Donc quand t'es disposé à être marié. Au moins des amours, le morse n'a qu'à siffler sa femelle avec toute la sûreté que lui confère son demi-mètre d'os peignien. L'homme, lui, doit séduire une belle-mère, supporter de très longs repas de famille, déployer des trésors de patience et de diplomatie. Il désire Frénégonde, mais il lui faut d'abord sourire à son ennuyeux cousin Bertrand. Il voudrait la prendre dans ses bras, mais son père exige qu'il se fasse d'abord une situation. Notre indétermination quant au temps de la pariade, ne nous rend pas exactement plus libre que le morse. Elle est toujours déjà ressaisie par une détermination historique, tant personnelle que sociale. L'absence de saison décisive, donc de rut, hein, si vous comprenez ça, laisse ouvert la place à des régulations politiques et religieuses. Dès l'origine, le rite est notre rut. C'est extraordinaire. Le rite est notre rut. Et je finirai, parce que j'en ai plein, hein. j'ai le paradis à sa porte, qui est aussi génial, qui a un pavé comme ça. Puis là, c'est la profondeur des sexes, pour une mystique de la chair. Ça va plaire à Apollos. Alors, quant au visage, ah oui, ça c'est sur la grimace à cause du coït. Il râle, non pas de la mort, mais du coït. Mais qu'advient-il à l'heure de la merveille? Donc sous-entendu, le coït, hein. Moi, je vais enlever le petit Miyazaki en fond. Là, je vais mettre un truc plus rigolo que Miyazaki. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah ouais, ça c'est chou, ça c'est bien.
là. Voilà. Désolé les amis, mais une petite ambiance là, une petite nappe. D'ailleurs, la prochaine apocadrille, Ravaillec m'a fait des nappes, vous allez péter les plombs, ça va être magique. Je pense que, d'ailleurs, je l'ai dit à je vous dis, mon prochain apocadrille, c'est l'apocadrille post-mortem. S'il m'arrive quoi que ce soit, vous savez que c'est celui-là qu'il faudra sortir. Tous les autres, ils étaient bien. Celui que j'ai fait avec Prince Nobongo sur l'art brut était bien. Mais il n'est pas personnel. Celui-là, j'ai tout mis. Alors, mais qu'advient-il à l'heure de la merveille, le coït? Adieu le joli lyrisme, le, ouvrez les parenthèses, ou majuscule circonflexe, O, se corrompt au A. La parole sombre dans le râle. Les yeux se révulsent, comme dans une agonie. Quant au visage, trois petits points, ouvrez les guillemets, le visage humain, Covid croyait façonné pour refléter les astres, le voilà qui ne parle plus qu'une expression de férocité folle et qui se détend dans une espèce de mort. Et tu vois là, Sacha Grey peut avoir une très vilaine sale gueule quand elle détend son espèce de mort. Car certes, je croirais faire un sacrilège en appliquant le mot « extase » à cette sorte de décomposition. Baudelaire va jusqu'à assimiler la pantomime de l'amour physique à, ouvrez les guillemets, une torture ou à une opération chirurgicale, fermez les guillemets. Selon lui, on n'y trouve guère le sourire, mais un opérateur et un sujet, une concentration extrême et une sauvage convulsion. Le visage s'y effondre dans une grimace. Peu s'en faut que je ne retombe dans l'idée que le coït entraîne une régression bestiale. Ouvrez les guillemets. Imaginons la surprise de celui qui n'en aurait pas connaissance et qui, par machination, découvrirait, sans être vu, les transports amoureux d'une femme dont la distinction l'aurait frappé. Il y verrait une maladie. L'analogue de la rage des chiens. Comme si quelques chiennes enragées s'étaient substituées à la personnalité de celle qui recevait si dignement. On pourrait en conclure avec le poète la volupté unique et suprême de l'amour J dans la certitude de faire le mal. Mais ce mal qui se fait avec amour, quel est-il? S'agit-il d'éliminer autrui comme visage? C'est vrai, tu t'élimines autrui. Tu sautes ta copine, ben, c'est plus son visage. Bon, le secret, c'est qu'elle sourit même pendant le coït. Fabrice Hadjadj, bon. D'un meurtre. Ah oui, je reprends la phrase. Mais ce mal se fait-il? Je recommence. Parce que c'est terrible, c'est incroyable. Et c'est la dernière citation. Mais ce mal qui se fait avec l'amour, quel est-il? S'agit-il d'éliminer autrui comme visage? D'un meurtre radical? Baudelaire parle de la perte du gouvernement de soi-même. Qui jouit, ne jouit plus de sa raison. Or, y a-t-il toujours mal à perdre le contrôle? N'avons-nous pas ici ce sentiment d'une part parce que nous prétendons avoir l'acte de l'extérieur sans y être engagés, d'autre part parce que nous ne le considérons qu'en termes de volupté et de possession? Jouir, faire jouir? Le grand Charles montre l'impasse. La plus haute jouissance est de faire jouir l'autre, comme on le fait souffrir. Car alors on le tient sous son pouvoir, on a trouvé le déclic qui commande son électrochoc, on sait comment se débarrasser de son visage. J'ai été dans le timing. Pas mal, hein, pour finir ce live, une petite note grivoise comme ça, mais... Superbe. C'est ouais. Pas mal, hein. Bah, j'en ai fait toute une vidéo en plus sur le fait que la guerre et tout care, c'était le même mot, en fait. Vas-y, c'est développe, c'est double. Mais non, c'est la relation, en fait. La guerre, ça n'a... le fait d'entretenir une relation, to care ou la charité, c'est le même mot en fait. Tout ça, c'est des dérivés de la même idée. On t'as entendu, chérie, care. La guerre et la relation, c'est la même chose. Oui, c'est exactement la même chose. Il y a eu des petites tensions Instagram, mais elle avait raison. Elle a le droit de nous couper les couilles de toute façon. Sans rentrer dans des images détaillées, il y a plein de façons de faire l'amour. Il y en a des plus ou moins violentes, et la différence avec une guerre, on la voit pas trop des fois. Parfait. Et le truc, c'est qu'à la base, mourir effectivement dans l'autre ou par l'autre, c'est la même idée, c'est l'Occident, c'est le soleil qui se couche à l'horizon. Donc,
la nuit, tout le thème nuptial, c'est tout ça en fait. Et le fait de perdre la raison, le fait de ne plus être capable de se tenir debout, c'est tout ce thème-là qu'on retrouve même dans les mots de tout ça. François, qu'est-ce que t'as envie de dire ? T'es fatigué ? Hein ? Je dis François. Ça coupe énormément chez moi. Hein ? Ah oui, ça, t'as pas le droit de trop parler à cette heure, hein, parce qu'il... C'est ça ? Je joue aussi plus souvent, mais surtout ça coupe, je sais pas pourquoi. J'ai quasiment qu'un mot sur deux, là. C'est chagrinant. Poursuivez, j'écoute toujours. Ah, j'essaie de reconstituer les... Les Américains appelaient leur bombe Little Boy ou Grandpa. C'est sur le Japon, ça. Comme si on pouvait leur donner une bonne tape dans le dos après un barbecue. Réar inaugure une familiarité inverse. Ce n'est plus la bombe. Ce n'est plus la bombe qui porte un gentil nom de bonhomme. C'est la bonne femme, la baigneuse, qui devient une bombe sexuelle. Il fait toute une analyse après du bikini. Et ainsi, le bikini est donc de l'ordre d'un divertissement démultiplié. Au temps de Pascal, le divertissement était déjà énorme. Et l'on n'avait que sa propre mort, dont fuir aveuglément l'angoisse. Aujourd'hui, avec la bombe, autre gâterie du progrès, on a, outre la mort de toute l'espèce humaine, le divertissement ne peut plus être que frénétique. Je ne parle pas de la crainte d'un hiver nucléaire, je parle de la réduction technicienne du monde. Tout y est transformable, tout y est consommable, tout y est déjà atomisé. Le Rhône n'est plus un ondoyant mystère. Il sert à refroidir la centrale. La nature n'a plus rien à nous dire. Elle n'est qu'un fond à exploiter. Ça, c'est la puissance de Fabrice Adjadj. Quand il dit le Rhône n'est plus un ondoyant mystère, il sert à refroidir la centrale. Vous savez à quoi il fait référence ? Parce que c'est déjà tellement puissant ce qu'il dit. Mais l'ondoyant mystère, c'est Kaufmann qui, par un accident avec la capillarité de ses doigts, touche ce qu'il avait composé comme premier molécule de LSD, part avec une putain de... Il faut lire les écrits de Kaufmann quand il a pris du LSD. Il est dans un état d'euphorie, sans savoir qu'il a pris par capillarité des doigts la molécule. Puis il sort, il a un truc, en fait, il a une montée, quoi. Il a une montée, quoi. Et le mec, il est complètement... Puis il prend son vélo, il est à Bâle, il suit le Rhin, puis il est dans un état pas possible. Puis quand il s'arrête, puis qu'il est là, parce qu'il commence à avoir ce qu'on appelle les visus, qu'il a de la déformation d'image, due au principe actif. Puis quand il regarde le Rhin, puis qu'il voit qu'il ondoie, et puis qu'il est arc-en-ciel, là il se dit, putain, je crois que quand j'ai manipulé la dernière boîte de pétri, là, ou je sais pas ce qu'il a touché, mais en gros, merde, là, il y a eu un truc. Il y a que des références. Donc, en fait, il y a la lecture déjà incroyable d'Adjadj, mais si t'as un petit peu de culture, tu vois encore tous les autres petits clins d'œil qu'il fait. Et moi, Dieu sait, comme je reste humble, parce que lui, il y a plein de trucs que je vois pas. Et ça, c'est ma grande frustration. Ce mec est pas mal, hein. Ce mec est pas mal. Ah oui, ça c'était... Alors, toujours sur le bikini. L'homme et la femme n'ont qu'à plus... l'homme et la femme n'ont plus à s'y recueillir, mais à s'éclater. On parle de la société du divertissement. Il y a un petit côté post-situationniste hein, chez Adjadj. Et le maillot de bain est maillon de l'abîme. Le bikini convient très bien à la noyade. Ces quatre petits triangles en sont le signe. C'est une étoile de David explosée. Pas mal. Quand on sait qui gouverne le porno en state. Ah, il est un peu taquin, ce Adjadj. Est-ce qu'on en finit là, les amis ? C'est minuit une. Je vous ai tous massacrés, là. Si M. Gélou a quelque chose à dire, je vais me l'envoler lyrique pour nous en... Moi, j'ai plus un adem, justement, je voulais te proposer, puisqu'on t'avait pas beaucoup entendu, si t'avais quelque chose à dire encore, petite digression. Ah, généralement, c'est toi qui cloue les lives. Ce sera certainement pour la prochaine fois, je ferai un thème sur. un thème assez croustillant, ouais. Effectivement. Qui me touche beaucoup depuis que... Enfin, qui me touche depuis très longtemps et qui me revient bien à l'esprit depuis que Carl Zero... Tu connais Carl Zero, Mandril ? Bien sûr. C'est, moi, j'apprécie beaucoup ce type. Il a une chaîne YouTube. Il a sorti un documentaire qui s'appelle 1 sur 5.
et qui est sur les violences faites aux enfants, notamment par les boomers et compagnie. Et c'est, il ose dire des choses qui sont très très impressionnantes. Je pense que la prochaine fois, ou peut-être une autre fois, je décortiquerai la propagande révisionniste qu'ont certains politiques. Alors actuellement plutôt de gauche, autrefois c'était la droite qui s'emparait du monde antique, maintenant c'est la gauche, mais comment ils utilisent ce qui se passe dans l'Antiquité pour justifier les théories complètement délirantes. Allez sur la chaîne de Carl Zero, ce qu'il fait sur l'enfance et sur la... Ok. Tu mettras tout ça en lien Ouais. dans Le le reportage Discord. 1 sur 5, c'est ça? Ouais, sur la P Philly, je peux pas le dire en entier Ouais, sinon on va se faire griller. ouais. Sur la Voilà. pmbap Voilà, et le D'ailleurs, c'est super. Pierre-Yves Lenoble a un terme, on devrait même pas appeler ça, on devrait carrément dire, c'est un truchement du langage, c'est pédocriminalité. Oui, C'est que tout ça, il à n'y a pas fait. de pédophilie, c'est de la pédocriminalité. Mais Ou bon, j'ai alors pas envie de me faire aussi striker. simplement dire scandale. Gardez-vous de toucher à ces enfants. On vit. Oui, on disait le scandale. Ah, c'est pas Ah, mal. ça désigne pas vraiment purement la pédophilie. Mais là, on peut utiliser ce contexte pour désigner ça comme tel. Ouais, sur ce que, alors justement, en parlant de là-haut dans le vin, sur cette question-là, mes amis musulmans, c'est assez relou. C'est un moyen de se friter bêtement avec mes amis musulmans sur cette question de la pmam justifiée dans le contexte 8 ans Aïcha, ou enfin ce genre de conneries, quoi. Mais on va pas parler de ça, je m'en fous. C'est aussi une autre mœur, autre époque, autre mœur, autre lieu. Bref, le but, c'est la mysticosphère, c'est pas de se foutre sur la gueule. C'est au contraire d'échanger des auteurs, de te faire des. Merci François pour ton exposé sur la royauté. C'était extraordinaire. Merci Viso pour d'avoir pu décrypter à partir de l'héritage égyptien le proto-canaan. Toi, je préfère le prononcer parce que. Proto-sinaïtique, j'ai toujours de la peine. Mais tu sais qu'on n'a pas On beaucoup y est. maté, on n'a pas beaucoup maté tes images. Bah, aucun souci. Mais moi, je tenais également en fait à remercier tout le monde, hein. Les intervenants, toi, Mandrill, puis le chat de qualité. Je pense qu'on doit relever parce que ce live, il était accompagné de commentaires vraiment intéressants. Ouais, il y a vraiment Puis des gens cool j'avais. dans les commentaires. Voilà. Puis je pense que si un petit mot de la fin, c'est que chacun donne et se donne. Parce que comme le disait, tout donner n'a rien donné du tout. Alors, vas-y, redis-moi, parce que j'ai fait une connerie. Redis la phrase. Je disais, Céline disait, celui qui n'a pas tout donné n'a rien donné du tout, c'est ma devise absolue. Donc, donnons. Pas de rétention. Le coquin et l'épée, hein, j'ai commencé la phrase sur Paracelse avec ça. Hein. Riche est celui qui donne tout, pauvre est celui qui possède et garde tout. Je vous promets, les amis, merci pour tout ce qu'il y a eu. Il n'y a pas eu beaucoup de dons, Merci je beaucoup. tire un peu la gueule, mais c'est vrai que vous sachiez, les amis, que si vous me faites des dons, c'est pas pour m'acheter un Hummer ou un pick-up, comme certains youtubeurs avec talent et drôlerie annoncent fièrement. J'ai rien contre ce genre de comportement. Assumé, au moins. C'est assumé. Non, moi, si j'ai la possibilité d'avoir des dons et un Tipeee qui me permet d'un peu de tourner. Il y a des reportages qui vont être de qualité. Le prochain va vous plaire. Franchement, le prochain Apocadrill, je vous dis, c'est mon posthume. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait des images de brume, mais vous n'allez jamais voir ça. J'ai utilisé du Lorne et du Ravaillac, du Henri Corbin, du Pierre Biget, grâce à. Parce que j'ai des gars de Baglis TV qui me. Luc Biget. Luc Biget, merci Luc. Et Luc Luc. Biget qui me permet. Enfin bref. Les gars de Baglis, ils sont adorables. J'ai vraiment beaucoup de chance. En fait, au final, j'ai tout le monde qui est assez gentil avec la vieille Mandre. Que ce soit les Rose-Croix, les gars de Baglis, mes potes parisiens universitaires comme Gilou. Le but, c'est de faire du lien. Et puis. Je suis pas universitaire, par contre. Oh, t'arrêtes. T'arrêtes ton autocatégorème. Bon, les amis, n'oubliez pas La une vie est chose. C'est vraiment en ce moment, il faut. Mais vraiment, en ce moment, malgré tout ce qui se passe, c'est de prier, non pas pour demander, mais pour vraiment remercier, parce que les étincelles, quand on souffle dessus, elles reprennent. Viso, avant de finir, ce personnage que j'ai mis en fond d'écran là, ce moustachu, c'est qui?
C'est Abel Bonnard, justement, qui a écrit Éloge de l'ignorance, que j'invite tout le monde à lire. Ok. On en a parlé tout au début du live, ouais. Oui. Et attends. Alphabet. Ah, le soleil et les Égyptiens, ça c'est l'image 3. Et le couple avec un enfant. En fait, il y a deux enfants, chacun tient un enfant dans ses bras. L'image 3 qu'ils nous avaient envoyée. Je vois en décalage, moi, là. Ouais, mais l'image 3, c'est les deux pharaons qui tiennent un bébé. Avec ses rayons, avec des bras. J'adore, comme ils représentent. Oui, ça, c'est pour la pierre d'Abydos. Ah, puis tu finis avec Céline. Tu m'as fini une image de Céline. Oui. D'où ta citation. Oui, parce exactement. Que Viso, sur sa chaîne, c'est un des meilleurs... Enfin, de tous mes potes, quand c'est médiéval... Il y a François, quand c'est antique, il y a Gilou. Quand c'était 19e et puis Balzac, bah, il y avait mon autre pote, mais maintenant voilà. Si c'est Céline, c'est Viso. C'est ça. Le lanceur de casquettes indien. On peut m'appeler comme ça. Ouais, merci beaucoup. Akhenaton, oui, Akhenaton, no jutsu. Vous êtes con. Bonne nuit tout le monde. C'était un peu le bordel. J'ai un tout petit peu merdé avec le Discord au début. Mon ordi lag est tout le long. En fait, je commence à quand même maîtriser ma tempérance là, parce que j'ai failli à mon entourage quitte tellement que ça m'énervait. Même les aperçus de tes images que je voulais montrer laguaient. Je comprends pas. Mais c'est très bien. On finit sur Céline, c'est très bien. On finit sur Céline et on finit sur Ulysse 31 avec mon affreuse autotune. Si j'ai plus de dons, je pourrais refaire un putain de clip avec Katsugun et Marcassin qui passera une seconde dans ma live parce qu'il y a des potes qui font de la 3D et des machins. Le but, c'est de faire vraiment de la qualité puis de se marrer et puis de faire des clips d'éconne. Voilà. Garder le meilleur des inconnus, des nuls, de l'humour Las Palais et même à la limite Internet. Mais malin, quoi, pas juste de la déconne. Mais si c'est que des trucs pompeux, chiants, ben autant vraiment alors aller à l'église puis faire l'initiation. Le support même d'Internet demande ce côté un pied dans les deux mondes. Alors on va boiter, hein, souvenez-vous, Jacob il se bat avec l'ange et après le combat, hein, Israël, il nomme d'ailleurs Israël, fort comme Dieu. Ben, je l'avais parlé dans l'apocadrille sur les rites de passage, il boite parce qu'il a deux, il a un pied dans l'autre monde, il a été initié. Alors nous on va boiter non pas parce qu'on est initié, parce qu'on assume qu'on est des trublions et des trombadours rigolos et frivoles, mais je pense qu'avec Fabrice Adjadj puis Paracels on a quand même saupoudré un petit peu avec Céline. Voilà, c'est ça la mysticosphère. Allez, tout bientôt les amis, on finit avec Ulysse 31. Et je vais faire un gros câlin à ma femme qui m'attend depuis un petit moment déjà. Peace. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Apocadrille, mandrill. Contre lui la gauche, les pièges géants. C'est le Kali Yuga pour la vie. Apocadrille. Élite pour son destin. Salut, c'est moi le facho. J'ai tes collabos. J'écoute mandrill, ici c'est Apocadrille. Je suis un gros facho, je suis sur les gauchos, universitaire, progressiste et très cuit. Apocadrille. J'ai perdu mon job, je suis sur YouTube, j'ai besoin de type, la moule à musique. Mandrine 31, tes cours de philo. On est sur YouTube avec des gros tunnels. Apocadrille, et c'est un bien long chemin. Apocadrille, élite pour son destin.
Salut, c'est moi le facho, j'ai été collabo. J'écoute mon drill, et c'est sa focadrill. Je suis un gros facho, je suis sur les gauchos, les transphédés et les féministes.